T'es sérieux là? Ouais, ouais, oh, ouais. Wesh, bien ou quoi là? Ouais, Kadar, c'est moi. Ouais, tranquille. Attends, hey, t'es sérieux la bagnole là? Ah, ça m'a coûté que 200 000. J'ai acheté une moto, 500 000 la moto. Ça paye ou quoi là, l'SPG? Ouais. T'as trouvé où le budget gros? Fait que je me suis acheté une moto, devine le prix de la moto. Ah, je connais pas. 500 000 euros. Ouais, oh, l'intérieur et tout. Attends, c'est quoi? C'est des voitures rétro ou quoi? C'est une voiture de collection, t'as? Vas-y, montre, regarde, regarde là. Ça roule au charbon, c'est quoi ça? Côté et pourquoi le masque? Ah, c'est pour le charbon. Ouais, non, mais j'ai attrapé une maladie un peu bizarre. Obligé de porter ça. Eh hey, frérot. Bon, attends, attends. Bon, juste, je range le véhicule. On doit aller au commissariat en m'attendant. Vas-y, je sors du véhicule. Vas-y, viens, viens, viens sur moi. C'est le klaxon GTA 4. Monsieur, enlevez votre casque, s'il vous plaît, là. Vas-y, cadavre, viens, ouais, doyada. Enlevez votre casque, monsieur, c'est interdit. Bah, je suis un motard, monsieur. Non, mais là... Ah, mais y'a pas de moto autour de vous, donc enlevez-moi ça. Bon, bah, je vais prendre ma moto, excusez-moi. Alors, prends ta moto et dégage, surtout. Comment ça? Parle bien aussi, toi. Kadar, elle m'a coûté 500 000 celle-là. 500 000? Regarde, regarde combien de kilomètres elle vend. Super bonne cette vitesse. Attends, on va attendre les 300. Ouais, ouais, par contre, ouais, comme ta vitesse là, on va se faire opérer. Alors, je t'explique le topon. On va aller. En fait, on va démanteler le gang d'Amestraz. C'est le mec avec le mafia là. Ouais. Et on va les démanteler en tant que civil. Donc genre civil, s'il y a des mecs qui font de la merde, t'interviens pas. Genre personne doit intervenir. Ouais ouais, et toi t'as ta couverture, ça va, ils vont pas te reconnaître. Ouais. Ah t'es allé là-bas en fufu, c'est bon. Attends, je sais pas si... Je sais pas si ils sont ici. Donc pas de prise de service là, sinon je suis toujours armé hein. Ouais ouais, faut garder les armes. J'ai pas mes armes, wesh. Pourquoi? J'avais tout sur moi, j'ai plus rien. Vas-y, viens, viens, on va en prendre un non, petit non, non. Oh, vite, 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 parce qu'ils sont déjà partis, vite. On me l'a dit dans la radio. Vite, 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 vite. Putain, mes armes. J'ai... Normalement, t'as des armes, déjà. Ouais, mais il faut quoi? On y va en mode civil ou... Ouais, moi, genre, t'en fous, moi, j'ai pris une grosse carabine. Je prends quoi, fusil d'assaut? Non, non, t'as pas le droit, c'est que pour les gangs. Je prends quoi alors? Pistolet? Ouais, pistolet. Micro SMG, non, pas besoin. Machette? Non, non, interdit. On prend pistolet, c'est bon. Putain, y'a que ça, nique sa mère. Vas-y, 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 son intervention. Ça a déjà commencé. Vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai pas de casque là, putain, on est censé montrer l'exemple, on est des policiers. Non, non, justement, là on est plus des policiers, Kadar. Ouais, je sais bien, je sais bien. Non, pas mais je veux dire. Remarquer. Ouais, ouais, mais je veux dire pour montrer l'exemple en ville, quoi. Mais bon, c'est pas grave, vas-y, tranquille. Comme ça, j'avoue, comme ça on trouve. C'est un nouveau rôle qu'on joue là, j'avoue. Pour mieux les berner, voilà. C'est bâtard. La carte de l'infiltration. Ah, attends, par contre, pourquoi mon visage il est pas en DRK, wesh? Bah, c'est moi, je le vois en DRK. Non, mais pas moi, faut que je fasse quoi? Quand c'est comme ça, j'ai un perso de base. Ah bah je sais pas. Je reboot ou mais quoi les, mais, non non mais les autres te voient en... Ouais je sais bien, bon ok, bon je le ferai après, je rebooterai. Enfin je parle de reboot ma gueule quoi, t'as compris? Ouais je comprends, ouais. Depuis quand tu as peur de l'interdit? Ouais j'avoue. Ouais faut qu'on les baisse ces fils de... T'inquiète pas. En plus si on les trouve, si on les baise, ils nous donneront les... Ouais désolé ce que j'ai... Je commence ma journée sur GTA, les gars. Désolé pour le HRP. Voilà, petit casque. Je savais bien que tu l'avais mis derrière. Bon, j'ai reçu la position, on y va. C'est parti. J'y mets les gommes. Oh putain, vas-y, je me raccroche à toi. Oh, je panique. Accroche-toi, mon zizi. De ouf, là. Ça va vite partir. Pour faire un topo pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, c'est les aventures de Patoche, Pat. Pat, c'est, qui est joué par DMG.
et Derka, Kader. En gros, nous sommes. Enfin, lui, apparemment, il est sergent, moi je suis officier. En gros, on travaille pour la LSPD et on doit démanteler un gang. Donc là, on y va en mode civil pour repositionner un peu le contexte. Et on va essayer de les surprendre. Ça vous va? C'est bon? C'est bien expliqué? Voilà, maintenant, fermez-la. Boum, aucun crunch. Tiens ton guidon. T'as vu, je le tiens bas en moto, hein? Ouais, j'avoue, tu conduis beaucoup mieux. Sors le pistolet, c'est ici. C'est bon, je l'ai, ouais. Attends, on va voir en bas. What, il se passe quoi? Ouais, y'a des mecs en bas, y'a des mecs en bas. Y'a un mec qui s'enfuit. Faut le taser, voilà, attends, je le tase. Mais non, je suis avec vous. Excusez-moi. Ah d'accord. Excusez-moi. Ouais, pas de soucis. J'essaie de remonter là, depuis tout à l'heure, on court dans l'eau. Ah vache. Ouais, ça va, c'est pas trop physique là. Ouais, c'est quand même, à courir dans l'eau. Rapidement, il s'est passé quoi là? Je viens de prendre le truc en cours là. Les deux messieurs ici se sont évadés d'un braquage de magasin. Aïe. Ouais. Et du coup, on les a interpellés. Donc, des litres, on les a interpellés juste là. Bah une bijouterie, une supérette, pardon. D'accord, montant du ouais, du préjudice. Mais monsieur, vous faites quoi? Allez, faut que j'aille chercher ma voiture parce qu'elle est toute seule là. J'arrive vite. Tu t'amuses à quoi toi? Ouais, tranquille, Pat, c'est vraiment pas tranquille. Ouais, mais j'aurais fait que de me taper quand je suis sur ma moto. Je sais pas, peut-être c'est un PNJ, je pense. Bon, c'est pas grave, vas-y, viens. Quoi? Bon, toi, écoute-moi là, tu vas devoir répondre là. Tes actes, ok? Ok. Faut pas faire ça, c'est interdit de faire ça, gros. Hein. On t'a dit, hein. Ok. Faut pas voler les supérettes, en plus t'as l'air très jeune, hein. Je sais, hein, c'est la Zermi, gros. T'inquiète, j'ai connu ça dans la rue quand t'as pas de thunes. Non, mais ok. Mais faut pas faire ça. Ok. Bon, Cadet, vous me surveillez ça là. Oh, je le surveille si ça nous parle, hein. Vous inquiétez pas. Ah, bah c'est toi, Mimouche. Mais ouais, c'est moi. Ah, c'est un nouveau, attends, 2 secondes, enchanté. C'est la personne dont je veux parler. Ah ouais, ouais. Mimoun Al-Qalb, enchanté. Ah, enchanté, ouais, ça va. Ah, je suis en stage. Ouais, je suis en stage, je viens du Maroc, j'ai été transféré ici des États-Unis. Et voilà, quoi. Je suis en pèlerinage, quoi. D'accord, très bien, bah faites bien votre travail, on apprendra à se connaître, ouais. Ouais, on se captera souvent, vous inquiétez pas. En tout cas, on m'a parlé de vous en bien, quoi. Ouais, j'essaie de faire respecter la loi, hein. Je suis aussi les citoyens dans cette ville, tu vois. Ah ouais, non, mais bien sûr, je comprends tout à fait. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Bah, je te l'avais dit. Je suis là. Je suis à votre service. Vous rentrez, ouais, c'est au bled, quoi. Vous avez des bouteilles de Selecto qui traînent, ça va me rappeler un petit peu. Ouais, exactement. Mais n'hésitez pas si vous en avez. Petite gazouze, ouais. Voilà, si vous en voulez, n'hésitez pas, j'en ai plein dans le coffre. On doit rentrer au coffre. Merci, c'est gentil. Y'a pas de soucis. Ok, on doit avancer sur l'enquête. Bon. Vas-y, on y va. A plus tard, les gars. A plus tard. T'as vu là, t'as bien, tu vois la nouvelle. Ouais, c'est super bonne cette recrue. Ouais. En plus, je l'ai fait passer à officier. C'est vas-y. La colique de Scream, les gars. De toute façon, on aura Scream bientôt sur le serveur. En plus, il pouvait pas jouer à GTA sur son PC. J'ai dû faire un tuto de 1 heure avec lui. Pendant 1 heure avec lui, avec parce qu'il avait des problèmes. Ouais. Mais tu l'as connu comment? Tu le connais comment? De quoi? Et tu l'as connu comment? Il est sur la chaîne de... Sur la chaîne de Kane. Ah, mais comment il connaît Kane? Je sais pas moi. Ouais. Bah, j'ai l'impression qu'il me connaissait déjà avant, il m'a dit ouais, je suis fan de toi, Damja. Ouais, parce que vas-y, ouais, il regarde mes lives. Ok. En vrai, elle a bien en RP. Tu sais que genre la première heure où j'ai fait un RP avec lui, il a déjà fait 3 tillons. J'étais mort de rire. Non mais t'es pas sérieux. Bah si. À la meilleure, c'était quand on était en haut d'une montagne. Il a fait un ring 1 contre 1 contre un prisonnier et elle l'a battu. Par contre, si je voulais dire, pour ma gueule, pour mon visage, faut que je prenne un masque, je pense. Tu vas aller au masque? Ouais, achat de masque là, je sais pas si c'est à côté. Merde, vas-y, vas-y, je mets le point. Achat de masque, je crois que je dois l'acheter, je dois l'enlever. Là on doit aller où là? Bah tu vas l'acheter un masque non? Ouais masque, après je l'enlève et ça va m'en mettre mon visage. Mais par contre
faut voir. On en est où là sur le, la radio? Ils disent quoi? De toute façon, elle m'a dit, genre, on aura fini l'action, enfin l'OP avant 20h30. Ah, ok, nickel. Ok, donc on a le temps de poser là. Merci, salade verte, merci beaucoup. Merci. Check Rakaï pour toi, ouais. T'en as un cadeau. Il faut que j'achète un masque. Ah, ouais, d'accord, ok. Ah merde, j'ai pas de thunes. Oh, y'a un petit problème là, j'ai pas d'argent en fait. T'inquiète, moi j'ai de la thune maintenant. Merci gros. D'ailleurs, je sais pas si je t'ai dit, mais... T'es au commissariat, on te réserve une surprise. Ok. Une grosse surprise, hein. Moi ça marche pas, c'est pas grave, Kadarin là il t'attend tous en plus. Ouais, attends, ça va être fast, ça va être fat, t'inquiète, bon, j'arrive, je reviens. Ah ouais, mais t'attends tous. Avec Orocan. Ouais, mais t'inquiète, ça va aller vite. Ça me saoule. Ça marche pas au pire, c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, je vais essayer une fois. Bang, bang, bang. Dommage que j'ai pas appris le comorien, mais ça doit être bien drôle. Non, c'est pas ça le comorien, vous êtes sérieux? Ah putain. Merde, c'est un serveur whitelist, faut pas que je leur montre. C'est lequel? Je cache la scène, vite. Mac. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, il y a Oni qui te passe le coco. Oni? Ah oui, Oni. Il m'a dit de te le dire. T'as joué avec lui aujourd'hui? J'ai fait un pick-up hier soir avec lui. 49 mois peut-être, mais c'est pas encore les 50, c'est pas encore les 50, Shax. Ouais, il faut que tu m'appelles quand il y a des pick-up comme ça qui s'organisent. Non, mais c'est pick-up Valorant. Ouais, je serais venu. Ah ouais? Bah oui. Je t'ai dit, j'ai joué au jeu. Il y avait moi, Smiley. Oui, c'est déjà bien, Shax, t'inquiète. C'est bon, je suis là. Smiley, Oni, etc. Non, ça bug. C'est pas grave. Kadar? Ouais. Est-ce que t'es prêt mentalement pour la surprise que tu vas recevoir? C'est-à-dire, on a acheté du nouveau matos là pour attaquer les gangs là, c'est bon? Non, mais c'est une surprise personnelle, c'est pas pour toi, c'est pas pour toute la LSPD. Attends, c'est une surprise spéciale pour moi? Bah ouais. Mais non. Bah si. Ah ouais, voilà. Je te jure, on va voir. J'aurais évité de pas pleurer devant le commandant, d'accord? Ah ouais, mais ça me touche, gros. Moi, j'étais dans les quartiers et tout, j'ai vécu en cité. Même ma mère, elle me foutait l'art Schumax. Elle me donnait son fond de canette, quoi, le jour de mon anniversaire. Elle m'achetait des vieilles briques tout schlaguées. Elle mettait une bougie dessus, la tête de l'homme, c'était l'art Schumax. J'ai jamais eu un anniversaire digne de ce nom. Une fête pour moi, sérieux? Ah, ça va m'émouvoir. Ça va m'émouvoir. Sérieux? Mais non, arrête. Arrête, voilà. Voilà, arrête, sérieux. Non, sérieux, faut que tu pleures d'argent. Non, mais rien que pour l'attention. L'attention, ça fait plaisir. Non. Ça va voir, Kader, peut-être que ça va pas te plaire après, hein.
Une pute marocaine, c'est quoi, Dans la rue, vous avez consommé quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens, Kader, sur moi. Mettez-vous ce côté-là, mettez-vous ce côté-là-bas. Ouais, bon, les clochards, les SDF, vous les mettez dans une autre pièce, là, pas dans la salle comme ça, la salle d'attente. Ah, mais gars, je prends un lieutenant, Kader. Ça te dérange? Je vous ai dit, mettez-vous là-bas, vous. Ah, ok. Putain, ils sont sérieux, les gars, ils mettent les clochards à l'accueil, quoi. Donc, vous avez bu? Non, j'ai pas bu, mais je peux pas boire, j'ai 15 ans, man. Ok, vous êtes 15 ans, c'est dans la rue. J'ai une carte gentille. Elle est toujours bonne. Hein. Pourquoi on entend encore d'ici? Oh. Putain, ils sont sérieux, ils ont laissé les magazines du mois dernier encore, putain. Quelle bande de losbar. Échange jamais un salon. Et quand la toilette là-haut, échange. Ah, vous êtes là. Vous allez où comme ça? Bah là, on a une réunion là, je sais pas quoi, Exactement, on a la réunion, je pensais que... Essayez de vous asseoir là. Commandant, je vais ramener Il va falloir faire l'opération. Ah, bonjour Kader. Ah, bonjour. Ah bah oui. Attendez deux petites secondes que je... Voilà. Bon Kader, venez avec moi. Oui, au rapport, chef. 98, vous gérez, vous faites le petit... Hein? Je vous laisse expliquer un peu ici au monde. Décadeur, je vais vous expliquer un peu. Je lui ai dit qu'il allait avoir une surprise, ne faites pas pleurer quand même, commandant. Non, non, y'a pas de soucis. Allez, Kader, on y va là. Attention pour moi là, ça fait plaisir, putain. Sautez un peu là. Non, mais je suis pas content. Sautez un coup. J'ai appris des choses. Ah, sur mon passé. Oui. Pas forcément sur votre passé, mais c'est sur ce qui s'est passé, ouais. Ah, sur des faits récents. Exactement, ouais. Dans cette ville. Bah, je sais pas, j'ai pas fait de boulette, j'espère. Patrick, mettez-lui un peu au courant de la situation. D'accord. Vous allez laisser Sébastien. Vous vous souvenez quand vous avez tourné vous et que vous avez interpellé les individus sur le traitement de coke là. Vous achetez des vêtements. Ouais, on était en hélico, on a vu des choses, on essaie de bien faire, de travailler quoi. Vous achetez quelque chose à manger et vous revenez. On a pris des informations et après vous en faites pas, on n'est pas intervenu, on a fait ça bien. Fermez la porte et ne faites pas rentrer. Attendez, c'est moi Kader. Mimoun, à quel moment est-ce que je t'ai demandé de rentrer? J'ai pas entendu une seule fois que t'as toqué à ma porte. Je suis désolé, je commence à en avoir marre que vous rentriez tout le temps dans mon bureau à chaque fois là. Je suis désolé, j'ai pensé que c'était une réunion familiale. Non, monsieur Mimoun, vous sortez. Voilà. Micro dans l'éance, désolé. Ouais, y'a pas de soucis, monsieur Mimoun. Vous allez annoncer la nouvelle ou pas, commandant? Vous voulez prendre ce plaisir? Ouais. Ouais, allez, dis-lui. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Darkan. Ouais. J'ai le regret de t'annoncer que tu n'es plus officier dans cette ville. Quoi? Vas-y, Niki Voraz, c'est sérieux là? Parce que tu es sergent! Ouais, sérieux? Mais non! Promu! Exactement. Promu. Exact. Allez, je suis promu là! Pendant ce temps-là. Avec toi? Allez, pendant ce temps-là, l'Olympique Lyonnais là, c'est des bouffons là, ils ont même pas l'Europa League là. Et alors que moi, je suis promu là, Champions League, niveau Champions League. Hey, fuck l'OL! Bas les couilles, gros! Eh hey, oh là, c'est de la bien dans le cul ce bâtard. Je peux savoir ce que vous racontez là? Ouais, c'est parce qu'en fait je suis le championnat français en fait. Ah d'accord, ouais. Ouais. Bon. Revenons un point un peu... Parce que là c'est sérieux ce qu'on parle à Kader. Ouais, désolé, vous êtes promu. Je me remets mes émotions. Ouais, y'a pas de soucis, Patrick a eu la même... Vous êtes au courant pour Patrick? Ça veut dire que le salaire et tout, ça va être... Oh putain... Exactement, votre salaire est augmenté donc. De nouvelles responsabilités, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ouais. Exactement. Il faut savoir aussi. Exactement. Il faut savoir aussi, monsieur Kader, c'est que maintenant vous avez la possibilité de prendre des armes un peu plus lourdes de votre propre main. Exemple, un bullpup. Comme ça. Ouais, par contre, arrêtez de sortir votre arme à chaque fois de votre tuyau là, parce que vous commencez drôlement à m'énerver là, Patrick. Merci. J'ai oublié mon sac à dos, excusez-moi, commandant. Voilà. Sortez là de quelque part où vous l'avez laissé, mais pas de votre tuyau, s'il vous plaît. Je suis pas en cassage bon, d'armadan, les gars. Monsieur Kader, c'est un personnage. Donnez-moi votre badge, là, que je l'actualise. Ah ouais, attendez. Hop. C'est bon? Alors, attendez. Parce que ceci. Automatique, là, il est complètement. Je peux récupérer le nouveau badge? Ouais, récupérez-le. C'est bon, il est actualisé. Donc, votre fiche de salaire, bah, vous êtes augmenté, hein, bien sûr, de 500$. Oh, est-ce que vous avez des questions par rapport à votre promotion?
Non, non, bah, en fait, qu'est-ce qui va vraiment changer? C'est-à-dire qu'on aura... Alors, vous avez des ouvertures, ouais. Exactement. Vous êtes au courant qu'il y a des brigades en ville, des brigades SWAT, la brigade civile, ainsi que la brigade motard. Vous avez le choix entre ces trois brigades. Vous êtes convoqué chez l'un des trois lieutenants pour choisir votre orientation. Ils m'ont déjà proposé. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, chef. Donc, vous revenez vers moi pour me dire quelle brigade, si jamais vous connaissez pas les lieutenants qui sont dans cette affaire, je vous les amènerai. Ça va? Ouais, déjà, j'ai un petit penchant pour le SWAT. D'accord. J'ai vécu des SWATing, en fait. De quoi? Non, mais c'est une autre vie. Vous êtes sérieux, là? Ouais, mais à l'époque, c'était des appels malveillants, quoi. Et ouais, bon. Mais j'espère que ça va, là. Ouais, non, vous en faites pas, on s'en remis avec ma maman. Super, je suis super fier. Bon, excusez-moi, je mange mon pied sandwich. Du coup, comment elle est touchée une promotion comme moi? Une prime? Ah oui, bien. Oui, la prime. Attention, Dark, hein. Par contre, tu m'expliques ce que t'as comme maladie, sérieux, pourquoi tu mets un masque à H24, là. Il a quoi, mon commandant? Ouais, c'est à propos d'un gaz qui a pété, je sais pas ce que... Expliquez un peu parce que... Vas-y, se termine par clon. Ouais, ça, je connais. Voilà. Ouais, voilà. Bon, votre prime. Ouais. Par contre, c'est une grosse mallette, donc je vais regarder où est-ce que je l'ai mis, parce que je l'avais préparé pour... En fait, je devais vous le donner, votre promotion et votre prime, il y a bien longtemps, mais vous êtes parti un peu trop tôt, donc enfin, soit. Alors, attention, où est-ce que j'ai mis ça? Attends. J'ai peur qu'il pleure de joie, par contre. De quoi? J'ai peur qu'il pleure de joie. J'espère qu'il pourra changer ma vie définitivement, sérieux. Bah monsieur, vous partez sur bah écoutez, maintenant que vous êtes un bon policier, hein, que vous êtes respectable, etc. Ouais. On peut le dire, oui. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Oui, on peut le dire. Ça va changer votre vie. Je suis pas dépensier en général. Je fais plaisir aux autres. J'envoie de l'argent à Monogram, à ma famille. En Algérie, et puis voilà quoi, ma mère elle est rentrée au bled il y a quelques temps et c'est pour la mettre à l'abri quoi. Y'a pas de soucis, bon. On essaie de construire des choses pour les enfants là-bas sur place et. Donc toi, aucun plaisir ici à part quelques. Voilà. Ok. Bon, je sais pas qui a changé mais à la base c'était. Ah bah il est là! Ah bah super! Je cherchais, c'est pas ça donc. Attendez deux petites secondes. Hein. Bon guide. De quoi bon guide? J'ai un peu du mal avec. Prendre Darka, l'argent, faudra vite le mettre en banque. Hein. Ah oui, ça c'est un conseil. Je sais pas, on va voir combien c'est. T'inquiète, j'ai reçu la prime, t'inquiète. Voilà. Ah la mallette, elle est là. Super. Bon monsieur, aussi votre prime. Ouais, tac tac tac, s'il vous plaît. Pas encore, attendez un petit instant là. Oh putain, merci. Voilà, s'il vous plaît. Quoi? Comptez avant de crier. Mais non, mais là, il y en a trop. Commandant, je sais pas si je mérite. De quoi? Mais c'est pour tout le monde, hein. Tout le travail mérite salaire, monsieur. Non, mais... Donc maintenant, vous allez ranger ça, vous allez vous habiller, on va travailler. Ouais, mais là, je peux pas garder ça, là. T'as donné de combien, Kadar? Attends, je te dirai ça après, là, mais c'est une putain de somme, faut pas que ça... Moi, j'ai regardé à moi, je crois que j'ai reçu la môme. Attendez, mais... Ouais. Monsieur, je peux savoir pourquoi vous dormez encore dans mon bureau, vous? Ouais, dans ces eaux-là. C'est comme ça que j'ai acheté mon moto. Dessus, là, il est 6 du mat, vous me réveillez, monsieur, vraiment la porte, j'ai un chat. Viens vite, Kadar. Comment ça? Ça fait 2-3 jours que vous dormez tout le temps dans mon bureau. Je veux savoir ce que vous faites. On m'a enfermé au commissariat, monsieur. Mais monsieur, quand je vous demande de sortir et vous sortez pas, que vous restez dans mon bureau, c'est un peu normal que je ferme la porte et je vous laisse là. Écoutez, monsieur le commandant, j'aurais ma tenue d'ambulancier, vous me respecteriez plus. Ah, c'est vous, monsieur l'ambulancier? Bon, écoutez, je sais pas pourquoi. Il nous a sauvés, là, une mise là pour un accident. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a une mise à pied ou quoi? Bonjour, officier. Non, il est EMS. Peut-être que vous confondez avec. Ouais, non, je parle de OMS, ouais. C'est votre officier, là, c'est votre camarade Patrick, il m'a fait mauvaise blague, il m'a enfermé ici toute la nuit et je me suis endormi, quoi. Il est où, Patrick? Commandant. Ouais. Vous avez un nouveau recrue qui est resté dans les locaux, quoi. Qui a été accepté. Bah, écoutez, monsieur l'agent. Ouais, bonjour. Écoutez, hein. Mais dans le bureau. Tu peux dire, l'agent, on va mourir.
Ouais, si. Dans la voiture blanche. Ouais, mais si on se fait stalk, go. Bah, viens, tu es dans la voiture blanche. Descends du véhicule, descends du véhicule. Ah, c'est comme ça que j'ai acheté ma. Vite, rentre vite. Allez bien, monsieur. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va aller, c'est d'Algérien. Désolé. Attends, fini, je vais retourner dans mon véhicule. Monsieur, on n'a pas envie de. C'est comme ça que je me suis acheté ma moto à 500 000 euros. Ouais, mais on verra ce qu'on peut acheter avec. Non, j'ai acheté des tas plein de possibilités. Vite. Vite. Dépose. Vite, on va nous voler l'argent. Regarde autour de toi s'il y a des gens qui nous ont suivis. Comment je vais déposer? Mais... 500 000. Les gars, je suis riche, les mecs. Je suis putain riche. Putain, merci sir Alex. Enfin. Putain, Inch'Allah, dans la vraie vie, j'aurais un compte comme ça, un compte en banque comme ça, t'imagines? T'allumes ton application Bread et tu vois 500 000. Putain, ce serait tellement le kiff. From interdit bancaire, les gars, tout 500 000. Vas-y, monte vite, avant que là. Oh là, frère, tu m'as remis bien niveau thune. Filtration. Allez, je. Go, les gars. Ah, maintenant, on peut commencer à la grosse opin. Vu que t'as été promu. Du coup, attends, badge, on y va, on se met en tenue ou pas? Pas encore. Ah non, je crois qu'il faut le faire en civil. Hein. Viens, on va demander. Okay. De toute façon, ça, on prend notre temps, hein, tranquille. Là, il n'y a que 17h là. Ouais, ouais. Au pire, on peut aller. On peut commencer les hostilités à. Allez, à 18h30, les mecs, ça paraît bien, non? Dans une heure. T'es où là? J'ai déjà fait deux Kuroko. Monsieur est à la Bread. Vous êtes sérieux, les gars là? Pourquoi vous voulez me hacker mes comptes ou quoi? Ouais, j'ai une carte bleue Bread, et alors? Oh non, les bâtards, ils vont stalker mes comptes parce qu'ils savent que j'ai toujours le Bread Créteil Soleil. Pourquoi? T'as une. Le pire, c'est que. Si t'as ta mère qui travaille à la banque, elle peut avoir accès à mes comptes, ouais. Elle peut avoir accès à tous les comptes, quoi. Elle a juste qu'à avoir mon nom et prénom, elle a accès à tous les comptes. Tu travailles, mais non! Oh, les bâtards! Oh non, les gars! Regardez pas ce que j'achète, c'est intime. Non, de toute façon, t'as pas le droit, je crois. Kadar? Ouais. Eh, viens, faut se mettre en tenue et aller acheter un sac à dos pour ranger les pétrés dedans. Voilà, exactement. Faut pas traiter un torse nu, hein. Sinon, voilà, c'est un puteur. Merci, une jute pour les 3 mois, merci beaucoup. Donc, venez avec moi, on va aller chez le maître. On y va, on se met en tenue, hein. Ouais, ouais, et du coup, faut que t'ailles retirer 50 000 pour t'acheter un fusil bullpup. Putain, je dois l'acheter. Bah, ouais. Vas-y, viens sur moi. T'es sûr qu'on en aura besoin? Bah, ouais, attends, tu vas pas tirer au petit pistolet quand même sur le Mac. Monte dans le véhicule blanc. Comme tu veux, t'as envie de leur tirer au petit pistolet ou pas sur la Mac? Ma copine y travaille. Attends, est-ce que les mecs ils veulent savoir combien j'ai sur mon compte Bread? Il y a le secret pro. Si, parce que je sais que la mère de David elle travaillait. Elle avait accès à tous les comptes bancaires, même des stars et tout, elle pouvait les voir. Bien, rien. Faut juste que tu prennes un sac à dos. L'OPSP n'a pas encore commencé, les gars, ça commence plus tard. T'es où là? Ok. Là, dans le magasin. Sac à dos, t'es sûr? Ouais. Bon, en fait, c'est pas RP sinon. Ouais, bonjour monsieur, vous en faites pas, nous sommes pas en intervention. C'est qui ce mec? Bon, moi je m'en fous. Acheter de nouveaux vêtements, tu veux chercher de quoi là? Un sac à dos. Putain, c'est trop bien fait sur ce serveur. Lequel? Le comment là, le gros noir. Regarde là, le. Il y en a plein des noirs. Mais non, là, celui-là là, le gros. Regarde, tu vois pas sur mon écran? Attends, tourne bien. Ouais, je vois ce que lequel c'est. Le noir mat, je sais pas, les plastiques. C'est bon, tu le vois là? Ouais, c'est bon, on est calé.
Vous n'avez pas assez d'argent, putain. Pompe-moi la bite, grosse salope. Hop, alors lui... Tu peux le ban direct ou pas? T'as un stalker, attends. Attends, je le bute au pire. Il est menotté. Il a des... Bon bah voilà, c'est réglé. Nique ta mère, toi. Je te donne de l'argent, Rara. Quelle violence. Ouais, vous avez rien vu, monsieur. Bouge pas, hein. Oh merde, attends, j'ai le projet le pont. Ils sont sérieux les mecs là, dans cette ville là, putain. Je suis aveugle, oh je suis aveugle. Vous voulez que je vous aide? J'ai des problèmes de vue. Non mais... Ah putain. Ouais mais vous mettez pas aussi à travers de mon chemin aussi, putain. Ouais, je viens de frapper un aveugle, putain. T'as pas honte? Bon bah, ça change à rien, normalement vous voyez rien, non? Bah restez comme là, restez là et... On appelle un médecin, à tout à l'heure. Putain, à chaque fois, quand j'appuie sur R, ça... Dans ouais, c'est mon muscle R, en fait. Putain, on a de la chance qu'il n'y ait pas la vendeuse, hein. Elle était partie prendre sa pause. Ouais. Bah il a pris un coup sur la tête, il va se relever, hein. Normalement c'est bon, un coup de crosse. Faut que tu retires allez, 55 000 là, Kadar. Pourquoi? 50 000 pour le fusil bullpup et 5 000 pour ce qui est taser, matraque, lampe torche, balle, etc. Ok, on y va. Couvre-moi, gros. Ouais, je prends ou pas, les gars, il a raison. C'est important ça ou pas, les gars, dans le chat? Retirer 55 000, je prends, ou 60 000? Comme ça, j'ai un peu 55... de bonus. Bah, 60 000 au moins, t'as... comme ça, je pourrais acheter des points, etc. Ok. Pas plus besoin de retirer un point. C'est bon. Ouais, mais là, on a trop d'argent dans les. Maman devait. Ouais, on peut le mettre en GTA là, de toute façon. Là, c'est bon, Chatinda, demande à Modo de le faire. Oh, attends, j'ai un peu de temps, je le fais. Personne. Oh, c'est le même mec de tout à l'heure. On le poursuit ou... 03, distance radio. On se focus sur l'essentiel, on fera après. Oh là là, moi, vas-y, faut aller l'arrêter. Mal était banni. Bon les gars, je peux savoir ce que vous faites là. Tiens, allez acheter un sac à dos. On a demandé des renforts là, on y va, vous venez avec moi là. Ah, bon, on y va direct. Non, va acheter le fusil, vite. Mais c'est où? Dis-moi où c'est. C'est à l'armure au fond. Non, acheter. Attends, il y a un money acheté? Quoi? Non, prends. Un fusil bullpup. Non, acheter un énorme. Acheter arme. Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. J'ai. Et prends un taser, etc. Matraque. Taser. Allez, go, on se casse. Putain, j'ai perdu mon sac, gros. C'est pas grave. Tu fais F5 à un vêtement 5. Ouais. J'ai pris un fusil bullpup pour Darkal, on avait pas. C'est quoi okay. Ce bouton? Ouah. C'est bon, quoi gignol, ce là. Bouton bon, ça fait du de courrier. Ah ouais, quoi, ouais. Mais... On y va là. Allez. Moi il est armé d'arc comme ça, il a un fusil bullpup. T'as la scène zoomée, voilà, ouais, je sais les gars. Toi tu vois. Je suis trop... Ouais c'est normal parce que j'ai... En fait j'ai... C'est quand je fais des halt. Bon, on fait quoi là, commandant? On devait aller... On va... On va... Laissez-moi réfléchir, j'écoute radio ce qu'on dit. Actuellement, bon, on va parler plutôt opération là, on va laisser tous ces guignols aux cadets, aux officiels. Bon, messieurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais on est sur une grosse opération là. Ouais, on va essayer, on est sérieux, vous en faites pas là, c'est juste que je prends mes marques là. Les gars, modémodo, point d'exclamation commerciale, les gars, tirez. Ce qui va se passer, on va faire un assaut au niveau des MS-13. On va partir, bah c'est une bonne idée. On va partir inspecter un peu les lieux, hein, en mode civil. Pardon, en mode... Faites-le toutes les 8 minutes. Il y a des civils sur les lieux aussi, d'accord? C'est une grosse opération. Il y a des gros risques sur ce qu'on va faire, d'accord?
Donc il va falloir être sérieux et prendre des photos. Je compte sur vous pour les photos, d'accord? Ouais, c'est bon, je l'ai ramené mon appareil. Ah, vous avez un appareil, super. Mais du coup, là, pour l'instant, on est en infiltration ou... Non, pour l'instant, c'est juste on prépare le plan. Je veux que ce soit un plan solide pour pas qu'il y ait d'erreur. Parce que c'est la communication entre nous, là, ça va pas du tout, il y a rien qui va. Au niveau de l'Espidi, là, personne ne connaît rien de la ville. Quand je demande des informations, il n'y en a pas. Donc on va préparer un vrai plan, histoire que ça se passe bien. Parce que là, c'est vraiment, on va démanteler le gang. C'est-à-dire que le gang, après notre assaut, il n'existera plus. D'accord. Le but, c'est mettre hors d'état de nuire, ok. Exactement. Ils ont fait du mal à cette ville, ils ont fait quoi? Ils ont fait du mal à cette ville et ils m'ont humilié moi-même. Ils m'ont braqué. Ah ouais. Exactement. Voilà, je le prends pas pour quelque chose de personnel, je le prends qu'il faut agir. D'accord, c'est une raison de plus pour agir. Non, non, mais on le fera gouvernement... pas, vous en faites pas, il y a pas de souci, il y a pas de souci. De toute façon, ces mecs-là, à mon avis, c'est des méchants gaillards. Hein. Exactement, ouais. Ces mecs-là sont très très armés, munis d'un AK-47, de micro SMG et j'en passe. Du coup, attendez, parce que là, il faut quand même qu'on soit en effectif, comment dire, en supériorité numérique, parce que si on est amené pas. À tirer... Tout est contrôlé, j'ai contacté le monde qu'il faut. On est actuellement plus qu'eux. On a beaucoup d'informations sur eux, ça fait plusieurs jours qu'on est sur eux. Il va y avoir du sang. J'arrive, Goutam. Ah ouais, Ré, il y a Goutam, mon policier. Mais non. Si. Vous prenez Goutam, ok. En fait, tous les viewers, c'est des policiers. J'aurais Agir Z, Basi, Goutam. Mais non, putain. Mais vous êtes sérieux, les mecs? D'ailleurs, faudrait que je vous présente, il y a un nouveau... Allez, Speedy, il est bien marrant, lui. Oh, les figurants. Goutam Penja, comment il s'appelle? Ah, ouais, Goutam. D'accord, ouais, on devait lui faire ses papiers. Oh, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te fous de moi ou quoi, toi? Mais elle est sérieuse, la meuf, là, vas-y, dégage, là. Madame! Bon. Elle tient le regard, en plus, cette pute, là. Vas-y, roule avec ta caisse, oh, là. On se calme, Kader. Ouais, non, mais désolé. C'est pas parce qu'elle sait pas conduire qu'il faut l'insulter. Elle avait besoin d'attention, hein. Elle voulait peut-être sortir, vous êtes peut-être charmant, je sais pas ce qu'elle avait. Elle vous a jeté un petit regard. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche ici. Elle condra... si elle conduit. Ça peut être intime, chef. Vous avez une femme? Écoute. J'ai plus de femme. Ah, bah c'est le moyen de repartir sur de nouvelles bases alors. Écoutez, mais. C'est. Je sais pas. C'est. C'est récent. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire là? Dis, faites attention à votre bord. Hein? Pat, t'es de quel bord toi? Rassure-moi, t'es. Ouais, rassure-moi un peu là, moi aussi. Tu chopes de la meuf ou. Ouais. Ah, il manque, je mange. Bon, laissez-moi ouvrir mon GPS là parce que j'ai des petits soucis de mémoire là. Ce petit coup de braquage là qu'ils m'ont fait, ça m'a pas mis les éclairs. Attendez, petit film. Inventaire, j'ai rien. Par contre, je suis à court de boissons et de bouffe. Oh non, vas-y, sors de véhicule. Non, ça va, on va passer. On va aller, venez. C'est bon, j'en ai. Ouais, j'en ai beaucoup. Rapidement. Parce qu'il faut que j'achète du pain, moi. Hein. Ouais, va falloir acheter un bon petit stock. Je vais casser mon ramadan pour l'opération. Putain. Allez, c'est pour la bonne cause. Marlich, je rembourserai au pire. Je rembourserai au bon Dieu. Vas-y, je dois aller en acheter pour moi. Ouais, bah voilà, on y va. Sarah, Smiley, Safter. Je raconte. Ouais, c'est de la rabage. Attends. C'est bon. Ramadan casseur, bonnet du fort. Let's go. Bon, on va aller vite faire acheter, c'est une urgence là parce que je commence à avoir faim et j'ai plus de pain. Les trolls piges là qui viennent là, genre les Rimka là. Bon, Ball, ceci Bandef, dit, bannez-moi ça, là, du perdez coup. Pas de temps, voilà. Non, c'était Ring, Bandef. Chez Patrick là. Ouais, vous m'inquiétez là. Ouais. Comment ça, ouais? Ah, Pat. Ouais, Pat. Ouais, Patrick, votre bord là. C'est quoi votre bord là, vous? Rassurez-nous. C'est la fin. Rassure-moi parce que j'ai pas envie que. D'ailleurs, non, je vais pas le dire. Non, c'est ah, mieux. Vous l'avez vu. Non. Des regards sur des hommes, c'est ça? Non. Mais c'est quoi ça? Vous êtes sérieux, quoi? Comment ça, vous êtes sérieux? Ne m'obligez pas à me parler parce que je. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur le parking ou pas? Je sais pas de quoi vous parlez. Avancez, moi, j'ai j'ai vu autre chose. Mais là, monsieur le commandant, dans les vestiaires, là, le poster qu'il a mis dans son casier, c'est un mec. Ah oh, ouais, le pays, je crois que c'est Magloire. Sérieux, non, c'est Kader. Juste un. Ouais, juste c'est ça, ouais. Ouais, tu bandes sur des hommes noirs avec des bamboules. Y'a pas de problème, quoi, on te jugera pas. Mais non, mais t'es sérieux, c'est on juste avoir juger, la même musculation que lui. Ah.
Ah, vous êtes fan de lui? Ouais, je veux juste avoir la même musculation. Ah ouais, mais bon, vous savez, enfin voilà quoi. J'ai rien contre vous, mais allez quoi. Je vous ai dit de le bon Dieu vous a donné quelque chose, c'est pour s'en servir quoi, pas pour, enfin je sais pas. Faites ce que vous voulez. Bon, je vais chercher du pain, moi. Ça regarde que lui, mais bon. Ouais, mais. Ça ne regarde pas quoi. Par contre, Patrick, j'espère que c'est une blague. Ah, c'est une jeu folle. Oh. Non, hey, attends, Pat, laisse, Patrick. Laisse, Patrick. Reste concentré sur l'objectif, Pat. Ouais, excusez-moi. Ouais, radio. Oh, c'est border, c'est border. Appelle quelqu'un d'autre, s'il te plaît. C'est pour un truc de haut. Monsieur. Là, je suis occupé. C'est dans un espace public. Je sais pas, là, je masque, sais pas. S'il vous plaît. Oh. Oh. Quoi? J'aime pas remarquer, bien vu, sac à terre. Monsieur, je peux savoir pourquoi vous avez votre masque, mais... Oh, je reconnais, regardez le collier qu'il a, là, le médaillon. C'est un putain de témoin de Jéhovah. La pire espèce. Ouais. On sort d'ici. Sortez du coup. Sortez. Radio, besoin de renfort, là. Témoin de Jéhovah, là, je sais pas ce qui se passe, là. T'as acheté à manger un? Non, tu t'achètes pour moi. Reste monsieur, moi j'achète pour toi. Il répond pas. Monsieur. On sait pas ce qu'il a dans son sac à dos, monsieur, il répond pas, là. Monsieur, s'il vous plaît. Sortez le taser. Monsieur, vous mettez les mains en évidence, là. Dépêchez-vous, là. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, arrêtez de dormir sur place. On va répéter plusieurs fois, là. On va pas répéter plusieurs fois, exactement, là. 3. Bon, salut, Apu. Salut, Apu, 2, ça va. Écoute, tu sais pas me servir un peu du pain, là, s'il te plaît. Allez, hop. Bah, tu mets une bonne petite main, t'inquiète. Ouais, c'est sûrement 2 sacs, là. Ouais, merci beaucoup. Ouais, non, ça va, celui-là. Bah, ça roule, quoi. On travaille, quoi. Bon, par contre, tu fais gaffe, t'as des témoins de Jéhovah dans ta boutique, là. Bon, monsieur, ouais. Vous voulez pas ouvrir, vous voulez pas parler. Ouais, laissez-le. Oscader, laissez-le, tranquille. Ah. Apu vient de me dire que c'est un habitué et qu'il était là juste pour rendre des billes. Ah, d'accord, il est dans la boisson, ok. Bon, du coup, on va repartir patrouiller au niveau de la zone. Comment il va, Coco, il est là? Déco, comment se le plan quand? Le plan doit être établi par 98, mais si je vois que ça prend trop longtemps, on n'hésite pas, quoi. Par contre, évitez de sortir votre arme comme ça, Kadir. Ouais, pas de raison. Mauvais réflexe. Ouais, bon, on va se dépêcher de prendre des informations, là, parce que... D'ailleurs... Et y a 98 le Blind TV, comment ça va? 07 pour 90, ton rapport. Tu vas bien, là? Tu vas bien, toi, là? Envoyez-moi une position GPS, s'il vous plaît, par téléphone. J'arrive pour du repérage aussi. Il y a Lazy, ouais, Maiden. 10-4. Cette année, quoi. Ouais, y'a pas de soucis, je suis au courant. Envoyez-moi juste la position parce que je tourne en rond, là, le coup du braquage, là, ça m'a mis les idées. Ouais, merci. Il faudrait peut-être qu'on ait un petit brief d'avant l'opération, comme la dernière fois, là, c'était bien. Ouais. Les choses, quoi. Si jamais il y a besoin d'un hélico, je suis là pour conduire, moi, si vous voulez. Ouais, rassemblement des effectifs, petit hélico, ça serait bien au Kamzer. Juste avant l'opération, bien sûr, Kader, vous me prenez pour qui? Tout est contrôlé, vous inquiétez pas. Ouais, c'est normal. Ouais, j'ai pas compris ce que vous avez dit, Patrick. Est-ce qu'il y aura un hélico? Forcément, il y aura un hélico. Ah, bah moi, je suis dispo, si vous voulez. Hein. Ouais, on va refaire les mêmes équipes. Ah ouais, Nkano? Ah, Kader, t'es prêt à acheter de l'hélico? Ouais, t'inquiète, là, j'ai travaillé ça au Baltrap, là, tout à l'heure, là. Eh, tu crois que je suis allé au stand de tir, hein? Tu crois que j'ai du temps à perdre, gros? Moi, déjà, t'es bien visé le premier jour, alors là, j'imagine même pas. Mais je pensais, tu vois, quelque part, quand je me suis entraîné, je me suis dit peut-être qu'un jour, voilà, le commandant, il me verra sur mon meilleur jour, il me fera une petite promotion, c'est ce qui s'est passé, donc... voilà, je travaille bien maintenant, voilà. Merci. Regardez, c'est ce genre de véhicule. Vous voyez ce véhicule? Ouais. Vous voyez ce véhicule ou pas? Elle est armée. Il est armé. Ok, on intervient directement, on passe direct. On y va, les gars, on intervient. Tascadar. Putain. Débouche plus. Radio, on a interpellé l'individu armé d'une AK-47 supérette à côté du MS-13. Bah alors, le Rockmout, là, on fait moi le malin, là. Allez, je t'attrape tes deux mains, je te mets les menottes, petit con, là. Je veux savoir ce que tu fous avec une putain d'AK-47 dans cette putain de supérette, là. Tu fais le muet, là. Ah, il veut pas parler en plus, là-bas. Où est-ce qu'elle est, ta petite carte d'identité, là? Tu l'as dans tes poches, là? Eh, t'as intérêt à répondre.
et à coopérer, sinon il va t'arriver des ennuis, je te le dis direct, toi. C'est dans mes droits de pas répondre. Ah bah réponds pas alors, monsieur Angel Place. C'est dans mes droits de me mettre, te mettre un coup de tasse dans monsieur Angel Place, vous êtes arrêté pour les faits suivants. Possession d'armes illégales. Vous avez le droit de garder silence, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Il y a tout le monde devant. Ok, vous inquiétez pas, je continue les droits. Putain. Vous avez le droit à un avocat, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. C'est un agent de police, Sortez. Est-ce que vous avez bien compris vos droits, monsieur ? Pas, là, il y a un truc qui se passe, sortez s'il vous plaît. Monsieur, circulez s'il vous plaît, là, il y a une opération là en cours. Arrêté pour ton sac, tu fais F5, tu vas dans vêtements et tu fais sac. Voilà. Et fais gaffe, t'es mis piquant. Ouais, c'est bon là. C'est bon, 10-4, faites un 19. Bien joué à ça. Vous avez l'œil, monsieur le commandant. Mon commandant, vous avez l'œil. C'est Patrick qui. Ouais, c'est à moi. Oh, je peux savoir ce que tu fous, toi. J'ai vu qu'elle était armée, donc bon. Ouais, bien vu ça. Bah, après, Marseille, ça. Ouais. N'hésitez vraiment pas, les individus armés, vous tassez directement. Après, si vous voulez. On parle pas avec eux. On les tasse, on parlera avec eux au commissariat. Hein. Vous avez bien compris, là, monsieur. Oui, chef, c'est bon. Non, je parlais pas à vous. Y'a Gotaga qui vient de me faire un don. Merci gentil Gotha, comment tu vas? Coco, ouais, on s'est croisé à l'event, ouais, à la Fnac. Check Krakai, bon, on se connaît les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 2 euros, c'est gentil. Wow. Tu m'en veux pas? Cette ville, elle me fait de plus en plus peur. Hein. Dévisé, hein. Je jouais le rôle d'un. Salut, c'est Gitaga. Bah alors, radio. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On va s'amuser à mettre des groupes. Radio, est-ce qu'on m'entend? On entend votre radio, j'ai pas envie d'entendre toutes vos villes. Salut, c'est Gitaga. Merci pour le grillage, Kada. On a la multi cool. Je vois que t'as un gros paquet. Hein. D'ailleurs, C'est intéressant ça. Ouais. Encore là. Oh putain, on a encore un appel d'urgence. On l'appel a été prêt par un collègue. 17, vous êtes en ville? Attends, je parle au Rockmood parce que j'ai pas l'impression qu'il a l'air de comprendre ce qu'il a fait, c'est très grave. Bon, écoute-moi bien. Là, tu vas devoir répondre là. Ok, j'arrive. On va devoir t'interroger, mec. Ouais. Ok. Prenez la fuite. Au commissariat. Allez l'aider. Je suis pas disponible. Ah ok, bon on prend un véhicule, vas-y, go. Vas-y, on prend un véhicule devant. Y'a les clés dedans, vas-y go. On va où exactement? À l'américaine, faut que ce soit rythmé là, à l'américaine, dépêche-toi là. Je sais pas où c'est. Bah demande au commandant. On va où en fait? Bah on va, avance, pas grave, au pire on roule hein. C'est bon, on a un point je crois. Oh les guignols, oh les... Oh les Laurel et Hardy de la police. Maintenant on nous a dit d'aller à un endroit, je sais même pas où c'est à moi. Je sais pas, il a besoin d'aide en tout cas. T'es sur la radio ou pas? Maintenant je... Putain... On est tous sur la radio au pire, hein, sur Discord. Bah là... Là y'a rien? Bah y'a rien mon pote. Peut-être derrière, je sais pas, ils ont bougé. Attends je l'ai en... C'est calme, un peu trop beaucoup calme, j'aime pas quand on reste ici. Reste pas sur la route, gros. Tu gênes la circulation là. Ah, excuse-moi. T'es en train de rouler ou quoi? Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, j'ai envoyé un message au commandant. Eh, oublie pas, gros, on est des sergents maintenant. On est des sergents. Ouais, moi justement, je voulais savoir où on devait aller intervenir. Gros, on va travailler avec la BAC, la SWAT, des trucs de ouf, gros. Je comprends pas. T'es qu'elle a du BAC, elle m'a déjà approché. Attends, on se tirait dessus ou... Je rêve ou... Ah bon? Je crois bien qu'il y a eu des tirs, ouais. J'ai entendu des impacts. Je suis fou, alors on va retourner. De derrière? Ouais, attends. Ça... C'est le drapeau de la Comorie, des Comores, les îles Comores. Ça venait d'où les tirs de con? Bon, retourne-y. Merci Zazo, merci beaucoup. NON! Putain! Oh non, un civil. Y'avait personne dans le véhicule? Y'a personne.
Tu tiens ta route, tu m'as dit que tu t'étais amélioré, mais en fait t'es trop naze là en conduite. À la moto, je me suis amélioré. Bah laisse-moi conduire alors. Attends, je crois que c'est lui le détenu. Ah, j'ai du mal à rouler, mais ça devrait aller. Tu vois la voiture noire d'avant? Attends, on dirait Reaper et Bunny, quoi. C'est qui, oh? Je t'explique, là, c'est des inspecteurs du FBI. Attends, c'est la personne, la personne voiture noire, là. Ah ouais? Elle est suspect? Je crois, on va lui demander une petite palpation. Ok, bon, il vient de créer un feu rouge. Attendez, mettez à sa hauteur. Monsieur, s'il vous plaît, mettez-vous sur le bas-côté. Monsieur. Monsieur. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Faites gaffe, ils sont deux. Hein. Je sais pas s'ils sont armés. Il veut faire le con, il veut s'amuser. Arrêtez-vous, on vous a dit là. On se tue les pieds dans jaune. Et pour en fuite, crève ses pneus, autorisation. Et fuis. Putain, c'est que... Il est en train de me tirer dessus, ce bâtard. J'ouvre la fin, j'aurai pas, j'ouvre la fin. Non, moi il se relève pas. Je rapporte. Je rapporte, c'est légitime morte. Défense. Désolé, bah je sais pas si vous m'entendez, mais légitime défense, voilà, tu meurs. Ta mère. Ah, Darkan. Ouais, c'est bon. On m'a appelé comment ça se passe maintenant, regarde. Ouais, vas-y, brûle. Hop, voilà. On va l'emmener à l'hôpital, on va le mettre en selle après, s'il va bien. Attends, j'ai une idée, parce que, attends. On n'a pas le temps, on a une opération en cours. Tu veux pas le mettre dans le canal, sur le canal, là, viens, viens. Je le mets dans l'eau. Ouais, vas-y, on se prend pas la tête, viens. Il a voulu faire le mec, de toute façon, là. Voilà, abandonne bah, de toute façon, il ira sur les piranhas. Ouais, laisse-toi. Eh hey. Excuse-moi. Tu m'as noté. Ça l'apprendra, ce bâtard. T'as vu comment ce fils de pute il tient la pose en plus quand il meurt? Toi, j'aime bien. Ah bon? J'aime bien, tu vois, avoir affaire à des cadavres. Tu vois, bon, tu peux les manipuler comme on veut. On peut en faire des statues. Je t'avoue que j'ai eu du mal au début pour bien le toucher au taser. Hein. Non, mais gros, attends, moi au début je pensais que c'était une blague. Et le mec commence à nous tirer dessus. Légitime défense, on sort les armes. Attends, normal, comment défend, c'est comme ça? Il commence à nous tirer dessus alors qu'on est deux en train de le viser au taser. Hein. Eh ben, on va le dire, faut le dire au commandant, ça, qu'il nous suce un peu. On a tué un mec qui nous tirait dessus. Bon, ouais, mais là pour l'instant, on n'a pas le temps, il faut absolument prendre des appels. Là. Je crois que avec le volet, hein, attends. Mais non. Oh non, c'est un cauchemar. Non, c'est bon, il est en bas. Canal aide, ah ouais. Belle frein à main, fond première. Voilà, comme je t'ai appris. Dis-moi s'il y a des. Attends, je regarde s'il y a des appels. Non, y'a rien, il faut retourner en ville, on va patrouiller pendant ce temps. Attends, heureusement qu'on l'a buté, le mec, j'ai failli mourir. J'aurais pu mourir là, non? J'ai fait le noob un peu là. Mais tu l'as raté toi aussi, pas beaucoup de fois. Bah, au début j'étais au TAS, parce que je pensais pas. Ouais, je pensais l'avoir au TAS, tu vois, pour essayer de la jouer voilà, RP. La même chose. Histoire de le neutraliser tu vois, au TAS, pour montrer vraiment sur la séquence qu'on voulait bien faire, on voulait jouer RP. Et quand j'ai vu que voilà, que j'arrivais pas à l'avoir de la hauteur là, etc., qu'il allait me buter, bah j'ai sorti le. Je crois qu'elle était trop loin de toute façon pour qu'on le taser, hein. Ils disent dans le chat que j'ai l'IM à Domingo. ouais, j'avais un IM de streamer, gros, je te jure. J'ai reçu un point, c'est ici, on va voir ce qu'il y a. Merci, Fak. Les bâtards. Y'a quoi ici? Au pire, reste en filature des fois.
N'arrive pas comme une brute. Ok, ok. Ouais, c'était ici, je crois. Je vais essayer de m'en faire le train. Doucement, doucement. Personne ici, je crois. La voiture, là-bas, la voiture blanche. Retourne en arrière. Recule, tu vois, sur le rétro, la voiture blanche. Retourne en arrière. Je vois pas de quoi tu parles. Là-bas, au fond. Panneau de sens interdit, tu vois. Il y a un véhicule, à droite. Je crois qu'il y a des mecs. Vas-y, avance, avance, avance. À droite, tout droit maintenant. Dans le parking. Doucement, doucement. Les personnes ne bougent. Oh, les mains. Y'a personne. Ils ont se casse. On y va, je le prends. Message de la police, gros. T'es en roue libre là. Avance, roule, roule, roule. Bah, je prenais le message. Comment je peux rouler en même temps? Le camion normal, ok. On a reçu un message, on doit rentrer en combien de temps? Vite, vite, à mon avis, c'est l'assaut final. Un Meditech, ça arrête de vanner les piges. Ouais, commandant, il nous a appelé au téléphone, il nous attend. On y va, hein, les gars dans le chat. Kader, viens, 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 c'est bon. C'est bon, monsieur. C'est trop bien quand t'es sergent, tu t'occupes pas de la merde. Contrôler là, comme ça. Arrivé aussi, j'ai pas eu d'argent encore. D'argent, monsieur, je suis ok. Viens, c'est bon. Allez, tu charges, s'il te plaît. D'accord. Allez, ah, mais c'est, moi, c'est lui, là, le collègue que je t'ai dit, là, ton ami. Y'a une personne, si c'est lui. C'est pas lui. C'est lui. Oh, t'es où, t'es où, t'es où? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, viens. Attends, y'a encore Apu, là, je l'ai croisé. T'es où, là? J'ai envoyé un message. Ouais, alors le rendez-vous c'est où? Attends, viens, on va voir Apu, on va voir si t'as bien, viens, 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 viens. Encore, encore. Enfin, Goutam. Chance, hein. Je t'ai donné une chance. Ça non, sera la seule. Hein. Personne veut que je m'en sors. Vas-y, vas-y, sors. Bon. Goutam? Sors. C'est toi? Ouais, bonjour, c'est Goutam. Mais non, c'est Kader, ouais, c'est Kader. T'as été promu ou quoi? Il se passait quoi? T'as été recruté? Ouais, c'est Kader. Ouais, 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 j'ai décidé que j'allais devenir le pourfendeur de la loi, la personne qui va aider cette ville à aller mieux. Hey, on se moque pas de toi, fieu, t'inquiète, t'inquiète. Mais qu'est-ce qui s'est passé, la reconversion, ça va, ça change pas, parce que t'avais les mains dans les mains de fromage, quoi. Aussi, t'as vu, on a le costume et tout, mais ouais, en vrai, on est fou. Je fais toujours des nanes dans la salle de poche. Ah d'accord, très bien, ouais, ouais, bah, parce que là, c'est vraiment un nouveau métier pour toi. Ouais, j'apprends, merci, j'ai mon gilet orange, je suis content. J'ai une paye, j'ai une situation, je vais pouvoir avoir une... Et c'est bon, t'as été régularisé ou pas? We'll talk about that later. D'accord, ok. Et c'est ce problème de virus, alors? Bah, il semblerait que Patrick Sébastien ait réussi son coup. Ah, regarde, moi, j'ai dû porter un masque à cause de ça. Professeur Raoul. Ouais, il semblerait qu'il a réussi son coup, je me sens bien mieux. D'accord. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que c'est que bonjour. Ce serveur? Eh, les gars, si vous voulez faire serveur, c'est pas ici, les gars. Hein? Ouais, pizza de l'arté, c'est pas ici. Vous prenez, vous sortez, vous allez à gauche, vous continuez sur 600 mètres. Hippopotamus, vous allez vous faire enculer là-bas. Fio, nous on n'est pas des serveurs, Fio, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, la cravate rouge, l'accoutrement tout en noir. Et nos pizza calzone. On est des clochards, nous, on n'est pas des clodos. Vous travaillez pas à Hippo? Ah bah désolé alors, on savait pas, il y a eu méprise. Ouais, vous voulez quoi? Commandant, rêve Kadar. Alors, on vient demander renseignement, messieurs. Bah, vous parlez à mon collègue, celui qui s'occupe du standard ce soir. Goutam, tu t'en charges. Ouais, je me charge, je vous écoute. Allez, Goutam, garde. Ouais, on a vu un... Bon, c'est le cadet, venez avec moi. Un EMS avec un Uzi, je sais pas si c'est normal. C'est le cadet, vous venez. Salamu alaykoum. Écoutez, c'est bien noté, je prendrai... Il y a un rebeu, il y a un... J'aimerais savoir si c'est normal ou pas qu'il y ait un EMS avec un Uzi. Ah, commandant. Ah, je vous ai pas reconnu, Goutam, vous êtes bizarre aujourd'hui. C'est-à-dire bon, c'est peut-être moi qui mets lunettes, ouais. Vous avez un peu pâle. Le commandant, il arrive un truc de dingue, hein. Ah, ça, c'est le Chiznan qui est pas bien passé. J'ai pas compris. Goutam, tu as fait une chirurgie esthétique ou là? C'est quoi cette histoire là qui est un peu blanc? Ok, ouais.
En fait, vous nous avez dit de patrouiller? Non, je vous ai pas dit. Non. Bah, si, derrière. Non, je vous ai pas dit de patrouiller. Ouais, je vous ai dit d'aller en renfort, mais vous saviez même pas où. Donc. Enfin, ouais, bah, en fait, on avait un point, on allait en point. Mm-hmm. On est tombé sur un mec qui nous a ouvert le feu sans raison. Ouais, je sais. Le point, c'était le point des maîtresses. C'est justement le point où on devait patrouiller. Donc, on va y retourner, d'accord? Ah, bah, il y a un mec qui nous a ouvert le feu et du coup, on l'a battu. Ouais, vous en faites pas, on a fait ça bien, on l'a mis dans le canal. Quoi? Comment ça dans le canal? Mais qu'est-ce que vous... c'est une blague, c'est ça? Légitime défense, il a sorti son arme, on voulait le taser. Non, je comprends bien qu'il y a eu légitime défense, mais vous l'avez pas mis dans le canal, le corps, là? Non, mais dans le canal de l'hôpital, là. Ça va. Ils ont eu raison, franchement, c'est comme ça qu'on fait au bled, hein. Je veux savoir ce que vous faites ici, vous. On m'a dit opération merguez. Moi, j'aime bien les merguez. Ouais, mais opération merguez, si tu veux pas que je t'envoie en mise à pied... Tu vas en haut en salle de meeting, c'est pas la salle de meeting ici. Je pensais que c'était ici. Pas de problème, officier, allez là, un peu de concentration là. Bon. Ouais, en tout cas. L'opération Merguez, c'est bien maintenant? L'opération Merguez, oui, on va la lancer d'ici 20 minutes, le 98. Oh là 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 là. Très bien, on est là. Hein. 98 a été en opération, il a subi des tirs, il est revenu sain et sauf, le véhicule est HS. On va partir en salle de meeting, organiser, on va l'écouter, il va nous donner le plan. D'accord? Très bien. Bah on attend vos instructions, hein. De toute façon on est là, on va essayer de voir un petit peu, on va aider le cadet là, Goutam. Apparemment il est nouveau, en tout cas bien vu de l'avoir recruté, hein. Ah bah bien sûr, j'ai vu directement que c'était quelqu'un du terrain, quoi. Sur la première opération, directement ça s'est bien passé. Voilà, quand on sera occupé par cette grosse opération, vous voulez mobiliser même les cadets ou parce qu'ils doivent gérer la petite délinquance là? Non, les cadets, on va les laisser tranquilles. Ah, on va pas aller sur. Là, ça va être une opération où on risque nos vies. Hein. Donc, si ça se trouve, je peux perdre la vie aujourd'hui, comme vous pouvez perdre la vie aujourd'hui, les gars. Ah ouais? Exactement. Ouais, c'est... Donc, je compte sur vous. T'entendez pour. Ça peut être chaud pour nos races, hein. Je le dis. Hein. Voilà. Donc, évitez de prendre des risques. C'est pas parce que t'as un masque que ça te protège des balles. Hein. Je te compte. J'ai trop cru que ça les protège. J'espère pas essuyer des pertes aujourd'hui. D'accord, non, je compte réussir. Avec oula, excusez-moi. Pas de problème, j'encaisse. D'habitude, je fais des réflexes, hein, mais vous êtes pas au courant, donc faut savoir esquiver, Kader, un peu de mouvement là. Excusez-moi. Ouais. Bon, on va regarder, je sais pas. Vas-y, viens, on va se poser en salle de repos, on va regarder un épisode de la Starac. Vas-y, viens, je me traîne dans la salle. Ah. Combien de temps le plan est opérationnel? Ok, quelques minutes. On se réunit déjà en salle de. Je crois que c'est au fond. Comment je cherche pas, les gars? Salut Goutam, ça va? Ça va. Je sais pas si on t'a informé, mais on va dire que ce soir il y a une opération, très dangereuse. Et vous serez pas en première ligne, les cadets, on va vous protéger, mais le problème c'est que nous on va y aller, donc il y a des chances que je ne sorte pas. Vous allez m'attacher sur la voiture? Non, en fait tu vas devoir rester en stand-by au Comico. Et. D'accord, viens avec moi, je te réserve une surprise. Peut-être ça va être une opération, peut-être qu'on va pas se revoir en fait. Comment tu vas mourir? C'est-à-dire, non, je sais pas, mais je sais pas, avec Pat, je sais pas, comme un pressentiment, on va tout donner, hein. Sinon, on sera dans l'hélico, Kader, non? Chez vous, le chantez pas, n'y allez pas, les gars, les jeunes. Ah bah d'accord, ça va être première ligne, tranquille. Il a dit le commandant, il a dit on fait le même zekekula dans la fond. Ok. Kader, viens voir. Merci, monsieur. Ah bon, on va se revoir alors, bah tranquille, bah préparez le dal, là. Le dal avec Plata et je voudrais quoi. What do you want, Buddhist? Tandoori chicken with the cheese naan and pakora mixed chicken. Oh yeah, I've got lot of work ahead. I'm gonna prepare that right now. And korma, chicken korma? Chicken korma, yes, no problem. What are the spices in this kitchen? Prata and kima please, kima and prata. Oh, we've got a problem. There's no tandoor oven here. I need a tandoor oven. Ah putain, pas d'arcan. Ouais, en attendant, ouais. De toute façon, on a dans 20 minutes, on doit être au bureau, hein, je te le dis. Bon, lui, va faire du kima, il va préparer de la bouffe. Et après, ça risque de sentir fort dans la salle de poche, hein. D'accord, fais attention, reste au standard. Se fout de notre gueule. Pas de soucis, monsieur. Je vais m'occuper de son tir, monsieur. Priorité le taf, hein, tranquille, au pire, ça attendra la bouffe, il faut que tu ailles à l'accueil. Bon, vas-y, moi, je vais aller installer Windows 95 sur les ordinateurs. C'est moi. T'es tellement motivé. Mettez votre candidature là et on pourra peut-être. Pas de problème, je suis tellement. En fait, regarde, je me rends compte. Le serveur, on fait que avec des stalkers. Il y a moi, il y a Goutam, il
il y a GRZ, il y a Troxen. Ouais, mais il y a que les meilleurs, en fait, il y a que les meilleurs quoi. Donc ça va. Donc c'est pas les cons qui viennent troll. Ah ouais, non, mais j'ai tellement compris quoi. Ouais, non, mais t'as. C'est ça, hein. Parce que le nombre de. Eh, mais j'ai regardé depuis tout à l'heure le nombre de mecs qui bannent. C'est bon, le mec, il m'a envoyé les coordonnées. Ah oui, non, il y a juste Troxen, oui, c'est un peu l'erreur dans le casting, l'erreur de casting, mais ils s'en rendront compte, à mon avis, ils prendront un ban dans quelques jours. Je prends en sorte de toute façon qu'est-ce qui se passe ban. En plus, hier, il me disait ouais. Il va déraper. Mais tu sais qu'hier, il me disait ouais, maintenant, moi je suis sergent officier, tu me dois le respect. Maintenant, vu que je suis sergent, je le pose dessus. Ah, il se la raconte déjà ? Ouais, mais ça remonte à la tête le RP ou quoi ? Non, mais rigolez, c'était en RP, je pense. Ah. Ah, et tu l'as déjà vu en RP, Otto ? Elle est rigolant. Ouais, mais il est rigolo quand il te fera un car kill, tu seras moins fun, tu vois. Ouais. T'es prêt à rire ? Ouais. J'ai reçu un appel à 300 mètres. Doucement, prends. Analyse la situation avant. Oh, analyse. Regarde bien ce qui se passe. Ouais, on va voir ce qui se passe. Hein. 90% d'observation et d'attente et de patience dans l'autre métier, tu le sais en plus. 10% d'action. C'est dans quel film qu'on dit ça, qui dit ça ? Je crois que c'est dans Pitch Beverly. Motion ! Et sa voiture là, donc elle est proche. Elle est sympa. Bon, arrête ici, reste ici. On fait tout le tour, vas-y, viens. Ah, c'est dans le taxi, ok. Monsieur. Il est où ? Je vois pas, moi. On va jamais le trouver. Y'a quelqu'un ? Pourtant, son point, il était ici. Y'a quelqu'un ? Son téléphone. On a reçu des coordonnées GPS, comme quoi il vous arrive. Une personne en détresse, y'a quelqu'un ? Non, il a raison, Grimjo, et on peut pas le trouver, gros. On le trouvera pas. Viens, on monte, attends, je vais prendre la hauteur. D'accord, on le trouvera pas, il est juste devant moi. Hein. D'accord. Ouais. Mac a descendu, je sais pas, je prends un Théon. Bonjour, excusez-moi. Ouais, c'est vous qui nous avez un message police ? Bonjour, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais bon là, tout le monde est parti, sauf que depuis tout à l'heure, il y a des personnes qui viennent se permettre de... Enfin, qui viennent nous braquer, récupérer tout ce qu'on vient de traiter, quoi. Oh putain, il va falloir se mettre en stand-by, là, et en observation, là. C'est arrivé à quel moment ? Toutes les combien de temps ? C'est arrivé il y a même pas une vingtaine de minutes, là, et tout le monde est parti. Quelque chose ? Vous avez des indices ? Vous avez pu identifier les personnes ? Ouais, enfin, j'ai pas pu les identifier physiquement, enfin, je sais qu'ils sont habillés en noir avec des masques de tête de mort. Oula ! Tu reconnais ce qu'ils sont ? Oh putain, les fils de schlag. Et ils ont des pistolets normaux quoi. Des et leur voiture, quelle couleur ? On vous a braqué ? Non, je les ai pas vus. Ouais, ils m'ont braqué et j'ai pris une balle, mais bon, j'ai... Et leur voiture ? Je sais pas, ils sont arrivés par là, en fait. Ma voiture était garée là. C'est pour ça que j'ai réussi, pour pas qu'on voit qu'il y a quelqu'un. En gros, je me suis caché. Ah, enfin, c'est encore un coup des mestres, je crois. Ouais, c'est ils, arrivés, ils étaient demain. Là. Et ma voiture était là, ils sont sortis, ils m'ont fait tu bouges plus, passe-moi tes biens, etc. Vous leur avez donné combien en dollars la valeur du préjudice ? Pour le coup, ils ont pas réussi à me prendre tout parce que, enfin, ils ont réussi à me reprendre rien du tout parce qu'ils sont un peu cons. Mais sinon, ouais. Et non, ça te dérangerait de te faire la, ça te dérangerait si tu fais la pas pour non ? La quoi ? Lapin. Ouais, on va essayer de se mettre en stand-by, on va prendre la hauteur. On va se mettre sur les toits. Comme si de rien n'était, et on va se mettre sur les toits. Reste en visée dans ce couloir-là, d'accord ? Celui-là, je vise là. Après, je vous garantis rien, je dis pas qu'ils vont revenir, mais je sais que, voilà, à cause de ça, tout le monde est parti alors qu'on était une bonne dizaine. Hein. Ok. Restez dans ce couloir-là, là on est. Comme okay. Ça, on a un visuel sur vous, d'accord ? Ok, je maintiens le visuel sur la hauteur. Terminé. Ok. Ça marche. Regarde, moi je pars en face, regarde là où je suis. Ouais, moi je vais être sur le toit là. On attend, hein. Et dans 5 minutes on décroche, on doit aller au commissariat pour faire l'OP. Ok, la voiture du flic, tu l'as mise où ? Regarde là, sa voiture à lui. Attends, dans la mitraillette là. Y'a un mec là-bas. Non, un croupi. Tu le vois ? Où ? À 2h. Comment ça, à 2h ? À 13h en face de toi, à midi. À midi, hein ? À 11h, à 11h maintenant. Devant toi, il est parti, il a marché devant toi là. Là où je regarde. Ça à 11h ? Juste devant là, un mec qui marche là. Mais de quoi tu me parles ? Là, devant là, y'a un mec qui marche.
Non, c'est bon, il est parti, je le vois, il n'y a plus de visuel. Regarde, tu vois, 11h. Regarde là où je suis, là, tu vois là où je suis. Ouais. Devant moi, là, il y a un mec qui a. C'est un gilet jaune, c'est le mec à qui on vient de parler. Non! C'était un autre gars, il était tout en noir. Bref, reste, reste caché. Ouais, t'inquiète. Non, mais fais gaffe s'ils viennent du. En verrerie, les gens ils viennent de ton queue, avant de voir, de con. Ah putain. Là, c'est bon là? Ouais, mais t'as, tu vois pas, t'as une petite maison d'Arton? Une petite hotte? Ok, ok. Tu maintiens le visuel sur l'employé là? Bah ouais, de toute façon il est à l'intérieur, donc si les gens ils veulent rentrer à l'intérieur et passent par devant nous. Il va peut-être faire le tour hein. Attends, pourquoi ça floutise là? Je vois rien. Me dites pas que vous voulez un submod dès maintenant les gars, on leur a même pas laissé leur chance. C'est dans 2 minutes rien, on rejoint en Comic-Con. Bon, mettez-le, mais pas longtemps. Attends, On attend de 3 minutes encore. Attends. Putain. Je te jure que j'ai vu un mec devant toi, juste en bas là. Ouais, mais c'était pas un stalker? Peut-être un stalker, il était tout seul en tout cas. Je sais pas s'il avait une arme. Mais je te jure, j'ai envie de le buter quoi. Si je saute là, je meurs ou pas? Non, mais saute pas, saute pas. Ok, ok. Attends, je vais essayer d'aller là-bas de l'autre côté. J'espère. Attends, hein. Je vais faire un numéro d'équilibriste. Tu me dis si ça passe, hein. T'as quoi? Là, là, je... Je te connais, tu... Non, ok, écoute-moi. Tu prends le pistolet dans les mains et tu vises par terre. Ça fait que tu vas marcher tout doucement. Et c'est impossible de te faire, sauf si t'es nul. Comme ça? Voilà, t'as compris le principe. Là, je suis cramé ou pas? Rê, tu sais où tu peux aller? Putain, attends, rê. Regarde où je vise, ok? Regarde la grande tour là, y'en a chier, tu peux monter en haut. Regarde la grande tour, le grand truc en dedans là. Ouais, j'avoue. Il était là, regarde, là où tu vois, là où je suis là? Il était là le mec. Ok, bah je regarde là. Radio TS3, est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend 5 sur 5. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes où là? On est y a, en fait, y'a un mec qui faisait braquer par les MS-13 et du coup on attend qu'il se refasse braquer. Et il nous sert d'appain. Oh, le truc de. Comment ça s'appelle? De. Attends, je sais pas où c'est là, l'espèce de. Attends, je vais t'adhérer, ça s'appelle là. Hein... Ça fait une espèce d'acierie. Ça s'appelle là, le au champ de traitement de rochers effondrés. Ok, annulez tout. L'opération okay. Va commencer. D'accord. Ok, on arrive. L'opération va commencer et l'explication du plan arrive. Les chéris pour venir en aide. Il y a un braquage, on fait quoi? Comment ça, un braquage, putain? On y va ou on y va pas? Braquage en cours, effectivement, on ouais. On y va, on y va. Ok, on y va. Ok. Darka, tu mets un point? Darka, tu peux mettre un point s'il te plaît? C'est où le braquage là? C'est quoi ce bordel? Bah, mets-moi un point s'il te plaît. Mais où tu veux que je mette où le point? Où tu veux que je mette le point, wesh? Mais là, il y a le braquage. Ah, je vois. Il y a un bon. Gros rond blanc. Ouais, c'est bon, vas-y, go. 10-4 radio, allez au braquage, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. On est OP. Allez. Un petit braquage pour s'échauffer avant l'opé. Ouais, par contre, faut que je travaille ma maîtrise des armes, quoi. Mais ma visée, putain, je me suis entraîné au baltrap là, putain. C'est le grand rond bleu, c'est guignol. C'est guignol, le grand rond bleu. Ouais, y'a les... Je dois manger, vous êtes sûr? Faut que je sors du véhicule. Putain, y'a les meilleurs joueurs de RP sur le serve maintenant. Tiens ta route, toi. Tiens ta route. Ouais, excuse-moi.
Fais une pause, je dois manger et boire là rapidement. Tu peux manger et boire en relant hein. Ah mais ça va me faire vomir. Je t'ai assuré un braquage. Roule doucement. Kadar. Vas-y, je roule doucement, mais vite hein. Ouais, t'inquiète, je mange. S'occupe pas trop la voiture, je suis en train de boire de l'eau. Dis-moi quand je peux reprendre la vitesse normale. Ah, il me faudra du burger. Donne-moi un burger. T'as pas du pain? Non. Je t'en donnerai, attends. Faut y aller là. Ouais. Faut des fois que je casse mon ramadan, chier. Oui, Nitrox, si tu veux. Faut absolument qu'on les fume, ces bâtards. Kadar, suis-moi, Kadar. Attends, gros. Mais c'est un ouf. Suis-moi. Je connais les lieux comme ma poche. Oh, mais attends, donne-moi la bouffe. Ah ouais, tiens. Gros, écoute les instructions là, il faut pas qu'on jette tout. On doit aller sur le toit. Ouais, bah on y va sur les toits, il faut avoir des armes de longue distance aussi. Bah justement, mais viens sur moi. Oh, ce burger est trop bon. Yo, oui, ça va ou quoi? Bon, normalement on est bon hein. Mais on leur tire dessus ou pas? Attends. Ouais, t'es là Viens Réré, c'est pas parce qu'il y a écrit braquage terminé que c'est terminé. En gros, il y a écrit braquage terminé parce qu'ils auraient récolté la thune. Mais ils se barrent pas maintenant, vu qu'il y a flic. Ok. Et là, le commandant, il a dit ouais pour aller sur le toit. Merci Jib, merci Usopp, merci les gars. Il y a un mec en moto qui est passé. Hein. Ah, mais c'est trop long ton chemin. Le temps, il a raison, Camille. On est en mode patoulachi, je te jure. Là, on dirait les inconnus. Bah non. On va arriver, ce sera. Ils vont passer juste devant nous. On va être comme des cons en haut. Oh, t'as fait le détour de l'enfer. Ouais, mais au moins on n'est pas vu. On a mis le Yumikon, j'ai même pas vu. Par contre, Yumu, tenez vos serfs Twitch. Hein. Hier, j'ai pas pu stream à cause de vous. Hein. Ça a bugué dans tous les sens. Vers minuit, après je suis parti, j'ai give up, je suis parti dormir. Donc cette nuit, si vous voulez une nocturne, demandez à Yumukon de tenir ses serbes. Fais gaffe Kadar, hein, pas moi trop pain. Je prends le bob pop. Ok, prends le bob pop. On reste comme ça? Ouais mais attends, te montre pas. Genre viens vers le fond, et dès que tu vois qu'ils sortent, Genre comme là, ça comme ça là. Bah non, en fait, ils voient ton gros corps là. T'inquiète, jamais ils me visent d'ici, ils me voient pas. Bah si. Mais viens au fond, Rara. Enfin, Darka, pardon. Voilà, là, c'est bien là, regardez les gars. Je suis nickel là, c'est RP. Y'a un mec qui a été abattu. Tire de couverture, tire de suppression. Tire. Non, y'a des collègues à l'intérieur, des collègues, tire pas. Non, mais tire de suppression, tire autour. Ok, tire autour. Tire dans les airs. Bravo les tirs de suppression. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est un hyper cacher bis ou quoi qu'ils sont en train de nous faire là? T'as quoi? Des infos? T'as un visuel? Attends, je crois qu'on se les laisse dans le cul là. Mais dis pas qu'on a pas. Mais putain, mais quelle bande d'amateurs! Ils ont même pas couvert l'arrière!
Tire à l'intérieur. Attends, je crois que c'est... Non, 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 attends, tire pas. Attends. Merde, merde, j'ai tiré sur la porte. J'ai un visuel, c'est bon. Mon HQ, la affiche rouge, là. Je peux y aller. Non, non, c'était dans... C'est... Oh, putain. Ah. Mais attends, mais c'est des collègues qui nous tirent dessus. On fait comment? Il m'a tiré dessus, c'est un collègue qui m'a tiré dessus, fils de pute. Viens, back. Et on va prendre la ligne là-bas. Viens avec moi, vite. Pourquoi il m'a tiré? Pourquoi les collègues ils nous tirent dessus? Viens. Ils sont cons ou quoi? Mais il est con ou quoi? Toi là. T'es qui? Ah, t'es qui là? T'es qui toi? T'es qui? Ah, t'es qui? Salut. T'es qui? Il y a une opération en cours là, identification. Ouais, je sais, je suis de la BAC, je couvre l'arrière. Ah. D'accord, très bien. Ouais, bah tiens les arrières, tes arrières alors. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On voudrait un topo coup, là. Ils sont à terre. Ah, on les a butés, c'est bon? Ils sont à terre, on les a neutralisés? Je sais pas, il y en avait deux sur le toit alors. C'était nous sur le toit. Mais c'était nous sur le toit. Mais alors répondez sur la radio là, j'ai failli vous abattre. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un... Ah putain, heureusement que j'ai le gilet hein. Eh, la prochaine fois, faites attention, on l'a dit au commandant, il est au courant. Ouais, il est au courant. On prenait les arrières, j'ai demandé, on m'a dit tout le monde est là-bas, parce que... Et du coup, on a dit ouvrez le feu, j'ai tiré. Vous êtes pas là sur la radio? On peut pas, on a des problèmes. On peut pas, on a des problèmes en ce moment. Commandant, il sait très bien. Bah, je vous envoie une invitation, non? Vous arrivez? Ouais, envoyez-moi, attendez, j'arrive, attendez. Attends, mais je l'ai en plus, mais à chaque fois, ils répondent pas, c'est plus... Ça se pomme vocal, hein. Tu peux venir s'il te plaît dans la voiture, faut que je te parle. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en stream c'est pas évident, ça spam vocal. Ouais. Non. Attends, c'est qui t'a pris là? Il t'embarque gros, il t'embarque? C'est qui le mec là? Putain, mais quelle bande de guignols quoi. Ouais, vous allez là. Au commissariat. On peut rentrer, moi je vais pas tarder à me coucher, je suis fatigué. Hein. Ah ouais? Je me suis réveillé à 10h, mais j'arrête là. Non mais regarde-moi l'autre. Vas-y, c'est quoi, j'y vais au commissariat sans lui, hop. Non, j'arrive. Je me suis réveillé à 10h, mais de la journée d'avant, moi je suis claqué. Mais t'es pas sérieux là. Bah si. Radio test 3, je peux savoir ce qui se passe là? Ouais, on est sur les lieux du braquage là. Je me suis garé, merci j'attends. Merci beaucoup, monsieur Messin. Attendez, je sors. Je crois que j'ai ça a été géré vous avez de tiré sur des collègues. Non, on a fait des tirs de suppression. On n'a pas tiré sur des collègues. On nous a tiré dessus, justement. Ah, c'est. Bah, pas. C'est ouais, pas on était sur le toit, ils ont pas été au courant. Ils ont pensé qu'on était des méchants. Ok, ça va. Bon, on a géré l'affaire, je me suis pris un coup de crosse d'après mes collègues, mais on a réussi à. Bon, ouais, tout va bien, les médecins s'occupaient de moi. On a pris en charge tout ce qu'il faut. Bon, oui. Et du coup, les deux ravisseurs sont chopés. Hein. C'est parti. J'ai un petit problème. T'as pas besoin d'un peu de. Amendements à déplorer. Bah, viens, au magasin. Par ici. Oui, emmenez-vous au magasin, s'il vous plaît. Darkin, viens, à l'hôpital. Si vous le voyez. Non, je vois personne, moi. Mais regarde, tu as pas du coup, c'était quoi? Deux collègues à nous qui me tiraient dessus, c'est ça? La morgue est passée, c'est bon. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est bon, tout est sous contrôle? Oh, ça s'est bien passé, ouais, capitaine. Il y a deux collègues à nous qui nous ont tiré dessus. Capitaine, il m'a averti, ouais. Il a pris un coup de front, enfin un coup de creuse ouais, en front. Ouais, c'était nous qui étions au-dessus là, qui étaient là-haut derrière. Ah, bien joué les gars, vous avez tiré dessus au top, hein. Ouais, la prochaine fois, tirez pas dessus, hein, les mecs. Hein, bonjour messieurs, ces petits collègues. Quoi vous allez bien? On avait un visuel sur tout le magasin là, on était. D'accord. Mais c'est vous qui avez tiré sur la vitre là, on est bien d'accord? Ouais, c'est moi, ouais. Ouais. Bah. Vous m'expliquez un petit peu là? Vous avez tiré sur nous là, les gars? Non, vous en faites pas les gars, on s'est assuré qu'il y avait personne, c'était simplement pour impressionner. Et ça a d'accord. Marché d'ailleurs. Ah, ça a bien marché, ouais. C'était pour ouvrir la porte en même temps. Ça a bien marché, le médecin a dû me retirer une balle en fait. Ah. Oui, je voudrais savoir s'il y a eu des blessés parce que bon, on les a interpellés, une fois qu'on les a interpellés, vous nous avez tiré dessus. À part le capitaine. Ah, merde, il y a eu un défaut de communication, veuillez nous excuser. Prochain qui répond pas quand on lui parle radio, il se prend en mise à pied, c'est bon?
J'entends pas de réponse sur radio là. Et la prochaine fois, écoutez le commandant là. Vous entendez ce qu'il a dit là? Oui, bah la prochaine fois, vous ne tirez pas dessus. Oh, c'est. Heureusement qu'on était là parce qu'on couvrait les arrières. Attendez, Kader, calmez-vous. Oh, 13. La situation est contrôlée. C'est bon, on a déjà parlé. Pas besoin d'appuyer sur la plaie. Chacun fait des erreurs. Donc la prochaine fois que vous allez faire une erreur, vous, je vais faire comme vous faites avec eux, ça va? Tout le monde se respecte ici. Putain, c'est bon ou pas? Attends, viens, viens. Non, mais j'ai regardé son stream. Les deux individus, qu'est-ce qu'ils foutent encore ici dans les véhicules? Ils sont partis ou pas encore? Ils sont dans les véhicules là, tranquille. Allez, on y va là. On les emmène, on a une opération. Il en manque un, donc hop. T'es où, vas-y, viens. Vas-y, comme soigner alors. Et on va Il y avait le médecin, Non, mais il est reparti. Vas-y, bon. Et on va te changer ton Kevlar, ok? T'es sérieux là avec le Kevlar aussi, faut le changer? Bien sûr, mais c'est gratuit. Ah ouais, j'étais en fait, c'est réaliste, hein? Bah, la ceinture de sécurité, c'est 230 balles, hein? Hein? Non, je veux pas le savoir. Non, j'en ai rien à foutre que vous soyez en moto, vous avez pas la ceinture de 130 balles! Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous avez brûlé le feu rouge sous mes yeux, je peux le savoir, papier s'il vous plaît. Ça va vous coûter cher, ça brûle le feu rouge, hein? Retrait de permis, ça, hein? Remarquez, il était presque vert, hein, monsieur le député, je vous en prie. T'as un mec qui te spec et genre quand tu spec avec un shit, tu peux parler. Genre, le mec il est peut-être à 10 km de toi et il te parlera toujours. Ah, c'est un modeur? Bah oui, tu veux que ce soit. Ou c'est qui veut passer à la télé quoi. Ok, ok. Ah, c'était drôle. Non, mais ça casse les oreilles. Monsieur le Hamas? Oui, monsieur. Ouais, urgent, on a besoin de soins s'il vous plaît, à nos dents. Oui. Ouais, remettez-nous sur pied là, on a échangé des coups de feu. Très bien, là, monsieur Valet. Il y a eu un impact sur mon gilet là. Faut absolument m'en mettre un bandage. Moi j'ai une petite plaie là. Attendez, alors voilà. Non mais dis pas qu'il y a tous les abonnés, enfin tous les. Sur le serve les gars, c'est incroyable. Merci. Moi aussi j'aimerais abonnés, bien s'il vous plaît, monsieur. Voilà, mais monsieur. Vous êtes sérieux les mecs, Amstol. Et vous, monsieur? Ça, moi. Ok, Chuck. Bon, ça va, tant que vous jouez RP, les je mecs. Peux juste vous prendre vos noms, s'il vous plaît? Moi, c'est Habib Hazard. Sergent Derka, matricule. Habib Hazard et monsieur. Kader Boukabel. Kader, comment? Boukabel. Comme ça se prononce. Boukabel. Ok. Voilà, monsieur. Donc, la police, je sais pas, je vous fais pas de facture, je crois. Hein. Vous mettez ça sur le note de. Non, ça sur la SPD. Vous mettez ça sur le note de matricule 13. Voilà, matricule 13 et Payran. On commande quand? T'as fait encore? Par contre, quand t'es l'expédié, c'est trop bien. Genre, je me fais ranger tous mes véhicules gratuitement. Je dis, ouais, mettez ça sur le compte du commandant. Ouais. Donc, je vais chez le Macana au coin. Je suis pas full life, ils disent dans le chat. Comment ça? Bah, c'est pas grave. Par contre, attention, t'auras de Kevlar. Ouais, si, mets le Kevlar, on va mettre le Kevlar. Mais t'es soigné au moins ou pas? Ouais, je suis en vert, vas-y go. Vas-y go, change ton Kevlar. Putain, vite, faut que ce soit à l'américaine. On a à peine 2 heures là. Ouais, bonjour, tout se passe bien? Oh, pardon. Ah, vous mettez. Ah, vous prenez vos aises. Bah faites donc, vas-y, allez-y. Je m'ennuyais un peu, je me suis mis bien. C'était quoi? C'est du Bangra, je connais ça en plus. Je peux remettre la musique? Ouais, vous pouvez remettre là, de toute façon là y'a rien. Je connais ça, c'est du Bangra. Je me allège. Radio, tout le monde en salle de meeting là. Salle de meeting. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Darka, venez voir pour votre Kevlar. Il a mis sa musique de son pays dans la radio. A vous, George. Tout le monde en salle de meeting, là, on se dépêche. Ouais, j'arrive, vas-y. Prends ta tenue de civière, hein. Ouais. Putain, ça marche pas. Et tu reprends ta tenue de... Si, mais c'est normal. Et reprends ta tenue de policier. Et tu reprends un gilet pare-balles. Ouais, je sais pas si c'est bon. Attends, t'as cliqué sur gilet pare-balles? Oh, bah c'est ouais. Bon, est-ce que ta barre elle est bleu clair ou bleu foncé? Bleu clair. La barre bleu clair elle est à fond. Ou est-ce qu'elle est bleu clair ou bleu foncé? Oula. Je regarde. Bon, messieurs. C'est bon, t'as du Kevlar. Non, ouais. C'est bon, je lui remettais son Kevlar.
Ah super, ouais. Allez, on y va. Je pense à mon collègue de meeting, là. On dirait Police Academy. C'est bien, bonne, bonne initiative, Patoche. J'en prends compte. Merci, commandant. Je peux savoir, vous êtes qui, vous? Commandant de la BAC, je crois. Tout à l'heure, on a eu affaire à lui, il se faisait passer pour un gendarme, je sais plus quoi il a dit. Je suis de la BAC. Vous êtes de la quoi? De la BAC. Matricule? 38. Les trois commandements de la BAC, c'est quoi? Bah, c'est Johnson, Jackson et Pilsen. Votre nom, votre prénom? Oh, Yol, y'a ma... Oh, t'arrêtes de bouger, là? Damien Rieu. Ok, montre-moi ton badge, là. Je te fais ça tout de suite. Okay. C'est con, ouais. On aurait bien fait de le... On a... Putain, on l'a... Viens ici, putain! Dépêche-toi, toi! Arrête-toi! Mesure pas sur l'identité, tu vas prendre cher, toi, tu vas voir. Bouge plus! Allez... Qu'est-ce que vous faites? Mais... Sors du véhicule, tu t'es fait ta... Ok, je me rends. Rends-toi, dépêche-toi là, sors du véhicule. Mais on ne veut pas aller en salle de meeting, on s'en fout. Voilà, tu vas contre le volant là. Mais il s'est déguisé lui. Ouais, on s'est fait berner tout à l'heure, putain, on est déguisé. Fais des usurpations d'identité là. Ton identité. Dépêche-toi de lever les mains là, lève-toi les mains là, dépêche-toi là. Monsieur avec le bob là, circulez. On va vérifier s'il est armé là, j'ai des pare-balles. Lève les mains, je te tâche dans la tempe. Calmez-vous, Goutab. Excusez-moi, je m'emballe. Oh, il s'évanouit. Appelez un EMS. Bon, Goutam, vous gérez ça, on a une opération à gérer, nous. Goutam, vous gérez ce cas-là. Goutam, gérez-moi cet individu, s'il vous plaît. Oui, je vous le gère. Goutam, je le mets en cellule. Ne stressez pas, ne stressez pas, tout va bien se passer. Je suis l'homme de la situation. Je compte sur vous. Allez, on y va. Oh putain. Aïe. Ouais, c'est bon, c'est Goutam qui va gérer. Vas-y, viens. Relève-toi. Eh, hey, patoche là, fais pas ta victime là. Ah. Foutez de moi là. On a une opération là. Réveille-toi, moi. C'est bon. Pas de taser. Ah, c'est bon, il est sur pied. Allez, on y va. T'as besoin de sommeil. J'arrive, je suis en salle. J'arrive en salle de meeting là. 24 là. Ouais, j'arrive. Aïe. Oh, prends tes esprits, gros. T'es en train de prendre la pression ou quoi? La pression des lames. Espèce de schlag là. Remets-toi sur pied, là, on y va là. Casse-moi. Dès que je touche la porte, c'est un bazar. Attends, tiens la porte pour moi, s'il te plaît. Vas-y, rentre, enfin, je suis fragile que t'es là, vas-y. Mais. Ouais, je t'ai fait un croche-patch, j'avoue, c'est moi qui l'ai fait. Mais vas-y, rentre. On nous attend. Oui. Messieurs, vous êtes au courant que je suis là? Ouais, 10-4. Ah oui, il y a les chiens. Ah. Il m'avait tué. Vous êtes au courant pour l'opération merguez? Non. Elle va être mise en place maintenant. On va laisser 98 parler. Vous écoutez attentivement. Si vous avez des questions, c'est à la fin. Pas pendant qu'il parle. On va vérifier si le micro fonctionne bien, d'accord? 98. Prenez le micro. Et dites, on vous écoute. 1, 2, 1, 2, test micro. 1, 2, 1, 2. Wallah yallah, je suis bourré. Oh, excusez-moi, c'est... 10-4 pour le micro fonctionne. Tout le monde m'entend? Ouais. Même vous les shérifs là? Ouais, parfait, parfait. Ok, allez, on écoute. J'ai transmis au shérif le plan. Vous sur la radio, elle se trouve dans le hashtag plan. Vous allez comprendre très vite. Vous pouvez la prendre devant vous s'il y a moyen. Dites-moi quand tout le monde l'a devant elle. Ah là, ça va être pas possible pour moi là. Moi devant. Qui peut pas avoir son plan là? Moi je peux pas là. Moi, pote. Tarek Olachesh. Pourquoi tu peux pas avoir ton plan, Tarek? Ah, si je vais le plan, je pense que ça va me déconnecter de la ville. Ouais. Pat, il nous faudra un collègue avec nous qui a le plan, quoi. Je vais visualiser le plan, c'est bon. Je pense que le plan, le commandant sera avec vous. Attendez, on prend les quoi deux, je crois, il nous a dit le commandant. Non, mais je pense que le commandant va devoir nous accompagner, du coup. Mais il faudrait qu'il dirige via la radio les opérations au sol, c'est important. Non, mais je vais aller voir le plan, Kadar. Bah, vas-y, prends le plan, DMG, vite. Excusez-moi, tous ceux qui ont pas le plan là, est-ce que c'est forcément obligé d'avoir le plan 98? Histoire que sur le plan tout est quadrillé, j'ai fait les différentes patrouilles où se trouvera l'hélicoptère, le shérif. Ouais, le shérif, mettra un genre de barrage. Ok, je vais essayer de... Ok. Bon, tous ceux qui ont pas le plan, je vais vous indiquer le plan après, d'accord? Vous irez, vous viendrez avec moi.
façon, on laissera un laps de temps pour qu'il débloque. C'est bon, j'ai réussi à avoir le plan, là. Ok, super. Qui d'autre ne peut pas avoir le plan, là, ici ? C'est moi, Kader. Ok, Kader, je vais vous envoyer ça sur... par mail à votre kaderboukabel@discord.gg. C'est mieux moi, vu que c'est moi qui conduira l'hélico, commandant. Non, mais toi, t'as pas... Toi, tu peux pas avoir un PMM, mais pendant ce temps-là, les gars, dans le réseau. Envoyez un Kader. Ouais, il les lira. Les gars, on palabre. Toi, deux, dans tes regards. Donc, Mbappé, j'ai mis en place un petit dispositif pour encadrer la zone. Histoire qu'il n'y a pas trop d'espace pour eux et beaucoup d'espace pour nous. Waha. Nous avons la patrouille 1, 2, 3 et 4. Qui sera, je pense, en Adam. Il faudra un hélicoptère sur les lieux et un sniper, un tireur d'élite. Ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va prendre position. J'irai en tant que négociateur sur place directement sur les lieux du MS-13. Je leur dirai qu'ils sont... Ce qui met le plan. Excusez-moi, j'ai la lampe qui fourche là. Les gars, j'ai le plan, mais je sais pas comment... Ils sont encerclés par les membres du LSPD ainsi que par le shérif. Ce qu'on va faire, c'est que si tout se passe bien, il suffira juste à les embarquer et l'affaire est close. On la mettra ce qu'ils devront avoir. Par contre, si rien ne se passe comme prévu, je compte sur votre efficacité sur le terrain. Et votre créativité. Le braquage, on s'en fout. Du coup, je laisse le commandant faire les patrouilles. Il me faudrait 4 patrouilles, commandant. 4 patrouilles ? 4 patrouilles d'Adam ? Ce serait mieux, mais je pense qu'on sera pas assez. On sera pas assez pour les Adams. C'est actuellement. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une Adam ou pas ici ? Oh non. Non. Une Adam, c'est une équipe de deux. Ok. Ah. Bon. Pour les Adams, Patrick et Kader, vous partez en hélicoptère. D'accord. 13 et 17, vous partez en Adam. Numéro 1. La dame numéro 2, 78 et 80. Moi j'ai un coup avant, 14. 78 et 80, vous serez la dame numéro 2. Les shérifs, vous serez la dame numéro 3. Les shérifs, il faut déjà leur position, hein. Ils sont entre la dame 1 et la dame 2. Excusez-moi, si je peux rajouter quelque chose. Votre collègue tout à l'heure, il nous a dit qu'on serait tous les deux dans la voiture, plus un de vos agents pour coordonner la radio. Donc je sais pas si on reste tous les deux ou si on en rajoute un agent du coup. Négatif. Arrêtez de me couper la parole comme ça. Je pensais à mettre Tariq Wahchich, les gars. Tariq Wahchich, mais le problème c'est que du coup on aurait. Parce que là nous avons. 23 et 24 sont ensemble en hélicoptère. Pas moi qui les avons... monsieur. Ouais, c'est ça. Vous allez faire quoi, vous 90 vous venez avec moi, quoi. Moi je vais aller carrément dans la gueule du loup. Quoi? Vous êtes fou ou quoi? Vous voulez mourir ou quoi? Vous prenez compte de ce que vous faites? Je vais aller parler de... Y a pas de... Vous allez dans le goût... Non. Mais il le fait pour le bien de l'opération, il faut bien quelqu'un qui soit sur place. Ouais, hein. Ouais, bah alors je préfère y aller, moi. Non, j'irai pas. Non, commandant, vous allez... Monsieur... 98, refutez pas mes ordres. Soit je viens avec vous, soit j'y vais tout seul. Oh, c'est beau. Vous savez, commandant, si nous allons à deux... c'est deux vies qui sont aussi, hein. Bah écoutez, je préfère plutôt risquer ma vie que de risquer la vôtre. Donc vous allez rester, je vais y aller, moi. C'est bon? Non, vous avez dit c'est soit nous deux, soit ces personnes. Ouais, bah alors maintenant je change et maintenant c'est moi. C'est bon? Non, c'est négatif. 98, commencez par m'énerver là. Je discute vos ordres là. 98. 98, c'est Hawa. Je vous écoute, monsieur, je vous rappelle que je suis membre d'intervention. Ouais, je veux bien, mais j'ai pas envie que vous risquiez votre vie. Cette histoire, c'est mon affaire. Ah, monsieur le commissaire, commandant. Commandant. Vous, monsieur Tariq Wahchich, vous arrêtez de faire le pitch là. Non, je vous ai appelé en fait. Ouais, bah c'est monsieur le commandant. Oui, je me suis trompé, ma langue a la fourchette. Attendez les gars, on va en parler de l'OM en Champions League, vous allez voir. Et vous aurez pas vous êtes terminé, je suis vendeuse là, parce que je me suis blessé là tout à l'heure. Monsieur, vous croyez que je suis un distributeur ou quoi? Pour canarder dans. Non, mais. Vous croyez que j'ai tout sur moi ou quoi? Balle, il faut. Parce que l'infirmerie elle est fermée du commissariat. Tu vas dans. Regardez, je vais vous donner. Allez voir l'armoire en haut à droite du scanner. D'accord, vous allez trouver des vendeurs. Attendez, je vous donne l'indication. Ouais. Attends, 248. Non, pistolet 249 et voilà, allez-y voir. Okay, bon, 98, je suis désolé, mais je peux pas te laisser partir tout seul. Hein. On ira deux alors. À moins que ton plan il fonctionne bien. Tu vas m'expliquer ce que tu vas faire tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça rentrer dans la gueule du loup, hein. Non, vous inquiétez pas, ils m'ont raflé là tout de suite il y a pas longtemps. Comme un cheval de Troie en fait. Ouais, un cheval de Troie, mais bon, j'ai pas envie d'esquiver la vie de mes soldats, moi. Non, mais vous inquiétez pas. C'est comme une famille, hein, les gars. Attends, je regarde. Vous êtes plus un sniper, vous, monsieur le commandant? Non, j'ai toujours 58. Il est possible que je demande.
Ah ben, vous voyez sur le plan, il y a une vidéo de sniper. D'accord. Si vous voulez avoir un visuel direct sur moi et peut-être me sauver, c'est votre position. D'accord. Donc, en patrouille 1, nous avons, vous avez dit 80 et 80 avec le shérif. 80 avec le shérif. 80 avec le shérif. 10-4. Ouais, essayez d'avoir une liaison. 4. Du coup, chef, je suis tout seul. Non, non, mais vous inquiétez pas. Les Lyonnais, ils ont bien. On va mettre Kader et Patoche, ouais, vous allez déjà en haut. Allez déjà en haut. Juste, ouais. Commandant, Kader, il aura besoin de balles pour rafaler dedans. Ouais. Balles de quoi? J'ai un bel pop. Ok, je vais vous régler ça après. 13 et. Ok, vas-y, on va en haut, viens, Kader. 13 et 17, vous partez déjà chercher votre véhicule. Pardon, les. Ouais, les courage, l'équipe, hein. Force et honneur, les gars. Ah, courage, les gars. Bonne chance, les gars. Respect et robustesse. Kader, saute, Kader. 13, ouais, il faut juste que je prenne les bandages. 18 pour ce que je vous ai demandé. Pour ta munition, Kader, pour ta munition, dépose ton arme et reprends-la. Vas-y, les shérifs qui sont. Guide-moi, c'est où? Vas-y, c'est moi. J'ai le mec avec le masque à gaz. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fout l'autre là, l'autre guignol là? On s'en fout, viens, va. On explique le gars là. De toute façon, l'OM, ils vont se faire racheter. Monsieur Opin. Ouais, t'inquiète. On verra pas l'OM la saison prochaine, t'inquiète. Pardon monsieur, pardon. Là tu déposes ton arme. Ouais. Dépose des armes. Juste le bullpup hein. Voilà, ouais, et après tu le reprends, faut pas qu'il te le vole. Prendre objet. Non, prendre arme, pas prendre objet. Prendre arme. Il y est plus. Je vois un fusil d'assaut. Ouais, je peux vite fait passer voir en EMS ou quoi. Ah monsieur, c'est vous qui avez pris le fusil bullpup. Monsieur. On le bute. Ah, il est là le fusil. Moi, je le vois en fait dans le dans l'armurerie. Comment ça? Non, mais il y a marqué fusil d'assaut pour celui-là, non? Ah, fusil bobo, je le vois. Il faut que tu reviennes, Kader. Ouais, tu sortes et tu reviennes. Ah putain, c'est chiant, bon truc. Tu sortes et tu reviennes du cercle, pas du serment. Pardon. Non, je sais. Sautez un coup, Kader, s'il vous plaît. C'est bon, je l'ai récupéré. Attendez, il essaie de prendre la balle. Je vais voir si c'est... Ouais, c'est bon, j'ai assez. Mais il arrive pas à reprendre le bullpup. Ouais. C'est bon, je l'ai. Oh, bon, je l'ai. Vas-y, on va, on vous attend au commandant. Ouais, j'arrive. Je vis je sers tout le monde et j'arrive. Monsieur le pistolet, la portée du pistolet aussi, si j'ai plus de balles, gros. T'es mieux que TeamSpeak, hein. Bah putain, t'es mou avec ça. Shérif, là, y'a des fusils bobo. Yo, t'es moche. Attends. Mais il veut quoi sucer Tovin alors que Tovin il est claqué. Merde. Tovin plus de... Je dirais pas qu'il est claqué, mais il est pas. C'est pas un top player quoi. Vous allez pas me dire que c'est un top player. Alors peut-être top player en France dans son rôle à ce poste-là peut-être, mais moi je le trouve Flotov. Si c'était un crack, il serait plus à l'OM. Merci. Le mec, il a voulu tenter une carrière en Angleterre, il s'est fait instant jarter. Le gars, il est que bon dans les clubs de merde. Non, forcément vous allez trouver vous allez trouver bon, forcément. Il a le rôle de faire valoir, c'est tout, dans les grands clubs, tellement il est naze. Commencez pas à rager, les gars. Tovin, il a 4 Sarabia, mais qu'est-ce que vous racontez, les mecs? Mais Sarabia, les gars, entre Sarabia et Tovin, les mecs, dans le chat. Moi, j'espère que t'es prêt à rire, hein. Bon, vous pouvez se concentrer sur le RP, les mecs, au lieu de rager dans le chat, là. Ils s'en foutent complètement de ce qui se passe sur le stream. Salut, Lutin. Palmarès de Paris, on a gagné un 8ème de Ligue des Champions. Goté au Lazy, les gars. Ah, merde, il est modo. Non, mais même... Alors, mais allez. C'est pas trop le même poste, mais même par un Draxler, pour moi, je le trouve plus fort qu'un Tovin. Draxler a gagné la Coupe du Monde. Tovin, il a gagné. Ah ouais, j'avoue, Tovin, ouais. Mais bon, Tovin, il était remplaçant tout le long, quoi. Il est naze.
Ah, j'ai l'impression qu'elle nous a oublié, hein. Ouais, je crois qu'on nous a oublié. T'es où, c'est qui me parlait? C'est ta conscience. Moi, ça, c'est ma conscience. C'est un stalker, je pense. Ah non, c'est le mec qui était emprisonné en dessous de nous. C'est le mec qui était en manant. Ouais. Ouais, écoute-nous, la petite voix, là. Arrête de nous reprendre, là. Tu commences à nous saouler. Attends, par contre, Kane, elle est où? Tire pas, tu me tues. T'as procédé à une vérification des pales et tout? Un accident est vite arrivé sur une colline. Ok. C'est bon, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez pas un meilleur hélico, commandant? Il est pas blindé celui-là. Vas-y, recule. J'ai un hélico avec des tourelles. Par contre, s'il te plaît, fais du vol Razmot. Je t'ai déjà dit. T'es trop en hauteur, gros. La prochaine fois, j'ai fais peur, du vol. J'ai peur, il y a beaucoup de tours là en vain. J'arrive tout de suite à fournir le nouveau sergent. Oh, merci. Draxler qui a mis la clim à Marseille, ouais, exactement. Qui a fait un salut comme ça, un salut allemand. Alors fermez-la, les gars, les Marseillais. Allez, partir. C'est le moment. Marseille, ça fait combien de temps que vous avez pas. Revenez sain et sauf, d'accord, vous deux. Faites pas les fois avec l'hélicoptère. On vous suit? Ouais, faut avoir des instructions, comment vous serez là, nous en avons. Mais je vous ai oui, je serai sur la radio TS1. Ce qui se passe. Exactement. Mais juste, on vous suit, du coup. Vous ferez attention, Kader, je vous ai envoyé par mail sur votre radio, Discord, le plan. Ouais. Si jamais ça peut vous aider à vous placer. D'accord. Pour l'instant, on va vous suivre. Pour l'instant, vous attendez les ordres. Je vous donne les ordres d'ici 5 minutes. Mais je vais équiper le nouveau sergent et je reviens vers vous. On peut déjà commencer le vol? Oui, vous pouvez commencer déjà le vol si vous voulez. Kader, on vole, on y va. Ah, par contre, testez bien tout, s'il vous plaît. Hein. Commencez pas à démarrer si le truc fonctionne pas. Hein. Vérifiez l'essence. Je suis sur la radio, mais vous m'avez envoyé ça en privé. Oui, je vous ai envoyé ça en privé. La photo directement. Ouais. Non, vous allez dans la radio. Normalement, il y a une catégorie plan. Vous allez sur le plan. Il y a un beau dessin du lieutenant avec l'endroit où sont posées les adams, ce qui va se passer. Vous avez compris ou? Je vois rien ce qui se passe. Hein. Ouais, je me suis connecté, mais le problème c'est que sur la radio, je vois plein d'icônes avec des. Enfin, voilà quoi. Ah, c'est des. Non, vous inquiétez pas, c'est tout est sous contrôle la radio. Hein. Bon, c'est pas radio, grave, c'est... on verra. Mais de toute façon, je vous demande pas de venir radio, je m'en fous de. Tant que je vous ai sur radio TS3, ça me suffit. Mais je compte sur vous juste pour aller dans voir la catégorie plan. Juste pour la catégorie photo, pour que vous voyez plan, comment ça se passe. C'est ça le plan qui. J'aimerais bien vous le montrer. Est affiché. Mais je le vois pas. Bon, frère, bref, vous avez le temps. Non, imagine les stream stalkers et la gang, ils vont direct voir les. Ah ouais, le plan. Ouais. Bah, demande-lui, tu peux le voir toi? Non, mais c'est bon, t'inquiète. Vas-y, monte dans les corps. Quelqu'un te l'envoyer au pire. Hein. Ok, Darka, est-ce que tu apprends? Ouais, affirmatif. Terminé. Vous entendez? Vous m'entendez? Okay. J'active les boutons de l'hélico. Cette fois c'est la nôtre, hein. On y va, à la gueule champion, à la gueule. Attendez, j'active. On passe en mode vérification des palmes, vérification du rotor. Vérification des palmes. Vérification du système d'urgence. Je vérifie. C'est bon, le système me dit que c'est bon. Vérification du tremplin hydraulique. Ok, je vérifie. C'est tout bon. 3 2 1 décollage. Oh là 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 là, ça va trop. Paris, c'est le bois de Boulogne en Ligue des Champions, tout le monde veut les baiser. On n'avait pas une bonne répute effectivement Paris depuis la honte qu'on a eue ces différentes les dernières saisons, mais évite de me remuer le couteau sur la plaie, Chewbacca, merci. Alors, tu vois qu'il y a un peu de policiers avec nous. On va les suivre, on Razmot. Attention, j'ai une nouvelle technique pour Razmot. Woho. Ouais, fais du Razmoting, s'il te plaît. Je vais faire ça. Prends pas trop de hauteur, s'il te plaît, ça va trop. Non, pour l'instant, on doit rester en hauteur, justement. Ouais. T'as des gros immeubles, etc.
D'accord, très bien. Avez-vous un visuel? Sur les... Ouais, sur le véhicule de police en dessous, on va le suivre. Ok, terminé. Pouvez me donner une information sur l'historique de l'Olympique de Marseille ces dernières années? Attention. Ok. Zéro match gagné, zéro match nul, élimination en poule. Je suis en train de regarder là. Terminé. Ok, il y a deux mouvements, je répète, il y a deux mouvements. Ah, je vois rien. Attention, on va faire une Kobe Bryant, on va faire une Kobe Bryant, je répète. Non. C'est bon, c'est bon. Oh là là. Attention, câble électrique, revenez à la base, s'il vous plaît. Revenez à la base. Je reviens à la base, je répète. Je Radio reviens à la base. TS3, Radio TS3, est-ce qu'on vous On vous entend. Vous pouvez partir directement vers le lieu. D'accord, je pars. D'accord, vous avez l'autorisation de partir sur le lieu. J'aimerais que vous me donniez tout ce que vous faites là. Parce que c'est super important pour le plan. On part vers la base, je répète. On part vers la base. 4. Compte sur vous, les gars. Ok. Ok, j'ai le musique pour ça. C'est parti, Darkan. Comme en 1900. Largage des leurs. Des leurs. Largage des gaz, je répète. Largage des gaz. Les gaz tombent de l'hélico. Radio TS3, je vous ai envoyé la photo directement si jamais vous la trouvez pas. La photo, ouais, on aimerait bien la voir directement sur la radio TS3, c'est possible. Ouais, je vais essayer. Regarde, Darkan, en dessous, c'est juste leur planque. Ouais, très bien, continuez à maintenir l'altitude s'il vous plaît, terminé. N'hésitez pas à envoyer du napalm si vous voyez des personnes. Quoi? Je vous expliquerai. D'accord. Non, ne vous en faites pas, mon commandant. Ouais, bien. Je pense que les gens nous ont déjà repéré au-dessus de la base. Hein. Merci, Spasmo. Reste en hauteur. Reste en hauteur. Maintiens l'altitude. Je maintiens l'altitude, je répète. Je maintiens l'altitude. Darmanin. Je regarde sur mon téléphone. Palmarès de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Très bien. Full défaite. Hop. Super. Kader, je peux savoir ce que vous racontez là? Ouais, non, mais je suis en train de... Ok, ça va. Pour que ce soit plus réaliste, je vais mettre un petit son. Tirer là, qu'est-ce qui se passe là, bordel de merde? Ok, on va faire il a mis le VOD d'Apocalypse Now, vous en faites pas. Il y a des explosions, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au-dessus du Hamas 13, nous sommes attaqués. Ok, je vois le rasmo, Darka, j'aurais pas dit. C'est bon, information du plan. Je descends, je perds de l'altitude, je répète, je perds de l'altitude, c'est pour vous, Darkan. Les grenades, grenades, ça, hop, les grenades dans la gueule. Attention, grenades. Attention, les jeunes. Hélicoptère, je vous envoie, hélicoptère, DMG. Ouais. Je t'envoie le plan. C'est difficile de regarder, je suis en train de voler, Bajou. Non, mais faire retourner deux enfants, on se le fait. Bah, genre non, parce que sinon l'hélico va se cracher. C'est à côté, attendez, j'en veux. Ouais, je vois à peu près où c'est. C'est près de l'autoroute, ok. Tu vas sur... Bah on y est en fait. Non mais on y est. Je survole l'autoroute, ok. Bon, on y est, Riri, c'est en dessous de nous. On y est, Darkan, c'est là, c'est en dessous de nous. Ok. Thank you.
toi tu vois des... t'as un visuel ou pas Darkan? Zéro visuel. Enlève la... Attends, le son. David, tu peux l'enlever s'il te plaît? Non, enlève, bah j'ai... Mais y'a personne je crois. Si, retourne en arrière là. C'est ici en fait, c'est dans la rue là, c'est leur gang. Mais on les voit là, si j'ai un visuel. C'est des mecs avec nous. D'accord. Va sur la route là, sur la route, je vais juste voir où ils sont les policiers. Non. Derrière toi. Je peux pas cette route. Encore qu'un. Demi-tour. Oh là, on va faire une combé, Pour l'instant, y'a personne, hein, je te le dis. Je vais remettre ma voix. J'ai l'impression qu'ils étaient habitués à ce qu'on vient, non? Tu penses? Ben... On va rentrer chez eux, ok? Comment ça, on va rentrer chez eux? Ah, parce que y'a personne dedans. On rentre en force du coup. Y'a des tirs en dessous. D'accord, y'a des tirs en dessous. Le minivan, tire dessus. Le minivan, je répète, le minivan dessous. Minivan, je le vois pas, le minivan comme ça. En dessous de toi. Y'a des échanges de tirs. Y'a un mec blessé, y'a un mec mort par terre. Y'a plusieurs mecs morts. Pourquoi ça prend pas mon arme là? En dessous de toi, Rere. Et vas-y, ça prend un pistolet. Putain, je suis en mode pistolet. Mais vas-y, mais nique sa rage, je suis en pistolet. Ah non, c'est bon. Je crois que tu tenais mieux ton aim, hein. Non, c'est bon. Tire dans le vide, là, hein. Mais arrête de bouger. Mais y'a personne, c'est nos collègues. Ok, je bute le camion. Vas-y, bute-le. Il a pas assez. Vas-y, je le chasse. Vas-y, tu sais pas, tu t'as pas le pourcent. Non, je vais me poser sur lui. Non, y'a un câble. Relève-toi. Reprends l'attitude. BFM News, descente actuelle de la police sur la masse 13. Oh là là, la BFM qui a parlé. Y'a BFM. Oui, c'est la révolution. Alors il y a ici de l'extrême position, gauche, les journalistes, des mecs des banlieues, de l'extrême droite, des syndiqués, des patrons, des MSS sont en déplacement. Très bien. Il se peut qu'il y ait eu des informations divulguées. Oh putain, il y a une poucave. Non, c'est qui? Non, c'est des divulgations par la... Par la GoPro? Par le Saint-Esprit. Ah, exactement. On va se poser, Darka, tu trouves que c'est une bonne idée? Bon, on demande autorisation au commandant. On peut se poser, commandant? Sur la montagne. Posez-vous tranquillement. Faites doucement, les gars, s'il vous plaît. Ouais, zone dégagée, c'est bon, localisé. Prêt à descendre. Là, je peux sauter, là. Non, arrête. T'es sûr? Bah, ça va. Oh. C'est chaud, là, c'est bon, je meurs pas. Attends. Go se poser là! Véhicule qui arrive à fond, je répète, véhicule qui arrive à fond sur la zone de gang! Commandant! Ok, vas-y! Mets-toi bien! Véhicule qui arrive en Véhicule noir! À l'intersection! Ouvre le feu! Ouais, mais je peux pas, mets-toi bien! Arrive pas! Voilà, sur le côté droit! Mets-toi de flanc! Comme ça? Ouais. N'ouvrez pas le feu sur l'individu, on ne sait pas si c'est lui! Imaginez que c'est un citoyen, les gars, s'il vous plaît! Ok, on a pas ouvert le feu! Merci. Comment ça, un hélicoptère qui vous tire dessus? Ah merde, effectivement... Il y a une petite rafale qui est partie, commandant, excusez-moi. Mais c'est avec nous, au moins ou pas? Je vous jure, c'est les meilleurs, ça. Au moins, moi j'ai qu'un mon hélicoptère. Avec nous, mais on n'a pas l'information aussi, mon commandant. On n'a pas l'information, ils arrivent à fond. Ah merde, vous m'entendez? Quoi? Ah merde, oui, y'a pas de soucis, messieurs, faites attention, quoi, s'il vous plaît. Approchez-vous. Approchez-vous de qui? Ils sont en train de lever les mains en l'air, regarde. Ah ouais, c'est des mecs avec nous ou pas? Commandant, est-ce qu'ils sont avec nous ou pas?
Véhicule noir, véhicule 4. Véhicule noir immobilisé, il y a 4 personnes qui sont sorties du véhicule immobilisé, en train de lever les mains en l'air. Approchez-vous, approchez-vous. Descendez, c'est pas des policiers, je répète, c'est pas des policiers. Je répète, commandant, c'est pas des policiers, il y a un visuel. Ils sont immobilisés hors d'état de nuire. Je m'oppose, je répète, à toutes les unités, je m'oppose. Attention, Kobe Bryant. Demande permission de tirer dans le tas. Négatif, non. Négatif, posez-vous. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe, faut les aider. On se pose, on se pose, on se pose, on s'est posé, on s'est posé. On se pose. On a réussi. Ennemi neutralisé. Levez les mains en l'air. Bougez pas. On a quadrillé la zone. Mon commandant, bougez plus là. Oh putain, voilà, c'est grâce à l'hélico. Alors, on a géré, gros. Allez, vigie, gros. Oh là là, on a trop géré. Pourquoi là? Pourquoi vous êtes ici? Boum. Pourquoi vous êtes masqué? Vous expliquez? Comment ils se sont chiés dessus, gros? C'est grâce à nos deux rien, on a eu la vie. T'as vu comment ils sont descendus direct? Mais heureusement, j'ai mis la rafale, hein. Heureusement que j'ai mis la rafale. Là, et moi, je les ai vus, t'as vu comment ils sont arrivés en fond, je les ai vus. Passe à la voiture, tout le monde là, tous les deux là. Kader, tu me fouilles le mec à capuche. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, j'ai plus mis un coup fait. Parce que ça vous fait les malins. Alors, monsieur, attends, mets ta pistolet ici, hein, en face de moi. Bah, on récupérez le pistolet, récupérez le pistolet, récupérez tout. Quelle vitesse, l'individu. L'individu a lui aussi, il dispose d'un véhicule, d'un pistolet à 250 et une batte. Ok, je récupère tout ça. Récupérez tout. Regarde s'il a son permis de port d'armes. Vous avez pas vu la nouvelle réglementation en ville, je pense. C'est que dans les véhicules et tout ça, l'eau. Ça a changé. La loi, là, vous êtes sur une opération de police. Que je me répète, monsieur, vous êtes masqué, c'est simple. J'ai tout pris, gros. C'est bon. Kader, on reprend l'écho, on reprend l'écho. J'ai récupéré, mon commandant. 23-24, bon travail. Non, vous avez pas le... On vous a tiré dessus. Ah oui, ah oui, oui, clairement. Ah bon? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Kader, monte dans les cons. Vas-y, on y va, on y va. Attention, attention les palmes. Test de palmes. Est-ce que les palmes vont marcher? Attention. Attention, retour derrière. Nice. Oh là 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 là. Je répète à toutes les unités. Les cons remarchent, je répète. C'est quoi le bim, c'est toi? Vous me neutralisez ces mecs là. Allez là, on se dépêche là. C'est toi le bip là. De qui? Vous parlez de qui? L'individu MS-13 là, juste devant moi là. Ok, on fait une redescente, okay, descente de zone. Descend sur lui. Descend en looping. T'inquiète pas qu'ils vont m'entendre. Je descends tranquillement par contre, ils sont en train de s'échapper, là. Qu'est-ce qu'ils font là? Maintiens le visuel, juste derrière, Ah, attends, les mecs derrière sont là, je crois. Pas de soucis, Commandant, y'a des gens qui arrivent à 4 de la montagne. Je répète, 4 armées. 4 rendez-vous. Radio, pire, radio, Kader. De la montagne, on me signale une arrivée de véhicules de la montagne. En dessous de nous. Tu les vois ou ça? Je vois pas. Mets-toi de côté, gros, je vois pas. Mais regarde en dessous de nous, y'a des mecs armés. Enfin, comment? Ok, y'a des mecs armés qui arrivent vers nous là. Tire, Ré, en dessous de nous. Je répète, en dessous de nous, Ré. Tire. Je vois pas en dessous. Lesquels? Mais tu fais quoi? Décris. Mais tu les vois pas, tu les vois pas bouger. Regarde là, la première maison, reste mais t'as vraiment 40 ans. À droite, devant moi, devant l'hélicoptère, à droite. Là, là, je tire. À droite, vas-y, tire. Mais il y a des flics dedans, t'es sérieux là? Mais c'est des flics, qu'est-ce que tu fais? C'est les mêmes mecs, regarde, Non, y'a un mec, elle est. Regarde, je descends. Mais DMG, t'es bourré, gros. Y'a un mec, c'est un maestras. Attends, est-ce que je suis vraiment bourrin? Ouais, t'es bourré, gros. C'est confirmé, gros. Le chat l'a confirmé. Ça fait 30 heures, j'ai pas dormi aussi, je vois mal. Ah ouais, c'est des flics. Putain de... Ah ouais, merde, c'est des flics. Ok, on retourne en l'air. Bah, retourne en l'air et maintient le visuel. T'es sérieux, DMG, là? Tiens ta com. Pas de ma faute. C'est qui ce véhicule, là? La SPD, je crois, non? Par contre, là, la camionnette, là, le fourgon, regarde le fourgon là-bas. Le fourgon. C'est un MG ou... À ta gauche. Ah, mordu. Mordu, ok. Descends. Va noir. Par contre, les mecs là, c'est qui là? Regarde, tu vois les mecs devant toi? Les 4.
Ouais, garde sur le visuel, garde sur les le visuel. Les 4 personnes qui sont sur le côté, vous les niez, Kader et... Ah, ok. Pourquoi ? C'est des simples civils qui participent. C'est les journalistes qui ramènent des gens. Ah, oh, c'est BFM. Quoi qu'il reste à dire. Ouais, au cas où, on garde un visu sur eux. Au cas où. On va baisser votre attitude. Je stresse de ouf, les gars. Ça se voit ou pas, les dans le chat? C'est ma première vraie opération. J'ai baissé l'attitude. Looping. Ok, est-ce que toutes les radios me reçoivent? Ouais. Ouais, bon. Alors, rapport de la situation. On a chopé un individu du MS-13. Cet individu va nous ramener tout le reste. D'accord? Soyez prêts. Soyez à l'affût. Ok. T'as l'air, t'es prêt à tirer? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, je suis prêt à tirer, ouais. Il nous faudra une description au sol. Il faudra une description au sol à chaque fois, les gars, dès que vous avez une... du véhicule. Pour qu'on ouvre le feu juste avant, on demandera permission de tirer. Ok, on va prendre les alentours avec Kader déjà pour voir d'où ils arrivent. Escadre, bonne initiative, allez-y. Un véhicule suspect, tu me dis, hein. Ouais, je te dis, t'inquiète. Autoroute, regarde bien sur l'autoroute, normalement les. La mafia, c'est l'autoroute, hein. Oh là là, oh là là. Non. Pour l'instant, rien à signaler, on voit sur la roca qu'il n'y a rien. Aucun véhicule suspect à l'horizon. Maintenez votre distance, s'il vous plaît. Il y a du voisinage juste en dessous. Il y a l'hélicoptère qui tombe. Regarde, l'hélicoptère, il se crache. Il y a un hélicoptère qui se crache en dessous, non? Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Un hélicoptère se crache devant nous, un hélicoptère de police. Oh putain, il y a de la fumée. Comment ça? Votre hélicoptère s'est crash? Non, un hélicoptère de police. Ah, un hélicoptère de police s'est crash près ouais. De vous? Ouais, ouais. Allez voir sur les lieux si ce qui s'est passé. D'accord, mais c'est dangereux. Hein. Vas-y, je le tente. Hein. Attendez, non, si c'est dangereux, non, tentez pas. Bah, je sais où c'est dans le lac là. Non, annulez, je vais envoyer Cajonnez. Prise d'information pour l'instant. Voilà, restez sur la prise d'information, lâchez votre commun, s'il vous plaît. Pour l'instant, rien sur la rocade, rien à signaler. RAS, on monte sur la colline. En prise d'information sur la colline. Je répète, prise d'information sur la colline. 10-4. D'accord. Les individus ont arrivé. Ouais, tout se passe bien. Ouais. Les individus ont arrivé. Hein. Pas de tentative de looping, s'il vous plaît. Restez sérieux, un minimum. Tenez votre pilotage. J'ai tiens mon pilotage, c'est pour aller vers la gauche. Très bien. Regardez bien sur le sens du vent. Pour l'instant, RAS. N'hésitez pas à balancer aussi des informations pour la radio. Terminé. Rien au niveau des côtes, au niveau de... Ouais, rien au niveau des côtes, au niveau de montagne, je répète. Rien au niveau des côtes et de montagne, terminé. Je demande permission de m'éjecter en parachute. Terminé. Non, y... non. Comment ça, t'éjecter en parachute? Bah quoi? Tu vas te sauter, tu vas prendre les palmes. Et c'est ce que tu veux. Bien sûr. Et tu vas racheter, tu vas le TF4. Ah ouais, j'avoue. Je te connais par cœur, hein, ça. Hein. Voiture de police, vas-y, maintiens le visuel sur la voiture de police qui est en train de remonter sur la colline. Ils attendent que ça, le chat. Baisse ton altitude, on va voir ce qui se passe là. Voilà. Vol de stand-by là. Reste ici, bouge pas. Attends, je reviens sur le lion. Faut pas que j'aille trop vite. Les gens qui se fight entre un Big Deal et un. Les gars là. Et les Rizoli dans le chat là. Les 3 mois et les 6 mois. Arrêtez de faire ça dans le chat s'il vous plaît. Bon, c'est la même famille les gars. Arrêtez de vous comparer l'ancienneté, vos gags sur l'ancienneté d'abonnement. C'est bon, on voit tout là, Darkin. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, reste comme ça, tourne autour. Non, peut-être pas la même famille, mais enfin, non, c'est parce que je voulais. Enfin, si, enfin, un petit. Regarde, on a un vol de rasement, c'est bien ça, non? Voilà, là c'est beau. Mettez-moi une note sur le plan là qui vient de faire DMG. Pas de plan. Mettez une note sur le plan là. Eux ils sont ouf. Hein. Oh, on peut les insulter, ils se barrer direct en Alcon, ça qui est bien. Tiens, je vais aller me poser, tu vas aller pouvoir parler au mec du MS-13 et on repart direct après au carré. Oh, vas-y.
Attends, t'es sûr qu'ils vont nous dire parce que là on doit maintenir le attitude hein. Oh putain, mais bien, non, les pales. Ouais, c'est bon. Vous en faites pas. Tout va bien. Ouais, tout va bien. J'ai sauté au dernier moment. Ouais, ça va, ouf. On fait pas attention là. Ouais, ça va. Oh. Ah, lieutenant 04, vous allez bien? Ouais, ça... Ah, je suis plus lieutenant. Comment ça, vous êtes plus lieutenant? Ouais, j'ai déposé ma plaque hier. Ah bon? Ouais, je suis devenu dans la couture. J'arrive, mon poisson. Ah, ok, ça va. Je veux savoir ce que vous faites ici alors? Bah, j'allais à mon travail et puis je vois un hélicoptère. Non, mais pas de plus. Je prends des nouvelles de monsieur là qui est tombé. Ouais, non, mais tout va bien. J'ai réussi à. Heureusement que j'avais le gilet qui a amorti la chute. Ah, ouais, comme moi. Vous allez bien? J'ai des bandages, hein, si jamais. Bandages, ouais, les sur pour vous. Tout va bien, mais là, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Le vol Razmod. Je comprends pas. Pantoche, Razmod. Razmod, j'ai dit. Ouais, attention, on est pas à l'abri. Il va nous faire une variante. Oh non. Non, ça va, il se pose en douceur. Quelle idée de se poser sur une colline sur une pente là. Vous êtes sûr que vous avez votre permis de conduire? Eh, vous avez permis d'hélicoptère, vous êtes sûr, vous? Ah, bah merci, hein. Voilà. En même temps, si vous pilotez avec votre masque, là, avec votre buée que vous avez, là, ce que je vois, monsieur, ça va être compliqué de voir ce que vous faites, hein. Bah non, mais c'est... j'ai un petit problème. Ouais, bah, gérez votre problème, là, s'il vous plaît. Commandant, le sergent a battu un homme au niveau des silos. Ah, on a pas mal parlé de Kobe, c'est trop tôt. Oh, merde. Bon, excusez-moi, je vous laisse entre vous, je dois aller rejoindre le lieutenant. D'accord, très bien. Bon, d'accord, on repart en vol. Chantez, messieurs. On repart, d'accord. Ouais. C'est l'équipe pilotage ici, là. Et... Ah, d'accord. C'est on maintient visuel dans les airs, nous. Ouais, j'ai vu ça, parfait. Tout se passe bien, attention, équipe au sol. Ouais, il y a un véhicule qui traîne là-bas, véhicule noir en face. Côté attends, nord-ouest 280. On va y aller. Vas-y, d'accord, 3, 2, 1, on monte, il faut comment. 3, 2, 1, on monte. Non, faut que tu montes derrière, Darkin. Voilà. Attention. Pas de Kobe Bryant pour aujourd'hui, je répète. Pas de Kobe Bryant. Kobe Bryant non confirmé, terminé. Véhicule noir en approche. Voilà Razmot pour le véhicule noir. Voilà Razmot. C'est le meilleur. Il y aura jamais de crash avec moi. Comment okay. Tu fais pour rattraper au dernier moment? En fait, à chaque fois, je spam mes touches. Je les ai bin, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Ah ouais, d'accord, c'est pas n'importe qui peut faire du piloting. Ah ouais? En fait, le 1 c'est pour aller en avant, en fait. Le 2 c'est pour aller en arrière, le 3 c'est pour aller à gauche, et le 4 c'est pour aller à droite. Regarde. Il y a un gars qui a dit, profil, tu tournes la pelouse. Regarde là, on va faire un petit looping. Vas-y. T'es sûr? Bah, ouais, looping, mais fais-le là-haut. On va montrer notre compétence. On adresse. Ok, vas-y, attends, vas-y, je monte en haut. Prendre de la hauteur. Je monte le plus haut possible. Hein. Et il nous a de la colline, parce que la colline c'est un peu en altitude, donc comme ça t'auras de la marche pour récupérer. Va plutôt dans les villes. Ok. Ouais, t'es on va se poser sur la maïs bank. Vas-y, go, go looping. T'apprends? Faut que j'y réussisse ça. Wow, c'était quoi ça? Putain, merde. Pas grave. Allez, ça marche ou pas? Ouais, nice, continue. Oh, ce que tu mets, gros. Tu fais des petites vrilles. C'est trop bien. Tu vas mettre l'hélicoptère à l'envers carrément. Un vrai looping, tu vois. Attends, c'est quoi, je vais bin d'autres touches. Et j'espère ça que va, le creux. Ça va, ce que vous faites, radio là. Oh, ouais, on est en train de maintenir le visuel là, on est en train de chercher. Le visuel. Éventuellement des personnes étrangères dans la zone. Rien à signaler. D'accord, je coupe radio. C'est bon, il a coupé la radio, Darkin. Ok, je vais bin mes touches. Dis-moi quand l'hélico commence vraiment à tomber, ok. Ok, vas-y. 3, 2, 1, échappe. Configuration. Putain, ça baisse en moteur, en régime là. Pour l'instant, ça va. T'inquiète. Tu vois, tu pouvais faire le vol stationnaire là, comme ça, géostationnaire. Attends. C'était bien là. Tu peux pas faire ça comme ça. Quand tu bouges pas. Le vol stationnaire. Ah, mais en fait, j'ai pas besoin de bouger, je touche à rien, ça fait vol ça. Ah, bah voilà, il fallait faire ça parce que nous on galérait à chaque fois.
Attends, j'appuie sur G, ça va faire quoi? Fais pas n'importe, fais pas sur F gros, hein. Sinon je suis tout seul, hein. Je peux pas piloter, moi j'ai pas mon brevet. Non, je peux faire ça. Attends. Ceux qui ont déjà joué à GTA, les gars, est-ce qu'on peut faire des loopings avec l'hélico no fake? Je crois qu'on peut faire qu'avec l'avion, non? Non, je crois que c'est avec l'avion, hein. Ah, ils disent non. Oui. Oui ou non, du coup, Attends, je regarde. Pour l'instant, je vois plus de... Oui, mais je crois qu'ils trollent. Vous trollez, les gars, non? No fake, tu peux, ils disent. Oui, mais on c'est dur. Faire comment? Mais rien n'est dur pour DMG, il va le faire. Vas-y, bah vas-y, attends. Allez, allez. Avec la... Ah, t'as une manette ou pas? Nice. Bah non. Ouais, vas-y, vas-y, continue, plonge. Voilà, ah non, putain. T'as un truc de merde. T'as quoi, regarde, je vais te montrer que je sais pas faire de looping, mais je sais bien me diriger entre les gros immeubles. Non. T'es sérieux là? Viens voir. Merde pas, parce qu'il nous attend après pour la mission, hein. Par contre, la mission, ils sont super longs, quoi. Entre les deux tours, vas-y, entre les deux tours. Vise bien. Okay, baisse ton altitude. Baisse l'altitude. Attends, faut... je vais repasser en Jizz. Attends. Faut que je... Là, faut que je me tourne. Boum. Merde. Merci, Uchabs, et merci, Kidbu Z1. Merci. Qui a offert un sub en anonyme à Jason Sniper? Oh putain. Faut savoir c'est qui. Ah ouais? Mais c'est Jason Sniper, c'est fait offrir un sub? Ouais, il s'est fait offrir un sub, ouais. Moi je crois savoir c'est qui. T'es prêt ou pas, Rere? Ouais, vas-y, mais beau, hein, un truc joli entre les deux tours là. Là en plein middle, tu fonces dans le milieu là, tu fais un joli plan séquence. Vous êtes prêts, okay, pour go. Le plan séquence, les gars, ça va être magnifique. 3, 2, 1, c'est parti. Je rate, c'est de ta faute, Rere. Mais vise bien, descends un peu, pour que ce soit joli, ouais. Voilà. Oh, c'est beau ça. Tout droit. Voilà, nickel. Un peu à gauche. Oh, beau gosse. Oh là là, les gars. Oh, il est trop chaud. En plus, c'est pas dur. C'est très dur à la manette au clavier. Hein. Skimmer. Vas-y, on va voir ce qu'ils foutent là-bas avec leur truck. C'est dommage qu'on a pas les parachutes là, chérie. J'aurais bien fait un petit saut là. Et qu'on a la parachute automatiquement quand on rentre dans un hélicoptère. Hein. Bon, je crois, je suis pas sûr. T'es sûr? Parce que j'allais le tenter là. Attends, demande au chat. Non, je crois pas, non. Mais t'es sérieux là? Demandez au chat? Bah mais quoi, jamais. Ils sont gentils, ils disent. Mais non, mais ils vont troll, ils vont dire. Oui, direct, regarde, ils vont. Et en plus, y'a même pas la touche, à chaque fois je me gonfle. Ok, t'es que je te montre un autre truc, tu vois le pont là-bas ou pas? Je passe, ouais. Entre les fils de pont. T'es sérieux là? Non, pas, peut-être pas entre les fils, mais en dessous, franchement, si tu le fais, respect. En dessous tu passes, mais pas sur le pont, hein. Juste en dessous. Faut que je parte un peu dans l'altitude. Ça va être beau, regardez le geste technique les mecs, hein. Du RP comme vous en avez jamais vu. On descend, plonge. Merde, y'a plein de fils en fait. Non, pas dans les fils, non, pas dans les fils. En dessous, descend. Je vois. Trop tard. Monte, reprends l'altitude. Oh putain. Oh putain, t'es trop chaud. Comment t'as fait? Quel est le meilleur joueur? J'avoue, meilleur piloteur. Bah, franchement, meilleur piloteur. Le meilleur piloteur ever. Il a fait une virgule. Non, retourne au lieu du. Ce piloteur. Dis-moi, y'a pas un autre truc là, moi je fais tout maintenant. Tu vois le sous le pont là? Le sous le pont. Lequel? Sous le pont là? Non, le grand, pas. Le grand pont là. Attends. Ah, ce qui aurait été beau en geste technique, c'est. Dis-moi, c'est quoi? Sous le pont là, devant, tu vois, devant à gauche. Ouais, en caca, je vois. Le même endroit où t'étais, mais tu passes sous le pont. Sous ah, le ouais, tablier sous... quoi. Ouais. Ok. Vas-y, attends, continue. Attends, bah maintenant. C'est plus facile de passer en dessous, c'est nul. T'es sûr? Vas-y, non, t'arriveras pas. Par contre, vas-y, descends. Maintenant, descends et pique. Radio, vous êtes où? Ouais, on est en train de live.
Y'a rien à signaler pour l'instant. Ouais, bah, retour au commissariat, ça en fait un 10-19, on a interpellé l'individu MS-13. On okay. va passer en interrogatoire, nous on contourne partout, vous venez avec. D'accord, donc nous on termine avec l'hélico, on rentre à la base. Ouais, on finit, ouais, on arrive, vous inquiétez pas. Vous pouvez vous mute sur la radio, commandant. D'accord, d'accord. Ouais. Regarde ça. Autorisation, Autorisation de revenir à la base, toi, rooftop Comico. Exactement. On retourne patrouiller, okay. 98 va s'occuper de l'interrogatoire. D'accord, très bien. Oh putain, t'es trop chaud. Oh, t'es trop chaud. Il est trop chaud. Oh, t'es trop fort. Le RP, il est mieux. Oh là 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 là. Ça c'était un peu wet sur 10. En vrai, si je passe sur Fear, c'est pas mon problème. Viens. Retournez à la base. Oh là 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 là. Mais ça c'était un petit 8 sur 10 ça. Un petit 8 sur 10, allez vas-y, on retourne la base, c'est bon, vous voyez. Et là j'ai actuellement 18 FPS. C'est le meilleur joueur. Oh, tu vois tous les points en dessous par erreur. Ouais, je les vois, ouais. Non, DMG. Tu veux le tenter? Après, ouais, ce que t'as fait, ouais, ça se tente, hein. Non? De rien, cache bas. Non, 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 relève-toi, relève-toi. Pfff, oh, BG. Excès de kiff, excès de kiff. Retourne à la base, gros, Comico. Après, c'est la. On a bien travaillé. Eh bah, au moins sur le pont là, le pont là. Tu vois le pont? Faut t'en un dernier truc, mais très dur. Vas-y, ouais. Mais... Vas-y, ouais, sur le pont, ouais, ça va, tu le fais. Non, c'est nul ça. Il faut donne-moi un truc très dur. Faire tout, tout en rase-motte, tout. La ville? Non, le parking central, tu vois, toute la place du parking central. Ok, mon pote. Alors là. Comme ça, tu travailles. Voilà, ici, là, tu descends et. Ah ouais, je remets des armes dans le mec qui roule trop vite. Voilà, bah. Essaye de mettre un coup de pale, de déchiqueter un mec. On va voir si t'es chaud. Voilà, remonte. Oh là 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 là, attends, je remonte. Attendez, j'ai pas très bien compris, Radio, là. J'étais sous un pont, là. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Ouais, non, non, en fait, on est en train de voir si. On est en train de survoler le parking central pour voir si elle est. Non, non, coupe. Ah. Vite, on remonte. C'est bon, on remonte, on arrive bientôt, vous en faites pas, là. Mais j'espère que tout va bien, hein. Ouais, tout va bien, mais c'est pour prendre l'attitude, là, on est en pleine ville, là. On est en train de. Vite, descend. Ouais, on est juste. Je vous laisse gérer le 98. Ouais. C'est bon, on a remis l'hélico à sa place, on arrive. On arrive, ouais. Et toi là. Vous attends en bas. Ok. Réquisition de moto, désolé. C'est bon, on arrive, on a rangé l'hélico. Vas-y, devant, ils nous attendent. Bon travail. Encore une victoire de canard. Voilà. Bah, là, ce que vous faites, c'est pas très légal, quoi. Ah, vous montez sur mon véhicule, vous montez dans mon véhicule sans mon autorisation. Ah bah oui, mais monsieur, vous me foncez dedans et vous payez. Bon, je peux savoir ce qui se passe, là. C'est pas Secret Story, là. Oh. Qu'est-ce qui se passe, là? Alors, je vous explique. On était sur la route, c'est monsieur était derrière moi, j'étais devant lui. Hop, on enlève le casque là, parce que si je te parle et que tu m'écoutes pas, ça fait deux fois que je te dis d'arrêter là. Ok, c'est moche. Enlève ton casque là. C'est un manque de respect quand tu me parles. Est-ce que moi je te parle avec des écouteurs, moi? Sérieux là? Pourquoi lui il a un masque? Je pue de la gueule ou quoi? Écoutez, non, monsieur, c'est. Tu la trempes? Non, vous a demandé d'enlever votre masque, votre casque là. Anti-bruit. Monsieur, attendez deux secondes, j'essaie de l'enlever s'il vous plaît. Bah, on n'est pas au chantier. Vous, monsieur, vous prenez vos deux mains, vous levez votre casque, vous le déposez sur le bureau. Non, ça c'est lunettes. Vous êtes presque. Il est con lui. Il est con. Et après il veut porter plainte. Écoutez-moi. Je vous écouterai pas tant que vous. Monsieur. J'arrive pas à l'enlever, monsieur, mon casque. Bah voilà, je vous écouterai pas tant que vous avez votre casque. Ça manque de respect. On peut partir. Exactement. Bonne journée.
Bonjour, monsieur. Pour quelle raison je vais entrer ? Manquez pas de respect, monsieur, s'il vous plaît. Allez, circuler maintenant, partez. Alors, manque de respect, par contre. Manque de respect, par contre. Manque de respect aux agents de police. Bon, j'ai le droit de garder le silence. Calme. Alors, attendez. Je veux savoir pourquoi est-ce que tu manques de respect à mes agents de l'Espidil ? Alors, je manque pas de respect. C'est pas très RP ce que vous faites. Je manque de respect parce que je peux pas enlever mon casque. Exactement, monsieur. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un parler avec des écouteurs, monsieur ? Sans qu'il y ait une confrontation de respect. Tu me mets en prison ? Ah ouais, bah monsieur, vous êtes mal élevé. C'est ce que j'ai à dire alors. Monsieur, on parle quand on parle à quelqu'un, on enlève les écouteurs. C'est un signe de respect, ça. Monsieur, c'est ma tenue de travail, je peux pas l'enlever. Il faut que j'aille me changer. Directement. Comment ça, vous pouvez pas l'enlever? Vous prenez vos deux mains, vous prenez le casque, vous l'enlevez. C'est ce que je fais, monsieur. Si je vous dis que je le fais. C'est pas ce que je fais, c'est ce que je fais. Et le français aussi. Là, je suis énervé, là. Donc, si vous voulez pas que ça batte sur vous, je vais demander de partir. Revenez habillé de sorte. Vous n'êtes pas en tenue de travail. C'est vous qui parlez de français alors que ça va pas sur vous. Vous parlez bien le français aussi. Allez, au revoir. Monsieur, j'ai que ça qu'à dire que vous devez sortir, là. Ok? Ouais, bah, sortez. Je me casse. Merci à la police. Autorisation de faire un théon? Allez, cassez-vous là, putain. Et que je te reprenne plus là, ici, ok? Ouais, alors par contre, si je veux revenir au commissariat, je reviens au commissariat pour demander. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Tu reviendras, mais t'enlèveras ton casque avant, ok? T'enlèveras cette veste de marde, c'est compris? Putain, ça c'est vraiment les manœuvres. Venez, venez. Putain. Venez, on y va. Va chauffer ton réchaud à manger du poulet, Los Barbe. Putain. C'est ouf, ces mecs-là. C'est incroyable ce manque de respect. Ah, du coup, commandant? Pour l'hélico, on vous la met en haut, hein, vous le rangera dans votre... Ouais, il faudra que je passe, parce que j'ai vu qu'il y avait des petites griffes, là. Oh, bon, ce qu'on va faire... Quoi? Merci, Grimaud, merci, Matt le Faf. Non, j'ai pas entendu. On a juste en dessous, là, en dessous de nos pieds, là, on a un gars, il est à terre. C'est un citoyen, il fait n'importe quoi. Hein. Bon, il parle avec des mots en mode c'est pas RP, tout ça, c'est pas si. Ah, ça on va gérer, vous en faites pas, ça on essaie bien faire ça. On s'en occupe. Il est en bas, mais il est en bas déjà, on sent. On l'a déjà mis une balle en. Une quoi? C'est pas une balle, c'est un coup de crosse. Coup de crosse, pardon, excusez-moi. Ouais, parce que vous voyez quoi, vous croyez que c'est des pelotons d'exécution ici ou quoi? Un coup de crosse, c'est pas une balle. Arrête. Voilà, il est là. Regarde, il y a un mec qui m'a mis quoi? Mais les gars, vous êtes sérieux? Regarde, c'est ce qu'il fait là, lui. Bon, vous m'appelez des EMS là. Les mecs, on peut me régler ça, j'ai un érection là au niveau des Par contre, t'as tes livraisons Amazon de Godmiché, tu peux les faire ailleurs? Pas au Comico, ça. Qui veut que je la prenne par la queue? Mais... Oula, y'a des collègues, voilà, le médecin il est là. Ils sont plaisir ici. C'est qui m'a mis ça? Dès qu'on en demande le mec à terre, si tu m'entends, la prochaine fois, quand tu commences à te rebeller, je te jure, t'auras affaire à moi, tu vas apprendre à me connaître, moi c'est Kader, moi, ok? Oh, c'est pas c'est la mère ici. Commandant, je ici, les gars. Moi j'ai laissé le sergent s'occuper de l'affaire. Aïe, ouille, Vous allez bien, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez besoin de soin? Il s'est passé quoi, monsieur? Il s'est passé que l'individu a glissé. Alors, il s'est cogné contre le mur là. Pardon. Faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital. Pardon. Ouais, emmenez-le à l'hôpital, monsieur. Ouais. Il a l'air. Vous voulez quoi? Non, emmenez-le à l'hôpital, je vous le dis, il a besoin de soins. Commotion cérébrale, je pense. Commotion cérébrale, il est handicapé, je crois. Faut peut-être voir s'il a pas de quelque chose. Des fusillades de parking central. Monsieur, si je vous le dis. Monsieur, prenez-le là, dépêchez-vous. Monsieur, vous êtes sérieux? Médecin, c'est moi qui fais le diagnostic. Bah oui, mais vous avez quelque chose pour diagnostiquer? Alors, donc on commence à m'énerver là. Donc vous partez maintenant. Le mec s'est collé sur la tête, vous voulez pas faire le radio de son crâne? Il y a des tirs. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Mais y'a rien de marrant, de quoi? Vas-y, viens, on va pas trouver Adam. Attends. J'aurais bien voulu qu'on le mette. Qu'on termine l'autre là. Ok. Il y en a un devant, monsieur, je vous dis, y'a des tirs. Viens. On est mort de moi. Très bien, venez, on va aller derrière ça. Y'a des tirs, y'a des civils qui sont en train de mourir. Ouais, on va devoir les. Et vous restez. Ah, oh putain. Bon, les Bratislava Boys là. Je vais aller prendre un sortie là. Mais je suis. Ah, c'est des mousquetaires. C'est pas le savoir, hey, ici c'est pas Mardi Gras là. Dégagez là, les t-shirts noirs là. Vous êtes là pour quoi là? On a un bon petit café, toc toc. Nique ta mère là, surtout. Ah, qui a dit ça? Et on parle pas comme ça dans le commissariat là. Il est en train de courir comme une pute, hein, mais ça c'est. Ça c'est abusé ça par contre. Hein. Patrick! Refermez les portes quand même. Quoi? Votre truc, vous le rangez là? Je peux pas, c'est genre c'est pas moi qui l'ai mis. Comment ça? C'est quelqu'un qui a des. Des super pouvoirs quoi. Ouais, ah, pouvoirs, ok. Ouais. Ah, ok, d'accord. Vous avez cru que c'est vraiment quand même ça? Bah, écoutez, ouais, quoi. On va pas se mentir, d'après ce que j'ai vu, ouais. Bon, enfin, bref. On va pas. Qu'est-ce que vous faites là? Essayez de mettre un coup de taser juste pour la science dessus. Alors, allez-y. On va essayer de. Vas-y.
Vas-y, vas-y, essaye. Attends, je vais faire bien. Ok, t'inquiète pas. T'inquiète même pas. Ah, oh, ça fait de bain. Touche pas tes boules, t'es sérieux là? Hop, 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 hop. Tout va bien. C'est pour la science. Bon, allez dans le bureau là. Monsieur, monsieur, pourquoi il a un god Michel sur la jambe? Monsieur, venez, venez, faites pas attention, faites pas. Ah. D'accord, t'en fous. Ouais, vas-y, continue. Non, mais t'es sérieux. Ouvre la bouche, Kader. Non mais t'es sérieux là. Le mec qui m'a mis le god, je t'aime. Je peux faire ça maintenant. Vas-y viens, on va faire ça devant les gens. Vas-y viens, on va leur montrer de quel bon chemin. Vas-y viens, on va par une centrale. Bon les gars, alors c'est un petit round de récréation les gars, parce qu'on est, on a été en sérieux, c'était plus tout à l'heure. Vous nous autorisez les gars? Le chat, vous nous autorisez? On était un peu trop sérieux là, on va un peu... Oh, tu veux pas aller faire une PO à un mec qui est tout seul, mais elle est vraiment tout seul? Non mais au pire, le mec, tu demandes de te... Ouais, genre juste... tu veux pas lui faire une PO? Non, non, qui t'enlève le truc, tu vois, qui se met à quatre pattes. Donc qu'il l'enlève avec la bouche, quoi. J'ai compris, t'inquiète. Non, non, on a été sérieux avec l'hélico, on a bien joué en plus, on a pas fait d'accident. Vas-y, je vais prendre un mec tout seul. C'est la petite pause détente là. Fils de pute. Merci Sigint. Vas-y, j'ai une heure devant moi encore pour le stream. Faudrait, j'aurais bien voulu me faire débattre du cerf là, là où il y a Mbappé là, avec le pige là. Qui a la dalle là, dans le chat là? Vas-y là, y'a un mec. Vas-y, go lui faire, vas-y, t'inquiète. Tiens, je m'en occupe. Bonjour monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de braquer un restaurant? Monsieur, c'est un lieu privé ici. Bon, écoute-moi le noir là. Eh, hey, tu m'entends là? Espèce d'achénémiste de ta race là. Va t'enculer avec une parabole, une antenne parabole, sale bouffon, va. Je suis en train de te parler, gros. Gros. Oh. Regarde-moi ce clochard. Lève les mains tout de suite, là. Il veut pas coopérer, ce fils de... Il veut et pas là, coopérer, là, je me termine sur lui. Ah. Eh, hey, tenez-la, celle de mon collègue, tenez-la tout de suite, là. Mettez votre main. Tenez-la. Il répond pas à ce gros. Bon, vas-y, on laisse, elle répond pas. Qu'il a fait. Mais t'es sérieux là? Le mec en somnifère. Après, refus d'RP, hein. Ouais, refus d'RP, refus de scène. De toute façon, tu l'as entendu quand il a dit nique ta mère à le mec. Le Ronan là? Non, j'ai pas entendu. Ouais, si, si, tu l'as entendu, entre nous. Ah oui, c'est un moment quand on est arrivé, ouais, j'avoue, tu dis pas bonjour comme ça. Ouais. Y'a pas de meuf à l'unicorne là? Faut qu'on aille Bonjour monsieur, je voudrais sortir du véhicule s'il vous plaît. Si vous voulez sortir du véhicule, vous n'avez pas à stationner là, comme ça en pleine rue. Y'a de la circulation là monsieur. Monsieur s'il vous plaît. Monsieur, on va pas réitérer l'information plusieurs fois monsieur s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oui bonjour. Oui. Vous allez mettre sur le bas-côté s'il vous plaît. Bien sûr, attendez, je garde le véhicule. Ah non, vous allez laisser ici, mettez-vous sur le bas-côté. Qu'est-ce que vous fassiez là, déjà là, à la base? Tu faisais quoi? Comment? Qu'est-ce que vous fassiez? Bah, je venais de sortir de la fourrière. Ouais? Bon. Oh, ouais. Et alors? Ouais. Et alors, est-ce que c'est une raison de stationner là? Mais j'ai pas stationné en fait. C'est mais parce j'en ai que rien j'avais à foutre un petit problème véhicule, dans ma tête. Est-ce qu'il est sur le bas-côté? Non. Bah, non, mais j'avais un petit problème dans la tête, monsieur. On va te mettre une amende. Ou sinon, si tu veux pas te prendre l'amende, tu vas venir avec nous, suis-nous. Ouais, suis-nous. Mais pourquoi? On va t'expliquer dans un instant. On va t'expliquer, viens. Ok. Tu veux éviter l'amende? Vas-y. Mets dans les buissons, va dans les buissons. Non, sur le pont, c'est mieux. Quoi? Vous êtes des ouf, vous? Ouais, vous avez cru que j'étais votre bouffon. Viens. Commence pas à faire n'importe quoi. Eh gros, viens, parce que déjà, je connais quelqu'un qui travaille à la police.
sous le pont, va sous le pont, va sous le pont. N'oublie pas, mon grave, je travaille chez les Condés, oubliez pas. Va sous le pont, je t'ai dit. T'en fais pas, t'inquiète pas, y'aura rien du million. Je m'en fous. Vas-y, mets-moi l'amende, vas-y, mets-moi l'amende. On va lui mettre les amendes. Mets-lui l'amende. Eh gros, c'est quoi ton truc rose là bizarre? C'est mon GG. Tu fais quoi gros? Ok, toi tu auras affaire à bien. Tu vas voir mon grand ref, tu vas voir, on va voir. Vas-y, on verra les mecs. Eh, pas de menace. Vas-y, ok, c'est pas une menace. Arrête des putes, fils de pute, donc je vais t'enculer. Je vais t'enculer, fils de pute, espèce de bâtard. Accarde-toi, Kadar. Ouais, je ferme les yeux, vas-y. Fais des trucs comme ça, vous allez voir mon grand ref, vous faire quoi? On va voir. Tu lui mets je vais le dire à mon grand frère, oublie pas ce nom, Hamza Tolle, oublie pas ce sergent là. T'es gay. Vous allez voir, bonne de mange merde. Putain, merde. T'as moi un nom. Dis oui ou non. C'est un. Qu'on fasse quoi? Ouais, c'est bon, il a eu sa dose, c'est bon. Ça fait 1h30 que je suis bloqué, c'est bon. S'il connaît vraiment un mec, on est dans la merde, dans la police. Vas-y, viens. Aïe. Ça va, ça vous va pas mal. J'espère que t'as rien rentré. Comment ça saigne? Eh putain, je t'ai déjà dit, pourquoi t'as pas mis le défi avant, sale bouffon, va. Regarde, tu l'as fait saigner. Vas-y, venez. Non, ça pleure pas. Ton gros masque, Al Capote, pourquoi ça saigne, Al Capote? Il va devoir. Putain. Il a mis son masque, qu'il a un virus actuellement. On se barre, Kader. On se barre. Ouais, il est tombé dans les pommes. Wesh. Franchement, on peut applaudir le protagoniste parce qu'il a. Il est rentré dans le jeu. Hein. Réré, je m'en fous, puis on fait ça tous les serveurs. Hein. Ça, non, c'est bon, calme-toi, il faut varier. Non. Un petit dernier. Lui là. Oh, pas tout le serveur. Lequel? Lui là, à la go. Monsieur, vous allez le mettre sur le bas-côté, s'il vous plaît? Monsieur. Je vois pas, il est où? Je l'ai invisible hein. Ah bah vas-y, vas-y une dernière personne, vas-y viens. Il y a des gens à côté, t'inquiète. Ouais mais léger, pas d'enculade maintenant hein. Tu fais un petit pissou hein. Au pire tu l'aides à tenir le machin pour que tu pisses, ok? T'as besoin qu'il te la tienne. Mais là t'as vu comment t'étais par derrière gros? Bonjour monsieur. Oui. Vous voulez chercher du véhicule s'il vous plaît? Vous allez me suivre, on va parler de ça. Simple contrôle de routine, viens avec moi. Suivez-moi, monsieur. Je suis lequel? Le moi, le masque. T'es en double vol, ce DMG. Non, c'est lui qui a un écho de pute. Ouais. Venez sur moi. Monsieur, vous êtes d'accord avec moi? Quoi? Vous avez pas mis de chaussettes? Non. C'est interdit dans cette ville, monsieur, sinon ça pue. Ah bah ça pue. Ah dans le parking là-bas. Je vais pas le savoir, c'est une amende. Une amende parce que j'ai pas de chaussettes. On peut rectifier ça, on peut vous enlever l'amende éventuellement. Mais vous allez devoir faire quelque chose pour nous. Faire quoi? Bien non. Vous en faites pas, y'a rien de dégradant, c'est rapide. Je vais le faire monter en haut comme ça, anti-carkill pendant la scène. Moi je dis c'est des flics ripoux après. Montant. Non, vous en faites pas. Tu demandes juste à qu'il te la tienne pendant que tu pipi, ok? Ouais, t'inquiète. Mais après tu l'agresses pas, hein. Tu le laisses tranquille. Restez ici, monsieur. Bougez plus. Venez sur le plan, là. T'es sûr? Regardez-moi dans les yeux. Vous voyez mon petit zizi ou pas? Non, monsieur. Je t'ai dit de le bouger. En fait, il a un problème. Moi, j'ai des gants, je peux pas le faire. Mais pourquoi vous me notez? Accroupis-toi. Bon, écoute-moi, ça va bien se passer. Je vais t'expliquer. Attends, Patoche. Accroupis-toi. Comment ça accroupit? En gros, je t'explique. Tu vas devoir les appuyer. Reste accroupi. Allez, reste accroupi, je t'ai dit. Mais je suis accroupi. Attends, écarte-toi, Kader. Maintenant, suce-moi, fais le bruit. Non, tu devais l'aider à pisser. Fais le bruit. Encore. Ah, fais le fort. Mais non, c'est trop gros. Mais t'es sérieux, DMG? Non, fais pas ça, gros.
Bon, c'est bon, ça s'est bien passé. Pas fini, Kadar. Si, 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 t'as fini, commence pas, sinon je te contre ton zizi, ok? Libère-le, bébé. Je te prends pas les fesses maintenant, fais des bruits. Non, 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 libère-le! Attends, ok, bon. Allez! T'es salope. Ouvre ta bouche. Patoche! Ah! Laissez-le tranquille. Attendez, je vous en. Je vous enlève les menottes. Vous êtes libérés. D'accord. Excusez-moi, je passe comme un rave. Pour dédommager, attends. Donne-nous de la thune, Patoche. Ok, je donne la thune. On vous donne de la thune, mais vous. Dites aucun mot, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je dirai aucun mot. Bon, je lui ai envoyé la thune. C'est bon, vous avez reçu? Ouais. Voilà. Non, mais putain, mais tu vois. Oh, quel bâtard. Putain, je peux le libérer, putain. Que c'était connerie, quoi. Par contre, Ré, c'est quelqu'un qui a mis la cache, c'est pas moi. Bon, attendez. T'es sûr que c'est pas toi? Non, il est bizarre, votre collègue, hein. Bah ouais, je vais essayer de... Attendez. Vous pouvez vous baisser, là? Je vais pouvoir le prendre sans qu'il bouge, du coup, avec l'ancrage. Non, ça fonctionne pas. Ah, putain. Vous avez reçu l'argent, au moins? Oui, oui. Vous avez donné combien? 10 dollars. Putain, DMG, donne-lui plus d'argent, s'il te plaît. Écoute-moi. Donne-lui plus d'argent, je te dis. Pourquoi? Je m'en bats les couilles, donne-lui maintenant. Mais j'ai donné 10 000. Non, tu m'as donné 10. Jure sur la vie de ta mère, j'ai donné 10. Oui, je jure sur la vie de ma mère. Ta mère, elle a... Donne-lui 10 000, DMG. Non. Braque pas. Donne-lui, sinon je tire sur la bite. T'es mieux de t'expliquer, hein. Ouais, donne-lui maintenant sa thune, là. Donne-lui sa thune, mais j'ai pas 10 000, moi. Attends, je lui donne. Attends. Donnez. Je donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai sur moi. Bah donne-lui une matraque ou donne-lui un tas. J'ai reçu 4500. Tout ce que j'ai. Ça vous va, 4500? Oui, ça me va. Par contre, le pauvre, il y a un mec qui lui a mis des chiottes. Par contre, on n'est pas responsable. Il y a certainement un... Juste, je te parle à Sharpé. Ouais. Il y a un modeur là qui fait n'importe quoi. Ok. Putain, au pire des cours ou quoi. Ouais, vas-y, c'est ce que je vais faire. Vas-y, bisous. Bisous. Attends, pourquoi t'es là de Bezo? On se casse. Ah, je sais pas. On se casse. Bon, attends, le pige, t'as vu qu'on lui a dit de nous sucer à la fin, hein? Ouais, mais fais pas ça, gros. C'est pas du tout content. Bah, pourquoi c'est un replan? Les gars, ça va à 200 mètres, les mecs, ils prennent que des coups dans la gueule. C'est pas moi, Ré. Je suis dans la Twingo. Tu t'en fais embarquer par un mec bien bravo. T'es où? C'est bon. C'est bon, c'est en roleplay. Salut, Pinkalis. Du coup, maintenant, tu vas faire quoi? Bah, attends, on va voir le commandant et s'il y a plus rien, on se casse, hein. Vas-y. Ah oui, c'est une voiture, ça va. DMG, il peut pas le virer, en fait, c'est un modeur qui lui a mis Yumikon. Ah, Yumikon, mais je peux pas le virer. Ouais, je sais, ouais. Bah, reboot. Je t'emmène dans Comico, je reboot. Elle a dit que qu'on n'avait pas le droit. Ouais, on a pas le droit, gros. Si, oh là là. C'est dire d'un mec. Ouais, on l'a déjà fait, je sais qu'il y a des modeurs qui l'ont déjà fait. Putain, je dois couper la rosier. On avait un troll d'excellence là. Mais non, empêche qu'il joue la replay sous le pont. Bon, ça va, j'ai pas filmé, mais. Et tu veux vraiment te faire bannir pour ça? Radio, vous êtes où? Ouais. Demande comme on est là. Vas-y, reconnecte-toi, David. Vas-y, je m'en fous. Disconnecte. C'est l'agent. Il s'est passé quoi? C'est quoi? J'ai entendu bannir. Il y a un modder là. Non, mais c'est bannir Twitch. Il y a un modder qui est sur le Zizi Rose. Est-ce que c'est interdit Twitch? Ah ouais. Mon commandant, il va revenir. Il a eu une déconnexion cérébrale. Il va revenir. Y'a pas de soucis. Ouais. Au concessionnaire, il y a une personne qui a tiré avec une arme plutôt rouge.
Ok, ça va. On va y aller tout de suite. Ça va, merci beaucoup pour le signalement. Ok, désolé. Par contre, s'il vous plaît, quand vous me parlez, je vous parle. Enlevez votre casque, s'il vous plaît. C'est par respect. Ok, très bien, pas de souci. Merci. Par contre, moi, je vais pas tarder à... Ça fait 24 heures presque que je suis ici. Oh, non, mais je comprends bien. Vous étiez, on a une opération très, très mouvementée. Et, ça prend sur les nerfs, hein, c'est normal. Hein. Ouais, je vais devoir... Arrêtez de dire, faut pas écouter Miyumi-Kon, il troll pas, les mecs. S'il dit, c'est... S'il dit ça, des fois il me troll, mais... Ah ouais, d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle. Ouais. On va profiter qu'on... la ville va ouvrir une nouvelle ville. Donc une frontière à la frontière, il y aura une ville avec des visas. Avec des formulaires. Ah ouais, c'est bien. Exactement, ça. Donc vous êtes sur la liste avec d'autres membres. Hein. Pas tous, mais il y en a qui sont. Ça va, c'est juste pour vous prévenir que vous êtes sur la liste et que... Faudra me prévenir si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui ou si vous quittez. Ouais, non, mais je viendrai, y'a pas de problème. Quand il s'agit de se protéger et servir, je réponds présent, mon adjudant. Super. Prévenant. Comme ça, au moins là-bas, on sera tranquille, on est. Ouais, parce que je vois qu'il y a pas mal de flux de visas déchirés en temps réel, je le sens là. C'est pas évident. Je comprends. Si on veut être tranquille, il faut passer par là. Hein. Ok, Yumi, je vais lui dire. Bon, attends, il faut que je suive. Vous voulez un café Je vais prendre un café, moi. Ok, Bah, j'attends Patoche en attendant. Mais tu peux te faire ban pour ça, par erreur, hein? Non, pas ban, mais il faut éviter, quoi. Faut pas insister, quoi. Ok, bon, ça va, heureusement qu'on l'a fait qu'une fois. Bah, en fait, en gros, il y a eu du RP sexe. C'est un streamer le faisait sur GTA. Et ils ont reçu des avertissements de Twitch. En gros, qu'il fallait éviter, quoi. J'espère que tu te fais pas bannir. Il arrive bientôt ou... Ouais, t'arrives quand là? Ouais, parce que moi je pense que je vais devoir arrêter. Hein. Je vais arrêter la LSPD. Prenez votre café. Non, je parle pas d'arrêter. Je pense arrêter la LSPD, moi. Mais je pense prendre une fin de carrière. Ouais, non, ça me. On est sur mes côtes. Mais attendez, monsieur, vous êtes le meilleur élément qui est dans cette ville. Le problème, c'est que aux yeux de la ville, il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas ma présence et. Mais comment ça? Vous avez fait part d'autorité, vous faites respecter la loi et les gens ils filent droit. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais malheureusement, il y a des gens plus haut qui... On peut rien faire, ça, c'est plus haut. Ça, si je peux... C'est pas mon pouvoir, ça. Ah, d'accord. Donc, ouais. Je peux pas agir, là, faut... Si jamais on rien faire. La patoche, il va jamais s'en remettre. Je l'attends, mais... Ouais, si ça change pas, je vais devoir être obligé. Mais après, si ça change, on va voir que... On va essayer de faire quoi que ce soit. Mais... Après, il y a une streameuse qui a pris un jour pour un téton. Je me dis au prorata, les gars, sur ce que je vais faire là à l'instant. Ouais, faites attention après, là avec le tapis, le chic qui glisse. Mais... Je prends un ban de normalement 5-6 heures normalement au prorata. Et qu'en plus, elle a fait un post Twitter. Mais parle pas d'elle, attends, DMG. Attends, viens sur le serveur. Ah ouais, je sais, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, certains de vos supérieurs, ils apprécient pas, c'est ça? Exactement, ouais. Ils font trop de remarques. Et pourtant, vous mettez du rythme ou de l'activité, vous essayez de faire bien les choses, c'est dommage. Ouais, bah... Ils reprochent quoi? Je sais pas. Pardon? Ils vous reprochent quoi? Ils reprochent que... Bah, j'en sais rien, c'est justement... C'est des enchaînements. C'est des enchaînements de tout, en fait. T'as pas allé... C'est vraiment des enchaînements de tout, genre... ça vient de partout, quoi. Ouais, mais Yumi, ça me ferait chier de ça. Ça peut venir de là. D'accord, très bien. Bon, c'est. Bon, c'est pas encore acté de toute façon là. Non, c'est pas encore acté. Là, je suis encore en service. Mais bon, il se peut que si jamais. Ouais, mais il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que je compte prendre encore sur moi ou est-ce que je compte prendre une retraite, partir sur une plage et m'installer quoi. Trouver peut-être une femme. Ça pourrait être intéressant. Ouais, il serait temps, ouais. Vous vous stabilisez un petit peu. Pourquoi pas fonder une famille, vous verrez, c'est pas mal, hein. Ouais, je sais pas. Peut-être que je suis déjà trop vieux. Mais non, dites pas ça, vous êtes beau gosse. La petite barbe bien taillée et tout. Vous prenez soin de vous, ça se voit, vous êtes coquet un petit peu. Bah ouais, j'ai coupé mes cheveux, mais là, ça commence à repousser, là. Va falloir que j'aille chez le coiffeur, là. J'ai des petites repousses sur le côté, là. La barbe, je l'ai taillée. Ouais, je la taille tous les matins, mais bon. T'es où, là? Je sais pas, j'ai Ah, t'as oublié de remercier le sub du frère Oni? Et vous là, ça pousse pas, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, bah là en ce moment je fais du rising quoi, régulièrement. Ouais.
Ouais, ça, ça me fait une petite. Après, ça vous va, c'est bien, ça. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est bien. Et quoi, vous avez une femme, vous? Voilà, actuellement, non, là. Et au pire, ce qu'on peut faire, c'est prendre. Ouais, on va prendre un verre, là. On va essayer de voir un peu si on trouve des femelles. Faire des rencontres, un peu, là. Je sais pas, dans cette ville, j'en ai pas beaucoup croisé. Vous savez où il y a un coin à meuf? Malheureusement, monsieur, j'ai peut-être pas l'air de. J'ai peut-être un truc comme ça, mais moi, je m'y connais pas. Vous avez dit quoi? Ah, c'est-à-dire, vous y réfléchissez à qu'on se tape une pute à deux? J'ai pas compris. Oula, non. Là, par contre, non. Non, non, j'ai compris. Non, non, je parlais de faire des rencontres. Faire des rencontres. Ah, d'accord, ok. Ah, oui, découvrir un peu la femelle. Ah, ouais, genre, ça, pour charmer les mains. Ah, ouais, vous êtes un peu timide et tout. Ouais, non, mais ouais, 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 voilà. Côté, je peux vous faire des passes d'air. Salut, les gars. Ouais, salut. Ouais, salut, ouais, salut bonjour, monsieur. Ouais, parce que j'ai un peu du mal avec les femmes, ouais. Ah, vous en faites pas, pas toi, je suis pour vous aider, hein. T'es où, là, DMG? Pensez. Bah, je me cours, ça. Mais... Ah. Je me toujours. Ah, écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous, ah. Vous avez pris une balle sur l'épaule, là. C'est qui, ça? On me signale. Alerte générale! Alerte générale! Restez là, restez là, vous êtes blessé là. Restez là, vous avez. Ah, où est-ce qu'elle est, ce petit con? C'est quoi ces mecs là, gros? Moi je. Écoutez, va falloir vous faire soigner, venez avec moi là, dépêchez-vous. T'es où toi? Là je suis devant le Comic-Con. Bah vas-y, viens, on s'est fait tirer dessus, gros. Vous faites quoi, monsieur là? Vous faites quoi là? C'est qui vous? Vous êtes qui là? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe là? Y'a un monsieur là qui essaie de m'abattre. Il faut l'anéantir, il est où ce bâtard? Anéantir. Vite, 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 abattez-le là. Il est où? Il est pas. Monsieur, ça a tiré au silencieux. Ici, sûrement là. Rentrez ici là, vite. Messieurs, de l'ours a tiré. Oh, je veux savoir pourquoi tu fermes la porte, y'a pas qu'il y a quelqu'un. Mais je comprends pas ce qui se passe, non, y'a personne. Y'a quelqu'un qui veut nous abattre dans le Comico, c'est qui là? Ah putain, on est pas même au Comic Con, on est pas en sécurité. Ouais. Starfall est là. Oh, où l'individu? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je l'ai perdu de vue là, putain, il s'enfuit ce matin. Ouais, ouais, bon, on s'est fait attaquer là au commissariat, là, ça devient compliqué. Va falloir. Moi j'en ai marre. Attaqué par quelqu'un d'invisible? Ouais, putain, je sais pas ce qui se passe, mais on s'est fait. Ouais, exactement, ouais. Pendant que j'étais en train de parler de sortie avec. Donc c'est le commandant. D'ailleurs, Patoche, il faudrait lui filer quelques petits conseils. Par contre, le cadet là, juste derrière moi, vous voulez quoi? Ouais, justement, j'aimerais avoir accès à la radio, s'il vous plaît. Parce que déjà, on va commencer par un truc. Je peux savoir pourquoi vous avez un gilet pare-balles? Ouais, pourquoi? Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, quand vous demandez la parole, vous levez la main. Vous êtes un cadet, après, monsieur. Je sais pas beaucoup de noms. Vous êtes en stage. L'équipe pue la merde. Vous êtes en stage, c'est... monsieur. C'est okay, qui, ouais. D'accord. Ouais. Vous êtes en observation, donc vous observez et vous taisez. Là, nous sommes occupés à parler opération, monsieur. Bon, ce qui va se passer, pas c'est que vous allez être au standard. Allez, hop, venez avec moi, Vous allez rester dans Je sais pas, moi, on m'a demandé. Vous allez vous occuper de la tête, je veux pas le savoir. Je veux pas savoir, je suis sergent ici, venez. Allez, ping-pong. Mais je peux avoir une accès à la radio. Enlevez-moi ce gilet. Oui, envoyez-moi un mail. Allez, derrière le standard, vous occupez de l'accueil, là. Allez. Enlève-moi ce gilet. Enlevez le gilet pare-balles, envoyez-moi un mail. Voilà, monsieur. Je fais quoi? Oui. Il est là, ce fils de pute. Il est là. Oui, monsieur. Vous calme. Bon, toi, tu vas pas rester longtemps ici, je te le dis. Ta dernière volonté, dis-le. Allez, hop. Ni vu ni connu. Vous n'avez rien vu, monsieur le commandant, ouais. C'est nettoyé. Ouais. Oh, je peux savoir pourquoi tu rentres masqué au commissariat, toi? En même temps, tu m'étonnes. Allez, sors là. C'est vous le commandant. Monsieur, c'est le public, pourquoi vous avez un masque là? Vous avez Attendez une espèce de sèche là. Je vais enlever le masque, vous allez bien voir c'est qui. D'accord, je vais voir c'est qui, ouais. Ah, vous me reconnaissez, monsieur à gauche, non? Ah, monsieur à quoi? Gauche. Bah, des victimes dans ton genre, j'en croise tous les jours, pourquoi? Ah, d'accord. Ah, vous faites genre, vous êtes inconscient. Ah, c'était des mecs là? Moi, je le reconnais très bien, lui là, avec le crâne chauve, et vous, je reconnais très bien. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans la police de chez moi, non? Ouais. Vous avez pas dit? Ah, je vous ai... Ah, bah donc vous assumez que vous me reconnaissez? Bah, non, y a des gens que vous avez non, dit, non, vous me connaissez pas? Je sais pas, vous. Ah, bah non, monsieur, entre nous, dites la vérité. Attends, monsieur. Ouais, monsieur, et alors, on a fait un simple contrôle de routine, et alors, qu'est-ce qui se passe? Un contrôle de routine avec un bon. Regarde, vous le voyez là, comment il est écarté? Vous le voyez là? Pourquoi on parle là? Attendez, c'est pas grave, tranquille. Ok, bon. Là, c'est un peu bizarre, lui, hein.
Ouais, il est un peu bizarre. Il veut nous faire virer sans raison, moi, Kadar. Hein. Non, mais de toute manière, il y a pas de. Il y a. Je... Oh, 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 oui, y a rien. Non, mais il monte son fiac normal et tout. Qu'est-ce qu'il y a, on a rien. Ouais, ouais, mais je suis sous le choc là. Je suis pas habitué à voir tout ça, moi. Je vais aller dans mon bureau. Il m'a tué le mec, il est arrivé. Il est arrivé. Venez, on va le voir, Kader, elle est là-bas. Ouais. Au pire, on lui demande, on lui dit. On lui dit, ça te dit de faire une deuxième fois en public devant tout le monde. Non, il y a tous ses potes. Hein. Il a mal, attends, il a mal. Il a... Attends, c'est tous ses potes là. Marde. Merde. Vas-y, on se attends, toi, tu fais quoi? Restez dehors, les sages. Oh, ah, voilà. Et mais si, je peux savoir pourquoi vous êtes des citoyens. Ouvrez, s'il vous plaît. Fais quoi, mon rat? Reculez, laisse-les jouer. Bon les gars, on parle en pression, on vous a dit de parenté ici. Non mais moi je veux rentrer, Bisous, prends-toi. Pourquoi t'as ramené tes potes alors? Vas-y, on va s'expliquer. Comment ça j'ai ramené mes potes? Là je suis pas content là. Là je suis pas content, il est où le commandant? Ouais je buse l'éclair, tu mets des vents. Il y a le fiac écarté, ouais qu'est-ce qu'il y a? Tous ceux qui ont rien à voir ici là, vous pouvez circuler. Oh Hamza, t'as entendu? Tu veux qu'on paye l'opération, c'est ça? Vous êtes vieille, vous? Non, il fait le 23. Attends, j'ai mon pote, je suis proche, réponds-lui Pat. T'es comme moi, j'enlève mon masque? Oui, enlève ton masque, s'il te plaît. Comme ça, t'attrapes la maladie que j'ai, s'il te plaît. Non, raconte pas ta vie. Enlève ton masque, s'il te plaît. Viens, on va dans les toilettes ensemble, viens, mon ami. Ah, tu veux faire le mec? Ah, si tu veux faire le mec comme ça, je vais te faire 5 minutes, s'il te plaît. Comment ça, on fait pas le mec? Eh, je sais pas qui t'es gros, mais vas-y dégage, t'as pas parlé. Je suis sergent 6-9, comment tu parles là? Ah, je voulais pas savoir. Voilà. C'est bien. Vous savez, lui, c'est qui? Là, bon, suis-moi, c'est moi. Bonjour, monsieur. Routine, ouais. Non, suis-moi, assume, s'il te plaît. Attends, petit frère, tais-toi, Je m'étais pas, gros, t'es fou, quoi, regarde. Je boite quand je marche. Tais-toi, on va régler ça. Comment ça, je me tais? On m'a dit, il m'a dit qu'il s'est pris un truc, là, il faut pas. Bon, ok, je l'assume. Moi, j'ai un agent. Je l'ai enculé sous un pont, il a aimé ça, c'est bon? C'est un menteur, j'ai pas aimé ça du tout. C'était quoi le bruit que tu faisais? Donc s'il te plaît, j'avais très mal, Pat, tu t'appelles Pat. C'est qui? Hamza, s'il te plaît, Hamza. C'est lui ou pas? Ouais, c'est le crâne chauve, c'est le crâne chauve. Lui là, derrière là, lui là, celui-là. Comment ça le crâne chauve? Crâne chauve, quoi? T'as un crâne chauve, y'a quoi? Moi je vous ai traité, vous êtes d'accord? Y'a un crâne chauve, y'a un problème. C'est toi qui m'attire. Pourquoi je suis toujours par terre? Si t'as un problème, tu me dis, t'attends 5 minutes et je reviens. C'est un problème, hein. Moi, je m'en vais. Vas-y, go dans 5 minutes, vas-y. Ouais, j'ai un problème. Je te crache dessus, je reviens dans 5 minutes. Ouvre ta bouche, tu te parmes dedans. Si, gros, t'as un problème. Fais pas une affaire personnelle. Bon, ok, les deux sergents. Les trois sergents. Oh, Patrick. C'est normal, je suis. Je vais péter un câble là comme ça. Mec, tu me frappes, toi. Mais non, je peux même pas me charger. Non, toi, rentre à la maison, je vais m'en occuper. Rentre à la maison, je t'ai dit. Rentre à la maison. Allez, toi, on va défoncer le. Allez, je prends le relais. J'ai C'est bon. Je l'ai mis hors tête à tenir. Oh. C'est quoi? Ça va, collègue. Ouais, mais c'est pas toi qui m'as chauffé sur le pont. Tu me dis, viens là, je vais t'attirer. C'est toi qui assume pas, mon pote. Bordel. Merci Donovan, merci à DSX. Merci à DSX. Assume l'octama, du coup. Ah ouais, j'essaie. Assume l'octama. C'est bon, merci. Ouais, mais je suis. Tu disais, manque la bouche, tu me disais, ouais, avec les yeux, fils de pute. On se casse, je vais te parler deux secondes. Viens. Range ça. Vous pouvez me lever là. Oui, votre langage. Vous êtes policier. Hein. Ouais, il fait le gangster un peu, le policier. Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est bon, il va régler ça dans ma home. Restez en dehors de tout ça.
C'est quel commissariat ? C'est une histoire de fiac, monsieur là. Je veux discuter avec Patrick commandant. Seulement. Je veux non, pas j'ai dit Kawasaki, la marque de moto. Bon, du coup, oui. Kader, vous êtes libre ou vous êtes. Non, je dois faire attention à ce que si Patoche va déborder là. On est d'accord que c'est lui. Comment ça va déborder ? Mais qu'est-ce que vous. En fait, c'est un problème. C'est un contrôle qui a mal tourné et. Bon, je vais assister. La personne, la victime, est en fait un proche d'un des sergents. Et ils veulent des explications. Ouais. Bon, quoi ? Ah, c'est vous le commandant ? Ouais, c'est moi. Alors, le mec au crâne chauve. Bon, déjà, on va commencer par un truc. Déjà, tu vas le respecter, l'homme au crâne chauve, déjà. Comment ça, je le respecte ? Je sais pas ce qu'il a fait. Exactement. Je respecte mais pas. Peu importe ce qu'il t'a fait, tu respectes avant. Avant tout, si tu veux qu'on te respecte, il faut respecter les autres. Ah, bah d'accord. Ok, bah vas-y. Vas-y. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais avant que tu voulais du respect, reste là. Ça va partir en je sais pas pourquoi les mecs, mais. Peu importe. Mais du respect, respecter les autres. Je vais pas me répéter. Je pense qu'on va tous mourir là-dessus. Hein. Quitte à mourir, les gars, on le fait maintenant. Où est-ce qu'ils sont les autres hein? Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh, reviens là. Oh, reviens ici, toi. Putain, il est dans les locaux. Faites attention. Ouais, je fais attention, mais il a pas le droit de rester ici. C'est une zone privée, putain. Il est retrouvez-le. Reviens. Reviens, on t'a dit. Tu me pointes avec un pistolet, pointe-moi avec le truc que tu m'as sorti la dernière fois. Pointe-moi le truc avec le truc que tu m'as sorti la dernière fois, s'il te plaît, pour voir dans ton commandant. Juste pour voir. Bon, vas-y, sors-le. J'ai fermé les yeux, je sais pas ce qui s'est passé. Bah pourquoi tu l'as pas arrêté alors? Je t'ai dit, mon grand frère, j'ai rien fait du tout. J'attendais au deuxième étage, je vais me faire enculer. Tu vois, avec chouffré, tu vois, avec j'ai tout blanc, tout pâle, comme un mort vivant. Bah nickel, tu vas bien assumer ton enculade DMG, attends, je vais voir ça. Je vais non. Allez, on va trouver. On va voir ce qui se passe là-haut. On se dépêche là. Tu vas prendre ton petit attaque. Pourtant, vous arrivez bien à bien courir, hein, monsieur qui a pris quelque chose dans le cul. Hein. Laisse-toi faire enculer, DMG, vas-y. T'es où ? T'es sûr que c'est en haut là ? Peut-être que. Bah, si, tu as kiffé, t'inquiète. T'es où ? Je te vois pas. T'es où ? Vous avez une info ? Je suis en train de chercher. T'es où DMG ? Demandez le radio, il est radio encore ? Je sais pas moi, il me ramène dans un lieu. Hein. Il me baisse mon pantalon. Il est en train. J'entends des. Normalement, il est en train de. La personne, le sergent, au deuxième étage, je crois. Putain. Ok. Parle fort, on t'entend pas. Qu'est-ce que c'est ? Ma deuxième étage, cherche. C'est en même, ça donne sur la. Il y a des fenêtres, ça. T'es là. Ah, c'est là. C'est pas moi, je veux dire. Putain, votre trou de balle, il est. Commandant ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous foutez de ma gueule ou quoi ici ? Eh, vous voulez que mon crâne il explose ou quoi ? Remonte ton pantalon ! Qu'est-ce que vous foutez à lui mettre un bâton dans le cul là ? C'est ce qu'il m'a fait, votre collègue. Comment ça ? Qu'est-ce que vous. Ah, vous avez. Commandant, c'est une histoire personnelle. Bon, allez. Commandant, c'est personnel. Et dans un commissariat avec des caméras, c'est personnel. Monsieur le commandant. Monsieur, tout le monde vous voit là. J'ai pris mes précautions. Ouais, vous avez pris vos précautions, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez accès au système de sécurité ? Évidemment. Je ne le pense pas. Négatif. Impossible. J'ai des contacts à l'informatique. C'est impossible, monsieur. Pas à nouveau. C'est nimp, je monsieur, oui. Essayez de comprendre. Et pourquoi il a un masque à gaz ? Il pue de la mon gueule, petit frère, mon petit frère, monsieur, il est malade. Il a une maladie. Ah, il a un virus. Mon petit frère a subi une bavure de Patrick. Regardez l'état de son cul. Regardez l'état de son cul. S'il te plaît, poteau, il est troué. Aïe, tu veux que je te remontre ? Non, c'est bon, je te remonte pas. Parce que Starfall là, quand même, un peu. J'ai l'impression que t'aimes bien te dénuder devant tout le monde, quand même, fils de pute. Qu'est-ce que tu. Mais. Quoi ? Mais il parle mal en plus ! Purée, Hamza. Tu fais des fausses accusations alors que j'ai rien fait. Je t'avais dit, Hamza. Vous inquiétez pas, Hamza, c'est rien passé. Vous allez recoudre ça et on va régler ça. Non. Ok, bah passez-moi. On va régler ça avec de la biofine, c'est bon ? Bah j'aimerais bien porter plainte. Hein. Écoutez, vous allez en bas, vous portez plainte. C'est bon ? Sinon, on peut me donner de l'argent, non ? Ça, pas de l'argent. En fonction de on la pourrait plainte, tout faire l'affaire, Pat. Parce que t'es une pute, il faut de l'argent. Ok, bah, attends, on se reverra, t'inquiète bien. Viens, ma pute, viens dans le coin, je vais te donner de l'argent. Ferme ta bouche, viens dans le coin. D'homme à homme, de pute à pute, allez, on y va. C'est ton petit, moi. Eh, gros, parle bien, c'est pas ton petit, gros. T'as cru que c'était ton poteau. Je sais que t'es choqué, mais. Il a cru que c'était son petit, il fait le bonheur de voir ce qu'il a mis. Viens, ma pute, tu veux l'argent. Oh, le voyou de Wish, là. Comment ça, le voyou ? L'usage des armes de classe 4 et moi est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Il se passe quoi là ?
Je sais pas. C'est qui, c'est quoi ce son là que j'ai entendu? Ouais, j'ai entendu un son, c'est la... C'est quoi, c'est mis en enceinte? Je crois que c'est la purge. La purge résonne. Comment ça, la purge? Purge résonne. C'est quoi la purge, la putain? Me dites pas que c'est comme dans le... Vous êtes sérieux là? Est-ce le moment de purge? Patrick, explique-moi ce qui se passe là, la situation là. Quoi? On est dans... Qu'est-ce qui se passe? C'est la purge, attention! Rentrez chez vous! Mais... Reviens ici, reviens ici! Qu'est-ce qui... Pat, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Explique-toi là! Explique-toi, j'ai pas envie de le faire, explique-moi! Explique-toi tout de suite là! Mais j'ai rien fait, vous êtes là! Mais c'est pas explique-toi. Moi! Explique-toi! C'est toi ou pas? La bite m'a marqué non, vous êtes sérieux ou quoi? J'ai envie de savoir, dis-moi la vérité! Me trahis pas! On... Je viens de te dire, on la bite m'a marqué non! S'il te plaît, dis la vérité! Et je viens de te dire la vérité! Vas-y, tue-moi si tu me crois pas, vas-y, tue-moi, vas-y! T'as été trop loin, Patoche! Calmez-vous, Kader! Calmez-vous, déposez, c'est bon! Repos! On se calme! Ouais. S'il dit que c'est pas lui, on va essayer de le croire. On va essayer de comprendre cette situation. D'accord? On a perdu notre sang-froid. Il faut récupérer son sang-froid, respirer. Respirez un coup là, Kader. Allô? Encore un. Ça va aller. Ça va aller? Voilà, doux. Bon, Patrick, tu m'expliques? C'est quoi cette situation? Quelle est cette musique que j'entends? Est-ce que t'es responsable, ouais? Ah, je sais de qui ça vient, mais non, je suis pas responsable. Ok, ça, bon, c'est pas lui, c'est un autre gars qui est venu et il a foutu sa merde. C'est un mec, vous voyez de qui je parle, quoi, un Superman. Ah, ok, ouais, non, c'est bon. Et genre, je pense savoir que c'est qui, quoi. On y va. Allez, là. Bon, venez, on va travailler, là. Allez, on y va, là. Après, je vais prendre ma fin de service, moi. Il y a un putain de braquage, monsieur. Quoi? Toi, je vais te... C'est ça que tu voulais, ma salle, je sais pas quoi. Non, il me fallait... Non, des tisanes. Mais attends un peu. Non, mais au pire, attends. Mais je suis où, putain? Je suis allé où, là, putain? Putain d'enculé, sucez-moi la bite, cliquez-moi là, mange, allez, miam. Non, non, j'ai pris ça pour une trahison. Non, mais laisse-le. Je vous ai dit, vous auriez pu faire ça à n'importe qui, sauf à attendez, je peux parler avec Pat-Pat ou je sais pas quoi, le crâne chaud, s'il vous plaît. Juste non, moi non, et... toi, rentre à la maison que je te tarde. Juste moi et lui, rentre juste à la moi maison. Et lui. Gros, juste moi et lui, j'ai le droit de parler avec lui, non? Merci, okay. Lissard, et merci, Gecko. T'inquiète, j'ai rien, juste t'inquiète. Viens, vas-y. Ah non, on va parler ici, mon cher ami. Ouais, parler d'homme à homme, on se met en retrait. Ah non, parce que je vais prendre ma fin de service, là, du coup, on parle ici avant que je parte de la ville. D'accord. Allez, bonne pupute à papate. S'il vient dehors. Gros, pourquoi tu veux pas venir dehors, juste... DMG, porte tes couilles. Eh, porte-les un peu. Sors de Comic-Con ? Vas-y, je sors de... Mais attends, je cherche la sortie, en fait, là. Oh, voilà. Attends. C'est bon, il va sortir. C'est bon, il va sortir dehors, mais pas de règlement de compte. Ouais, okay gros, là je vais aller dehors. Je retourne dehors. Le problème, c'est que je le tue, ça va me retomber dessus. Hein. Non, mais le tue pas. Bah, tu veux que je fasse quoi dehors? Tu crois qu'il va me faire un câlin, quoi? Mais tranquille, mais c'est pas grave, je joue le jeu. On s'en fout, on le baisera en RP, putain. T'es en ego RP là, ils le disent dans le chat, fais attention, je rentre pas en ego. Tranquille, c'est un perso, hein, je t'en fous. Mais je m'en fous, moi. Non, j'ai juste pas envie de quoi, justement? Justement, ils vont pas te faire. Ils vont... Pourquoi t'as peur comme ça? Tu crois que vraiment ils vont te buter? Non, mais je m'en fous, moi. C'est moi qui ai envie de le buter. Justement, le bute pas. Parce que moi, je suis tout de suite dans l'histoire. Attends, il est où là? Viens. Attends, y'a un mec qui a le casque de cosmonaute. Ah, excusez-moi, monsieur. Vous êtes bon avec votre truc de cosmonaute? Ah, ça fait plaisir que tu me dises ça. Vous l'avez où, votre déguisement? Au truc de vêtements, pas loin. Vous faites quoi, enfin, ce déguisement? Bon, ici, c'est pas Mardi Gras, monsieur. Veuillez circuler, là. C'est quoi, ce bordel, là? Y'a pas... Eh, c'est Apollo 11 ou quoi, ici? Ou Apollo 14, hein? Qu'est-ce que tu me fais, là? Pas bien, par contre, hein.
que c'est le ouais, ouais, petit bout, là, vaccin bien, ouais. Allez, va faire le figurant sur Space Mountain à Disneyland de nous casser les couilles. Ici, on est sérieux. Vous avez des bonnes blagues au hasard, monsieur. J'aime bien. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des agents étaient butés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a mort de rire, le cosmonaute. Bonjour, monsieur. Il vient de pas rigoler, c'est très grave, là. Il y a des gens qui sont morts, là. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ils sont butés, mais voilà, le mec que t'as charrié, il va maintenant débuter. Oh non, quel dommage, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah non, il est terrible. Ah, j'ai bien fait de pas rester, là. T'es même pas lui, en plus. T'es aveugle, vous entendez, monsieur l'agent? C'est où, le mec? Ouais, je vous entends, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts, ces gens-là? Non, je sais pas, je viens d'arriver sur les lieux du crime, là. Regardez les caméras. Regardez. Il a pas ton pote, hein. Il y en a une juste ici, elle a tout vu, cette caméra. Bon, c'est quoi, viens, du coup, le CD il marche pas. On se casse, ça rien. Plus rien. Viens, on se casse. Vas-y. Monsieur la police. Eh ben, y a un collègue à vous, il m'a dit. Eh, toi, la tête de WAM, casse pas les couilles, gros. On est en fin de service là maintenant. C'est bon. Ah, je peux pas deviner. Non, mais oui, je sais bien. Ouais, je sais bien, il y a des gens abattus là devant. Ouais, ouais, on sait pas ce qui s'est passé. Vous avez vu quelque chose ou pas, monsieur? Bah, moi, ouais, ouais, il y a un flic à vous, et ben, il m'a écrasé le poignet avec sa voiture. Ouais. De quoi ça, oh, désolé, limite, désolé monsieur. Putain. Ouais. Et ouais, mais vous allez bien, vous allez mieux non? Alors pourquoi vous plaignez? C'est bon. Bah non, je vais pas bien. Ah. Bah vous allez bien monsieur, qu'est-ce qui se passe? Avant de venir porter plainte. Si vous êtes arrivé. Merci Lisa. Bah ouais, mais je connais pas comment aider. Je peux avoir votre certificat médical? Vous avez mal quelque part monsieur? J'ai envie de tout RPG. Montrez-moi le certificat médical, ouais. J'ai mal au poignet. J'ai des mômes avec toi. Est-ce que je peux juste prendre un certificat médical? Comme quoi, vous avez bien été chez le médecin, parce que si vous avez encore mal, je vous conseille d'aller chez le médecin. Hein. Un point Aylan, et... il est où? Il est sorti de la place. J'ai pas mon certificat. Ah, mais non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous avez la plaque d'immatriculation, vous avez vu c'est monsieur Crimo Déter, alors. Sa couleur de cheveux, sa couleur de peau. Vas-y, je vous regarde. C'est noté, monsieur Crimo. Monsieur, réanimez le deuxième. Vous avez vu quelque chose, un visage? Oui, je le réanime tout de suite. Ça a pas l'air d'aller, hein. Bon, les gars, je vous préviens, restez pas trop sur le parvis, il va se passer des choses, les gars, je vous le dis. Mais il y a des blessés, là. Ouais, je vais pas le savoir, on doit fermer, nous. Parce qu'il va y avoir un problème. Bon, ferme ferme le rideau, là. Et allez tous vous faire foutre. Eh, je vais sortir. Bon, allez, moi, je décroche. Salut. Ouais, bonne journée, bonne soirée. Bon, je te conseille, bon, vas-y, si tu veux sortir, bon, bah, bonne chance. Hein. Monsieur, vous vous sentez bien, monsieur? Ah oui, ça va mieux, là. J'arrive à voir. Vous êtes aussi fait tirer dessus, monsieur? Je sais pas ce qui s'est passé, moi, j'ai perdu connaissance. C'est des choses, je crois. D'accord. On va se faire plaisir. Attendez juste un instant. On vous aura prévenu. Ouvrez. Ouais, voilà, vous voulez pas écouter, ça, on vous a dit de rester, de pas rester là. Non, faut pas rester là. Alors... Merci. J'ai bien compris direct. Est-ce que vous pouvez me présenter votre carte d'identité? Et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour le dossier. Le médecin, t'as vu? Patoche, mais ce qu'il le médecin, il a rien demandé. Il va prendre cher le pot. Dommage, c'est triste. Il fait quoi l'autre? Quelque part, je suis. C'est bon. C'est qui l'autre nom là? Il fait quoi? Monsieur Axel Malik. Et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Regarde l'autre qui. Putain, ils sont casse-couilles, les mecs. J'en ai marre. L'autre, il est à torse nu et tout. Ta gueule, taxi. Donc ça va aller, monsieur, vous avez pas de douleur, rien du tout, hein. Donc vous avez besoin d'une course? Non, ça va. C'est quoi ça? Ferme ta gueule! Bonjour, vous avez besoin d'une course? Je vois pas mon numéro de téléphone. Bon, maintenant. Ok, bah c'est pas grave. Je vous emmène n'importe où, à très bas prix, messieurs. Si jamais vous avez des douleurs, n'hésitez pas à venir à l'hôpital, monsieur. Ouais, quand on vous dira, quand on aura des détenus à ramener chez eux, là. Mais pour l'instant, on a personne. Courage, je te laisse erreur. Taxi sans permis, je vous emmène. Eh, hey, par contre, le chaudard là, juste devant là, eh, hey, tiens ton t-shirt là, il casse pas les couilles. C'est interdit ici. Eh, quoi? Attends, t'as la pudeur. Je suis la castagne. Je suis la castagne. Comment ça, la castagne? Il veut quoi lui? Il veut se taper ou quoi? Eh, comment tu parles? Bah, je te parle normalement. Comment tu parles? Eh, hey, c'est un gitan ou quoi? Sans pas toi, je sais quoi, genre. Je t'encule. Incroyable. Oh, viens, on part. Je vais rentrer. Non, mais toi, casse-toi, toi t'es en caleçon, t'as cru que j'allais parler, je suis pas pédé. Si, on part.
Allez, sortez de là, s'il vous plaît, là. Sortez de là. Circulez, monsieur, circulez. Un accident est vite arrivé, je te le dis. L'homo Bob, là, vous circulez, s'il vous plaît. Bon, vous me le dégagez, s'il vous plaît, je dois passer. J'ai une intervention, s'il vous plaît. Oh, putain. Allez, gars, dégage, là. Vas-y, moi, je prends mon fin de service. Excusez-moi, donc, je vais vous parler. Bon, monsieur le médecin, entrez, entrez. Merci, je peux parler à un gros gradé, s'il vous plaît. Ouais, je suis sergent, ouais. Waouh. En fait, ouais, c'était pour vous dire qu'en gros, j'ai travaillé. Attends, Marc, je crois que j'ai un grave problème, j'arrive. C'est vraiment légal. Y a un monsieur, en fait, qui m'a obligé à prendre un pot de vin de 5 000 $. Ouais. Et du coup, j'ai l'argent sur moi, là, actuellement, et je sais pas si on peut passer la main. Un pot de vin, pourquoi ou... Vous avez fait quoi, monsieur? Non, c'est même pas un pot de vin, en fait, c'est ce que le monsieur... En fait, je l'ai bien aidé, entre guillemets, vous voyez, je l'ai bien réanimé et tout. Ah, ben bah, ça vous regarde. Excusez-moi. Non, mais c'est pas ce qui se passe devant. C'est censé être imposé. Ouais, devant, c'est un peu l'anarchie. Hein. Je vous laisse. Moi, je vais prendre ma fin de service. Je sais pas ce qui se passe. Vous allez avoir du taf, hein, les gars. Bon, c'est vous êtes l'équipe de nuit non, mais... Ouais, on prend le relais, équipe de nuit. Reculez, monsieur. Reculez de la vite, là. Reculez. Putain, c'est qui ces cons encore? Monsieur le MS, s'il vous plaît. Ouais. Bon, vous avez besoin de demander autorisation au commandant de tirer à vue, hein, je crois. D'accord, merci à vous. Attendez, mais. Faut filtrer là, faut filtrer. Point Aylan. Au pire, vous pouvez tirer dessus, les gars. Si monsieur, devant la vitre, prénom. Monsieur, le prénom. Pour ouvrir, s'il vous plaît, j'ai un individu là. Allez-y. C'est à l'étage de la barquage du spirit. Attendez, il y a mon collègue qui arrive avec le monsieur. Eux, ils sont avec moi, les deux là. Ok, allez-y, rentrez. Allez, point Aylan avant de se quitter, les mecs. En tout cas, c'était sympa, on a quand même bien joué. C'était marrant. J'ai pas vu le temps passer. Donc monsieur, je vais juste prendre votre pièce d'identité et vous fouillez pour... Oula. Monsieur les boueurs là. Putain les clochards, on a déjà dit les clochards. Clochards là, Ah ouais d'accord, l'ouragan quoi. Il se passe quoi là, c'est un tsunami ou quoi? What the fuck? Alerte générale, appel à toutes les unités. J'ai mal. Oh putain, on en a perdu un. Putain. Je vais faire le massage cardiaque. Eh, sale clochard, dégage là, t'as dit là, dégage clochard. Putain, il est bourré, il est bourré. Bonjour messieurs. Vous m'avez tapé. Pourquoi vous m'avez tapé, monsieur? Messieurs, bonjour, vous avez besoin d'aide? Ouais, salut, professeur Raoul. Ouais, on en a perdu un, mais bon, non, c'est bon. Ok. Oh là oh là, et les clochards, les clochards. Ah monsieur, vous faites mal aux oreilles, hein. Non, c'est pas professeur Raoul, c'est monsieur Michel Simès. À défaut d'être sur les plateaux de télé, je fais enfin mon travail. Très bien. Sergent Kader, vous êtes là? Ouais. Sergent Kader?